Oh yeah, vous me pognez à ma dernière bouchée de déjeuner. Bienvenue. Oui, je déjeune à 1 heure. Bienvenue à Bob le Chef Live, la meilleure émission interactive culinaire et francophone de tout l'univers. On a tous nos habitués, sont là aujourd'hui. Vous êtes une méchante grosse gang. Pat Book, Cécile Top Chrono, Pascal Soucy, Steve Gendron, Angélique Payel qui est avec nous autres. Hugues Miller, salut à toi. Salut à Steve Hébert, Patrick Pelletier aussi, salut à toi, Valérie Paris, Véro Moui, Kia, bonjour à toi, mon Dieu, c'est dur à dire, Chantal Lamesse, je me réveille, j'arrive tout le monde, inquiétez-vous pas, Max Beaulieu, Stevie War, yes sir, Stevie War, Stenior Tavernacos, La Zone Barbu, Metalman 1986, Giovanni Apollo. Ça peut pas être une émission de cuisine si Giovanni est pas là. C'est Giovanni d'ailleurs qui a inventé les émissions de cuisine à On sait tous. Will Smith qui nous host. Gros merci pour le host, Will Smith. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitch, on vous encourage de hoster l'émission d'aujourd'hui. Nous aider bien sûr à propager la bonne nouvelle de l'anarchie culinaire au travers de la planète. Licornasse Québec qui est là. Tout en dur à dire quand on met une majuscule en plein milieu du nom, je pensais que c'était comme un autre mot. On a Mathilde qui passe. Mathilde, viens nous montrer ton casque d'écoute. Sérieusement. Non, mais hein, on upgrade. Hein? Vous demandez qu'est-ce qu'on fait avec vos dons. On s'achète des casques d'écoute comme dans des taux de contrôle, finalement. Mathilde, c'est sa sideline à l'atterrie des avions entre deux modérations du chat. Là. Jonathan Parenteau qui est avec nous autres qui dit « Hola tout le monde ». Hola à toi, Uncle Claude, qui est encore avec nous autres. What's up, Uncle Claude? De la bouffe, absolument. Jeff Québec, en écoute religieuse, gros merci. C'est bien sûr le jour du Seigneur, Jeff Québec. Hein? Fait que, gros merci. Hey, on vous rappelle aussi qu'on est en plein mois d'octobre. Puis là, je trouve plus mon carton qu'on avait mis à l'autre émission. Mais, j'avais mon truc ici, ça brasse contre le cancer. Ah, le bucket? Ben oui, le bucket, you. Excuse-moi, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Alors, c'est moi. Ah oui, non, c'est ça ici qu'on veut. Ouais. Oui, exactement. Voilà. Absolument. Voilà, Robert. Et voilà. Ça ici pour récolter les dons, assurément. Donc, voilà. Absolument. Regarde ça aussi, hein. Absolument. On se rappelle que tout le mois d'octobre, ça brasse contre le cancer avec Bob le Chef à l'émission Bob le Chef Live. On soit 4 micro-brasseries différentes. On est rendu à le troisième micro-brasseur aujourd'hui qui s'en vient faire un tour. Il est en train de gérer ses réseaux sociaux en ce moment. Puis vendre de la bière probablement aussi. On va voir les gars. On va voir Raphaël, la brasserie Dépareillée qui va être avec nous autres. Justement, par contre, je veux finir de saluer. Qui c'est que j'oublie? J'oublie-tu du bon? Il y a Big Magic qui est avec nous autres. Alexis, je pense qu'on a un don. Ça la laisse sonner à la cloche, Alexis! Ben, en fait, c'est justement, c'est précisément ça, Bob. En fait, là, on parlait de bière, ben, on a déjà reçu 3 dons significatifs, hein, donc 3 grosses bières. Une première à tous les habitués, hein, notre Sébastien Roy, notre cher Manu et notre cher Pat Book. Pat Book, pendant qu'on parle de Pat Book, salut à Richard Bonnie qui est avec nous autres aussi. Mais Pat Book qui pose une question. Qui nous dit qu'il a acheté un arbre de chou de Bruxelles. Comment le conseillez-vous de le cuisiner entier? Je te conseille, Pat Book, d'aller voir l'émission où ça l'a dérapé en masse avec le chef Martin Junot. Ici, Martin Junot, on a fait un combat des chefs où Martin Junot me sac une volée, littéralement. En fait, je rate mon omelette. Et Martin Junot, il cuisine un arbre de chou de Bruxelles d'une façon assez flyée, d'ailleurs, il me semble. C'est un des plus beaux plats, en tout cas, artistique. À ta défense, le défi à relever était quand même de taille. Là. C'est, il me semble qu'il y avait... Il fallait la langue de porc. La langue de porc, oui. Donc, mais oui, Martin, je vois qu'il s'en est quand même sorti. Il avait les mêmes ingrédients que moi, Martin, puis il s'en est mieux sorti que moi. Magic Toaster, qui est avec nous autres. Cool Rocks, qui est avec nous autres aussi. What's up à tous nos amis qui sont là. Sinon, je pense qu'on a fait le tour de tous nos noms. Hein. Ben écoute, je vous rappelle hein, que ça brasse contre le cancer. Vous êtes à Bob le Chef live jusqu'à 3h30, au moins 4h cet après-midi. La meilleure émission interactive de toute l'histoire de l'Internet, ça a l'air. Écoute, il y a plusieurs façons que vous pouvez nous donner un coup de main. Parce que je vous rappelle que hein, Bob le Chef live, c'est une production indépendante entre Mathilde, Alexis et moi-même. Les meilleures façons de nous donner un coup de main, bien sûr, c'est d'aller sur le site boblechef.com. Et
vous cliquez sur l'icône Bob le Chef Live et par la suite, vous scrollez down, comme on dit, dans le langage des internautes. Il y a plusieurs dons significatifs. La canne de thon, la grosse bière, le petit poulet, la bonne bouteille, le foie gras, la bouteille de bulle. Vous pouvez même devenir patron pour la modique somme de 6,66 par mois. Puis vous abonner via Twitch pour ces 5$ par mois. Le pledge est à 6,66. 6,66 sur Twitch aussi. Vous pouvez acheter des bits. Le monde sur YouTube. Vous pouvez partager le URL sur votre réseau social préféré. Et les gens sur Facebook. Vous pouvez partager l'émission d'aujourd'hui sur votre propre page. Et là, je vois Chantal Hamès, Véro Mouikoui, Kia, Valérie Paris, Steve Hébert, Pat Pelletier, Jonathan Parenteau. Je prends ces noms-là en note. Vous pouvez checker vos profils après. C'est mieux de partager cette émission-là parce que ça va. Patrick Pelletier, ça va aller mal à Hamès! C'est moi qui vous le dis! Alright. Avant d'enchaîner avec notre cher invité, Bob, on a reçu une autre grosse bière, ma foi, celle-là, de Maxime Beaulieu. Puis on se rappelle, Alexis, que l'initiative Ça brasse contre le cancer, c'est tout le long du mois d'octobre. C'est une quarantaine de microbrasseries au travers du Québec qui ont chacun sélectionné un produit. Et à l'achat de ce produit, la microbrasserie fait un don de 1$. Pas là, comme pas les restants des profits. Elle donne 1$, qui est à peu près tout le profit qu'une microbrasserie fait sur une bière, finalement. Et remet ce dollar-là à Ça brasse contre le cancer. Tous les profits, bien sûr, vont à le camp, qui est une cause qui nous tient très à cœur. Je pense qu'on a fait le tour, Alexis. N'est-ce pas? On va dire salut à Farah le Gros, puis on va dire merci à Blackpool qui nous host, puis on va saluer, mon Dieu, Make Magic qui vient de subscribe pour un troisième mois de sub de la part de Make Magic. Gros merci, Make Magic, très sympathique. Good morning à Illy Crazy, c'est ça? Yeah. Cool Rocks qui nous host aussi. Gros merci. Alright, on passe ça. Adelphus, salut tout le monde. Yes, sir. On passe ça en grand. Chantal Hamès. Ah ben oui, j'avais pas pensé. Elle aime mon jeu de mots que ça va aller mal. Hamès, raison de plus de partager, Chantal. Là par exemple, là, je prends ton nom en note. C'est mieux d'être fait, ça, là. Hein? Yes, pas. Les coyotes farceurs qui est avec nous autres aussi. Puis Top Chrono VG Chic. Puis on va présenter Top Chrono VG Chic qui s'en vient à Montréal. Jean Parenteau qui s'en va sur YouTube pour dire qu'on peut aller vérifier son Facebook. C'est partagé. Oh, Mathilde est en train de vérifier. Elle me dit à l'oreillette. Ok, c'est beau. On bannit pas John Parenteau, c'est partagé, c'est correct, on est correct. Excellent, merci John. Alright, White Cock qui est avec nous. Mon Dieu, ça n'arrête plus d'embarquer, man. C'est complètement malade. Gros merci. Chantal Hamès, elle a eu peur. Chantal, je serais pas banni de mon Facebook. Mais merci quand même du partage, c'est super sympathique. OK. Véro Mouikia, c'est son prénom en vietnamien. Fait qu'on vient d'apprendre ça. Merci beaucoup de cette information-là, Véro. Je peux-tu t'appeler juste Véro? Ou c'est-tu... Non, mais on me donne, si j'ai l'option, on va y aller pour celui que c'est sûr que je dis comme du monde. Hein? Ce serait la meilleure option des deux. All right. On a reçu un petit poulet. Décidément, les dons vont bon train aujourd'hui. Petit poulet de la part de Bastien Bouchard. Merci à Bastien Bouchard pour cette petite volaille qu'on est posé sur le frigo. D'ailleurs, on a déjà 4 bières. Puis on rappelle que nous autres aussi, à chaque grosse bière, on met 1$ à Ça brasse contre le cancer. Chaque bouteille de vin, 2$. Chaque bouteille de bulle, 3$. Fait que make it rain, tout le monde. Otero TV qui est avec nous autres. C'est-tu la première fois que tu es avec nous, Otero TV? Non. OK, excuse-moi, c'est la première fois que je remarque le nom. C'est un nom quand même hors de l'ordinaire. Habituellement, je suis bon pour me rappeler des noms. Étonnamment, hein, Alexis? Je m'en viens pas pire de reconnaître ceux qui sont nouveaux pis tout sur Twitch. Pis... Ah, les talents, ils se cachent dans les recoins. Non, mais tu sais comment je suis pourri pour me souvenir des noms du monde pour vrai, dans la vraie vie. Hein, tant qu'on reste virtuel, je me rappelle de vos noms, tout le monde. Mais si on se rencontre, c'est la fin de tout ça. Alright! Comme je disais, on est en plein mois d'octobre. On reçoit des micro-brasseries à tous les semaines. Puis aujourd'hui, on est en mode fuck all. Puis, je sais, j'ai hâte de voir ça, une Porter Baltique directement de Yamachiche.
accueillons généreusement Raphaël Richard de la brasserie Pareillier. Bien sûr, Raph, ça va? Hey, en forme, toi? Ça va super bien, plein de force. Merci d'être parmi nous. Hey, merci à toi. Moi, j'ai soif, en tout cas. Ben, let's go, man. Okay, et, on aussi. J'ai déjeuné. Ouais, hein, ils m'ont vu faire, ils m'ont vu manger ma dernière bouchée. On ouvre une bière. C'est la suite des choses. Qu'est-ce qu'on ouvre pour commencer? Ben, écoute, on va ouvrir la Focale qui fait partie de notre série noire qu'on vient de lancer à la brasserie. C'est vous autres qui avez fait la... Ouais. Asti, c'est vraiment c'est nous, ça. Ben oui, carrément. Premier 4 packs, écoute, ça a été de la job, mon ami. 3 mois de travail, 4 okay. produits différents à l'intérieur du mix-pack. Ouais. Produits de saison, un petit peu partout, là, en vente, le Québec, Montréal. Oui, absolument. C'est bien beaucoup amusé. Beaucoup de ventes, ça va bien, vos oui, affaires. Ça va bien, on travaille fort. On travaille fort, les petits garçons de Yamachiche. Ouais, ben, ouais, vraiment. Toi, t'es-tu à Yamachiche, toi? Ben, la brasserie, mais moi, non. OK, toi, t'es de... Je suis le gars qui se promène, qui est à brasserie, qui va voir les clients, qui, tu sais, qui va donner de la bière aux gens. Tu sais, moi, j'essaie de répandre de l'amour un absolument. Peu. Absolument. Toi, t'es le gars qu'on est tout le temps de bonne humeur quand t'arrives. Ouais, c'est ça. Les gars, ben, les gars de bière. Tous les amis que j'ai, dans le fond, c'est tous des faux amis maintenant. Puis moi, j'aimais ça parce que les gars de bière, quand ils venaient au restaurant, les gars de vin, ils venaient au restaurant, puis ils passaient devant la cuisine, comme s'ils étaient hautains. Mais les gars de bière, eux autres, ils connaissaient leur clientèle. Ouais. Ils faisaient tout le temps tester les nouveaux produits à c'est cuisine. Sûr, parce sûr. Que les cuisiniers connaissent leur bière. Ça part de là. Contrairement aux saveurs qui souvent, pas dans tous les cas, mais souvent font assemblant de connaître leur vin. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais même affaire pour une bière, là, en 2018, on déguste la bière comme on déguste du vin, là, fini le niaisage. Ah ouais? Ben, solide. Ben, ouais. OK, on ouvre ça. On ouvre ça, on débute ça. Parle au burger, ça va être absolument, absolument. Je fais comme chez moi. Alexis, elle a des dents ici, là, on a besoin de tes dents. Puis, on a-tu un verre qu'on veut boire ça en particulier? Parce qu'on est quand même bien garni. C'est vrai. En forme de verre. Je te fais en fait full d'effet en plus. Check ça. On prendrait pas des verres boréales, par contre, là, hein? C'est... Ben écoute, c'est ton choix, là, je vais rien dire, là, c'est... On va aller dans nos verres sans étiquette, finalement, voir qu'est-ce qui se passe. Des verres génériques. Wow, bac. Ben, j'aurais dû apporter des verres. On est-tu correct avec ça? Ben, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Fait que là, c'est la focale qui fait partie du 4-pack. Dans le 4-pack, on a la caramel Welch's, okay. Qui est notre caramel salé, caramel brûlé, fleur de sel. C'est ça? Caramel Welch's. OK. Ça, ouais, solide. Focale Perto Baltique, on est à du 9,2%. Donc, c'est hyper chaleureux. Ouais, on part en force. Non, mais écoute, c'est l'automne. Oui, j'ai dit. Tu sais, c'est... on veut quelque chose de plus poétique. C'est mon charge chez nous en plus. C'est correct. Mais qu'est-ce qui est cool avec la Porto Baltique de son nom Focale, c'est qu'on a le côté chaleureux, mais on n'a pas le côté alcoolique en bouche. On a quand même un beau collet aussi. Wow. Écorce de cacao, mais c'est tout en douceur. C'est hyper réconfortant. C'est comme une petite brise de vent, là, bien dans mes touffes. C'est quoi? Ça, moi, j'ai... OK, puis là, je vais te dire de quoi. J'aimais pas les bières noires. Parce que pendant longtemps au Québec, la bière noire, c'était de la... Mais c'est genre de la Guinness. La Guinness, exactement. Puis la Guinness, je trouve ça tellement fade. Puis mauvais. Non, mais la façon que les Irlandais t'a vendent, c'est comme quand même. Moi, je te dis, moi, j'aime la 50. Okay? Ouais, ben c'est. Qui est une super de bonne bière commerciale pour vrai depuis longtemps. Exactement. Ouais. Mais quand je vais outre-mer, je parle de la 50 comme si c'était. Samuel de Champlain qui l'a inventé, là, OK, là, comme littéralement. Puis les Irlandais, ben, ils parlent de Guinness un peu comme ça, tu sais, ils t'a vendent, c'est la meilleure bière mais au monde. Mais ils sont mais c'est tellement mauvais. Ouais, mais tu sais que ce qu'on a comme Guinness ici, c'est pas leur Guinness à eux. Là. En plus! Hey, ça fait du chemin, mon ami, là, avant de s'en venir ici, là. OK, mais t'es-tu en train de me dire, parce que si moi je reste avec ta logique, t'es-tu en train de me dire que la Budweiser qu'on boit ici est pire en Europe, c'est qu'on exporte là-bas, est encore pire. Ça serait fantastique. J'ai pire que de la bonne. Santé. Santé. Hey, santé, il y a tout le monde. Et justement, pour en venir à mon point qui est très long à faire ce matin, puis asseyez-vous parce qu'après une bière 9,2%, ça va être long, maudit, avant que je fasse des points qui sont intelligents. Mais, waouh! C'est rendu une de mes bières préférées parce que plein de compagnies en font. Ben, tu sais, il y a des subtilités, puis ça, justement,
Tu vois, souvent, tu as dit une note de cacao, puis ça reste une petite note. Moi, je goûte plus au café. Mais t'as tellement un petit côté terrifié, c'est sûr et certain. Puis tu sais, le danger, parce qu'on connaît pas encore au Québec à fond les Noirs. Puis les gens, c'est vrai qu'ils ont peur des Noirs. Ils sont comme, hey, ça va être lourd, ça va être... Surtout à Québec. Come on, man! That's fire! Mais là! Elle était là, elle traînait sur le comptoir. Mais c'était un défi, en fait. C'était un peu notre but en lançant la série noire de faire découvrir aux gens qu'il y a du plaisir à déguster des bières noires. On a fait 4 produits hyper, hyper différents. Puis justement, comme Porter Baltic, on est allé travailler la densité pour pas avoir trop de sucre résiduel. Parce qu'on veut quoi qui est comme facile à boire, t'sais, qui reste léger, malgré que ça a un beau coffre. C'est une belle chaleur en bouche. Ça se déguste. Puis, non, mais tu le dis, ça se fucking déguste comme du vin, ça. Parce qu'il y a tellement de notes. Puis il y a vraiment une palette aromatique. Je pense que c'est ça. Tu parles bien. Je prends des notes. C'est ça. Et on a Richard Bonny qui nous a envoyé une grosse bière. Mon Dieu, gros merci. On est en route vers le six-pack. Oui, absolument. On est en route vers le six-pack. Moi, je vous rattrape parce que j'étais en train de boire l'équivalent d'un six-pack en une bière en ce moment. Mais hey, pendant ce temps-là, juste vite, là, il y a Imsa Lucky qui est avec nous autres. Air Red Fox One qui est avec nous autres. Mon Dieu, qui est là, Québec Joe Blow. Assos, je pensais à toi matin justement. J'ai mangé quelque chose que j'avais pas mangé depuis longtemps hier. On s'est fait venir du Kentucky chez nous pour la game de hockey. Carrément, c'était infect là. C'était d'ailleurs Assos pour compatiser avec mon Kentucky. Nous host en ce moment sur Twitch. Gros merci pour le host. Nick Sparrow aussi qui est avec nous autres. Budweiser Québec qui est avec nous autres. J'espère qu'ils n'ont pas entendu mes commentaires sur le blog. La Bud Québec Joe Blow qui nous host en ce moment aussi. Raph Etienne qui est avec nous autres. Qui d'autre qui est là? Marjolaine Saint-Laurent. Et je veux juste m'assurer que j'ai pas oublié personne. Gab, Mio Perman, si je vous ai oublié. Désolé, salut à vous autres quand même. Alright, on vient poser notre cinquième bière sur le frigo. M'avez-vous déjà vu? Je me suis comme enfargé dans mon propre pied. C'est parti, tout le monde. C'est hallucinant ça, comment c'est bon ça. Ouais, non, sincèrement, là, si vous voulez un petit peu de chaleur. Tu sais, ça fait dimanche après-midi d'automne. Puis, la série noire, c'est comme inspiré de la série, série noire? Ou C'est vraiment ce qui est inspiré de ce qui se passe dans notre tête, nous autres, à la brasserie. Okay. En fait. Mais ça fait longtemps. Nous autres, pour vrai, on a ouvert la brasserie, ça fait pas longtemps, ça fait pas un an encore. Arrête donc! Je te jure. Mais voyons! Hein, des petits bébés. Parce que moi, je vous vois à ben des points de vente. Ouais, ben écoute, ça a été une dernière année, pratiquement, ça va faire un an le 15 décembre. Okay. Mais ça a été une année de fou, mais c'est ça, on n'a pas fait le tour de l'horloge. Le pire gars, il se fait à l'anesthie, là, pour le tour du Québec en chasse. Mais on voulait faire une série noire depuis le début, puis je te dirais que c'est une petite mission personnelle, parce que pour une première année, faire un 4-pack mix, c'est bien intense. Puis il faut dire que nous autres, on n'a pas de machine qui fait toute la patente. Fait que faire des 4-packs, c'est aussi de étiqueter à peu près 1500 bières x4 pour 4 produits différents. Ouais. C'est 6000 bières. C'est comme 3000 étampes à mettre sur les boîtes qu'il faut monter. Avec des petits collants qu'il faut mettre dessus. Puis mettre le tape aussi en dessous. Tu sais, c'est comme... Fait que ça, tu fais ça comme mon tour. Tu fais tes 4 packs autour d'une caisse de 24. Tu t'assois en cercle avec tes chums. Mais d'habitude, c'est des beaux rassemblements familiales. T'sais, la famille nous aide. C'est cool, on est chanceux. Il y a plein de monde qui sont là autour de nous. Vous êtes combien dans la brasserie? Ben écoute, on est deux. Moi, Martin Poirier, qui est maître brasseur. Ouais. Puis quelques employés maintenant. On est rendu 6 employés. Ben, on est rendu une famille. Une petite PME. Puis beaucoup d'amis. Puis belle famille de mon partner aussi qui sont tout le temps là pour nous soutenir. T'sais, on s'entend. Il faut avoir du monde. Parce que c'est une vie là, en soi. Ah non, c'est sûr, tu passes ta vie dans la bière, littéralement. C'est clair, parce que ça, on se baigne pas dans la bière. Ah, t'sais. Écoute, il y a pire que ça. Non, il y a pire que ça, Puis puis c'est d'aimer à apprendre, à déguster, à découvrir. Ben, puis, comment t'as tombé dans la bière? Comment vous êtes partis ça? Ben, nous autres, on a eu longtemps une brasserie, resto-bar, qu'on brassait sur place. Ça s'appelait la brasserie? Non, pas en tout, c'était comme notre ancienne vie, on avait une brasserie. Moi, j'étais arrivé comme directeur à restauration là-bas, dans le temps. Ça fait quand âge,
30-31 dans une semaine. Mon Dieu, c'est la fête. C'est la fête. Ça n'arrête plus. Ouais, je capote. Bonne fête d'avance. Hey, merci, merci. Je pense pas qu'on est supposé te souhaiter ça. Je pense que c'est malchanceux de faire ça. Ouais, j'en prends mon jury de sort. Ah, c'est ça. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Mais non, fait qu'on a eu, écoute, un resto vraiment longtemps. OK. Aïe, ma chiche. Non, partout à Montréal. OK. Ouais, à Montréal. Arrête, c'est un smoke house. Ben écoute, je suis obligé de le nommer? Non. Non? Non. Je ne nommerai pas. OK, parfait. Parce que ce qui est le plus important, c'est là. C'est là. Mais par contre, on a vraiment trippé. Sincèrement, on avait un smoke house, c'était comme du gros bacon à côté partout. Martin brassait sur place, mais le permis artisanal qu'on avait, en fait, faisait en sorte qu'on pouvait juste brasser sur place. Donc on vendait pas, on faisait pas de bouteilles, on faisait rien d'autre. J'aime ça, j'essaie de deviner si. Ah ouais, je sais. Ok, smoke house, brassait de la bière. Ok, mais on peut-tu faire un concours, genre la personne qui le devine? Non, ça se fait dessus, ça, quelque chose? Tout se fait. Tout se fait, on est sur Internet. Ok, let's go. Ah, là, on veut pas non plus le mettre l'espace. Non, absolument. Alors voilà. Effectivement. Vivons dans le présent. En fait, Alexis, il veut juste pas faire de concours. Ça, c'est tout ça compliqué. C'est plus de gestion. Absolument. Mais ce qui fait qu'on a appris à bien manger et à boire de la bonne bière et à s'amuser à faire des beaux pairings avec ça, à cuisiner avec la bière. Puis je te dirais que notre manière de faire la bière pour nous, c'est vraiment de le faire comme on cuisinait avant quand on tenait nos restos. C'est la simplicité, la recherche aussi des matières premières, des aliments, pour avoir des petits trucs vraiment flyés. On est hyper hybride dans ce qu'on fait, tu sais, la brasserie. Pas juste des bières allemandes, vous variez. Non, on varie. On a une forte influence au niveau de la Nouvelle-Zélande aussi. Okay, ouais. Puis pour nous, chaque bière vient avec des fascicules recettes. On propose comment des trucs. Comment ça, tout le monde? Il y a beaucoup de, ben, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de brasseurs qui s'en vont vers le type de bière nouveau-zélandais. Ben, c'est les houblons aussi qui sont vraiment cool. Puis moins utilisés au Québec, on est fort sur les houblons plus américains, les trucs qu'on connaît davantage. Yeah. Tu sais, les New England IPA de ce monde, puis tout ça, le Cascade Mosaïque, etc. Ouais. Fait que tu sais, on connaît bien ça, c'est cool, mais il y a comme une petite souplesse davantage, le fun avec les houblons dans la Nouvelle-Zélande. Ouais, on touche ouais, à d'autres couleurs. C'est intéressant ça, on en a parlé la semaine passée aussi, c'est vrai que c'est goûteux en maudit. C'est goûteux, c'est différent, puis en même temps, ça amène une belle finesse aussi dans la manière que tu travailles ton produit. Fait que c'est ça qui est hyper intéressant. Puis ça permet de faire les choses autrement aussi. C'est vraiment, c'est ce qu'on essaie. Puis on est beaucoup dans l'équilibre des saveurs, nous autres, à la brasserie. C'est ça, les bières noires, c'est inspiré justement de Nouvelle-Zélande? Pas nécessairement, non, pas du tout. Parce que, regarde, l'autre qu'on a, c'est une start fort, c'est au piment apache. Okay. La apache est une variété de piment fort. On l'a-tu essayé aujourd'hui? Je l'ai-tu? Écoute, j'ai d'autres affaires. Okay, je pense que... Non, y a pas... Mais, je suis excité, là, il y a plein de bières. Mais non, c'est super cool. C'est un maraîcher, les Jardins de Julie, à Yamachiche. Un petit maraîcher qui nous a fait ça. Okay. Une petite plantation, nous a fait une poudre de piment apache. Mais vraiment, avec le bouton, là, tu sais, le truc qui est comme vraiment intense, là, que d'habitude tu laisses de côté parce que. Il nous a fait une poudre, c'est hyper aromatique, c'est vraiment intense. Pour aller rajouter ça là-dedans, fait que ça donne un petit côté super chaleureux. Mais je peux imaginer avec le café et tout, un petit côté épicé à tout ça. Mais ça... t'as pas le côté piquant, là, le monde, sont comme, moi je mange pas épicé. Non, c'est le côté chaleureux, réconfortant qu'on va aller chercher, c'est la sensation. Mais j'imagine aussi que la poudre de piment, un peu comme un poivre, ça sert un peu d'assaisonnement, c'est de relever les autres goûts. C'est un relevé, c'est ça, c'est qu'est-ce qui va te rester en bouche après, tu sais. On va cuisiner avec la pépée. Il y a un mouvement, là, j'adore ce mouvement de chaleur en ce moment. Là, chaleur! Hey, tu dois plus vite que moi, hein, on sait bien ça. J'essaie de me garder une petite gêne. Laisse parler! Non, les raisons. Hey, il y a Claudine Pilon qui mange, on mange quoi? On t'a répondu. Excellent. Marc-Pierre qui est de tout bord, de tout côté. Là, je te vois autant du bord de YouTube que du bord de Twitch. Golan59 aussi qui est avec nous. Et je crois que j'ai fait le tour de tous les noms. Excellent. Je checkais aussi les questions vite. J'ai rien manqué, je crois, encore. All right. Là, vous autres, vous avez proposé une recette de poutine. Ouais. Maman. Parce qu'elle se fait quand même vite, votre Ben, écoute, on va le dire dans la vie, on ne veut pas se faire chier. Absolument. Fait qu'on veut de quoi de le fun, de quoi de savoureux. C'est des légumes. Ouais, en plus. J'en dis pas plus. Non, c'est ça. Oh, la seule affaire, j'ai pas trouvé de fromage Coaticook. Eh, Seigneur, c'est pas grave. J'ai un mix de bois-vin
et un mix. Un assemblage. J'ai du bois vin et du Amel. Mais j'ai trouvé le Halloumi. Halloumi, c'est si bon ça. C'est si bon. Yeah, ça, c'est comme une poutine qui. Est-ce que vous allez vous lancer comme dans la restauration éventuellement, ouvrir une petite place là, pour aller à la brasserie? On l'a assez faite. Ok. Qu'on veut comme plus se lancer là-dedans. On trippe vraiment en bouffe. Mais là, on les gars, en plus d'avoir du goût, sont intelligents! Hey! Mais par contre, on invite, s'il y a du monde qui ça leur tente aussi, ouais, de se dire, regarde, moi j'aimerais ça, nous autres, écoute, c'est cool, fais-la à notre place, fais des trucs. Ouais. Mais c'est intense, le resto, tu le sais. C'est quelque chose, absolument. Puis on veut bien focusser sur les bières qu'on fait. Fait que non, à la brasserie, on a un petit salon de dégustation, tu peux apporter votre lunch. OK. Ouais. Fait que le monde se pointe là. Ouais. Quand je t'ai dit qu'on veut plus se faire chier, puis qu'on veut ça le fun. Mais c'est ça que j'aime, moi, des régions. À Montréal, là, faire apporter votre lunch. Sais-tu comment ça serait compliqué pour faire ça? Juste au niveau des permis, ces affaires-là, c'est sûr. Exactement. Ton compétiteur de bord de la rue, tu sais, c'est ça que c'est le fun en région. Non, puis c'est cool. Écoute, nous autres, les tons, on a un beer garden. Okay? Okay. Puis là, on a installé un gros barbecue. Tu peux amener ton steak, peu importe, OK? Facile. Tu amènes ton pique-nique, ta famille, le chien, les enfants. Nous autres, tout le monde est accepté, là. Il n'y en a pas de problème. Tu prends ta bière. On a acheté une cabane au petit poisson des Chinois pour se faire un bord d'or avec ça. Donc. On n'a pas tenté quelque chose. Ben facile. Puis ça, c'est un Yamashish. C'est un Yamashish. On a même un spot de feu aussi. Fait que tu peux te faire un feu le soir, on fournit les guimauves, tu prends ta bière. C'est comme le paradis à Yamashish. Puis l'hiver, ben t'as le salon de dégustation. De temps en temps, on fait des petites visites de la brasserie. Combien de différentes que vous avez? Ben écoute, on a 6 produits réguliers qui sont nos étiquettes blanches, là, comme exemple. La pépé. La pépé, là, hein, ça ici, la belle pépé. Donc, quand c'est une étiquette blanche. Mais ça ici, tu sais. Et voilà. Donc, étiquette blanche égale produit régulier qu'on a à l'année longue. OK. Quand on arrive avec une étiquette de couleur, ben là, c'est des produits de saison. Comme on s'amuse. Exactement, c'est ça. Fait qu'on a toujours. La focale est en saison en ce moment? Ouais, ça fait partie du 4-pack. OK. Exactement. Parce que ça, moi, je m'en vais m'en acheter. Fait que ça, le 4-pack, en fait, là, c'est maintenant ou jamais parce qu'il n'y en aura pas vitam aeternam. Fait qu'on a à peu près en rotation, je te dirais, un 8-9 produits, des fois 10. Vous êtes même à la tuque? Moi, je vous ai vu au marché Richelieu à la tuque, qui est comme la place pour acheter les bières de microbrasserie. On a fait du chemin quand même, c'est cool. Pour vrai, là. Félicitations pour merci, beau produit. Fait qu'on a plus d'une poutine. La poutine, elle prend pas beaucoup de temps à faire. Puis on a du monde qui veut que le show, il dure longtemps. D'ailleurs, Danny King veut tellement que ça dure longtemps qu'il host le show sur sa propre chaîne Twitch en ce moment. Gros merci pour le host, Danny. Vous êtes ma découverte lors de la journée porte ouverte de l'UPA en passant au Rieur Sanglier. On est passé à la microbrasserie pour acheter des bières et goûter à vos bières. Mon coup de cœur, la blanche de Magloire. Ouais, écoute, ben de un, on salue Nick des Rieur Sanglier parce qu'écoute, il fait vraiment plein de beaux produits. Merci à Lily Boisvert pour ce beau produit. Clairement, Blanche du Magloire, c'était notre blanche d'été, produit de saison, fraise basilic. Okay. Tout en fraîcheur, écoute, ça a été un beau petit succès qui va revenir l'été prochain. Donc, Lily, tu pourras. Êtes-vous en Abitibi que nous demande John Parenteau? Non, pas encore. Une petite affaire trop loin. Mais ça s'en vient. Je m'en vais à la tuque, là. Ben, si t'as de la bière que tu veux que j'amène pour toi, c'est ça. Mais ça, c'est possible. Des fois, là, on a des clients vraiment dans l'SSS du Québec. OK. Ils nous rencontrent, genre, à Québec, puis on est capable de s'arranger, tu sais. Ah, ouais, t'es sérieux? Écrivez-nous, puis on. Non, on s'arrange. Quand le monde de la Côte-Nord, puis tout, là, vous vous rejoignez à Québec, vous échangez de bière. C'est possible. C'est une bonne idée, ça. Wow. Hey, Maxime Beaulieu qui dit que t'es un excellent, bon vendeur. Ça donne vraiment goût d'y aller. Moi, je m'en veux parce que moi, Max, je suis allé souvent dans ce coin-là. En fait, je passe là. Je vais passer là demain, dans le fond. Puis j'ai jamais arrêté, pour vrai. Parce que moi, j'arrête tout le temps à la petite Corriette. Non, mais c'est ça, mais c'est pas loin. C'est à 138, le chemin du roi. Ouais, êtes-vous à 138? Ben ouais, fait que nous autres, le moto, vélo, motoneige, là, let's go, on est là. C'est comme le spot parfait pour ça. OK, mais là, c'est sûr, vous allez me voir la face. Mais j'espère. C'est certain. Ouais. All right. Le monde est vraiment content là, en ce moment. Là. On parle plus des bonbons patates Blackpool. OK. J'en connais même un qui, ma foi, là, je pense qu'il est en train là, de traverser la clôture. On a Budweiser QC. Je pense que vous avez convaincu puis qu'il nous a envoyé une grosse bière. Donc, bon, hein,
ça vaut une bonne, comme on dit. Hashtag ça vaut une bonne. Hey, pendant ce temps-là, il y a Im Seleki qui demande pourquoi le logo. Est-ce qu'il y a une histoire derrière vos logos? Mais il y a tellement une histoire. There we go. Facile. Moi, je mets notre sixième bière sur le. Ben ouais, moi, merci, Budweiser. C'est la moindre des choses, hein, ouais. Budweiser, avec des micro-brasseries, remettre 1$ hein, de leur argent durement gagné. Budweiser, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une bière à toute cette affaire-là. Mais quand même, en c'est tout une cas, pièce. Ah, c'est ça, c'est ça. Nous, on met une pièce en don. Mais ouais, écoute, moi et Martin, ancien musicien dans la vie, okay. On n'aime pas ça, les conventions dans la vie. Ça nous fait chier. On aime les affaires faciles, tu sais, puis c'est comme. Rien de compliqué, tout est possible. Puis à la brasserie, comme je disais tantôt à l'entrée de jeu, on fait des produits qui sont très hybrides. On aime déroger un peu des styles plus traditionnels. On s'amuse, on fait des trucs que les gens, des fois, vont peut-être moins être habitués à, tu sais, puis on se réapproprie les choses. Fait qu'on est parti de l'expression, attention, t'achètes à tuque, sauter du coq à l'âne. Ah, hein, donc, le coq et l'âne, là, qui se retrouve ici sur mon chandail, qui est notre logotype. Donc, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Pour nous, il n'y a pas de limite. On s'amuse. Nice. La seule chose qui est bien importante, c'est d'avoir un beau produit de qualité, stable. Mais après ça, là, on peut tellement faire tout ce qu'on veut. C'est comme la cuisine. Tu choisis les bons aliments, tu restes dans la simplicité. C'est là que tu vas comme défoncer les murs. Et voilà, pendant ce temps-là, il y a Stevie War qui, lui, est déjà allé parce que lui, il est dans ce coin de pays-là, effectivement. Il y a Isabelle Bertrand, Riam Achiche, salut aussi à Martin Poirier, Carl Tivierge qui dit salut Raph, très bon la fête. Hey Carl! Effectivement, c'est une Moses de bonne bière, là, absolument. Il y a des images également de la brasserie pour ceux qui sont jamais allés. On peut peut-être les pendant que tu construis. Les fameuses ben cuves ouais, dans laquelle. La série noire ici. Ouais. Ouais. Le salon de dégustation. Fermenteur. On a de la place. On a de la place. Combien de bouteilles de bière vous faites à peu près comme dans une semaine? Ça me fascine. Ben écoute, ça dépend. Parce en moyenne, en ce moment, on est à peu près à 2, des fois 3 brasses semaine. Ça va varier. Mais pour nous, 2-3 brasses semaine, c'est énorme. Okay. Parce que dis-toi que nous autres, c'est un 10 BBL. Fait 1200 litres. C'est toujours du 500 ml. Fait que si on fait pas de fût, ça veut dire que selon la marge d'erreur, là, un 2300-2400 bouteilles par brassin. Wow! Fait que c'est sûr que la semaine... 6000 bières par semaine, à peu près. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est que là, la semaine qu'on brasse, on sait que 10 jours plus tard, on va être dans le jus incroyable, genre embouteillage, étiquetage, etc. Ouais. Mais c'est sûr qu'on suit notre line-up de production. Ah, ben oui, fait que tout se chevauche, là, c'est sûr et certain. Une semaine, mais... vous brassez, une semaine, vous embouteillez, puis une semaine, vous empaquetez. C'est au début, on n'avait pas vraiment de machine pour étiqueter, on a fait ça en main. OK. Des heures de plaisir, wow. C'est là qu'il y aurait fait se passe, tu sais. Ah, absolument. Mais c'est là que ça paye, par ouais, exemple. C'est ça, le dur travail. Mais ça fait toujours des beaux petits rassemblements entre famille, amis. Écoute, on se prend une petite bière, on fait les trucs, la vie est belle. Puis là, vous êtes big, ça vous donne une bonne histoire. Écoute, non. En même pas un an. Hey, juste saluer M. Coco qui est avec nous autres. M. Coco aussi qui s'en vient à Montréal super avec Cécile Top Chrono. Cécile Top Chrono, on est avec, on a besoin de ton aide. Parce que toi, tu sais pas, Raph. Non, je sais bien. Moi, j'ai une fille qui s'appelle Cécile Top Chrono, lyonnaise. Elle habite en banlieue de Lyon. Okay. Et elle va chronométrer absolument tout ce qu'on a à chronométrer pendant l'émission aujourd'hui. Nice. Et 110 émissions plus tard, 111 émissions. On est-tu rendu à 111? Ouais, 112 aujourd'hui. 112, mon 112. Je l'ai oublié une. J'ai mal à gage, j'ai oublié. Mais il y en a, je ne m'en souviens plus. C'est sûrement celle avec Joe Roberge. Mais 112 émissions qu'on a fait et elle n'a toujours pas brûlé. Rien. C'est bon, non, ça. Elle a une fiche parfaite. Ah, c'était-tu tendance à brûler les choses? Moi, ça m'arrive. Okay. Quand elle n'est pas là, habituellement, on brûle des trucs. Ça te prend quelqu'un pour te ramener à l'heure. Écoute, on va faire un petit gâteau. OK. Pas un gâteau, en fait, on va faire un pain. OK, cool. Un pain au cheddar puis à la bière. J'adore. Puis, je goûte à la bière, je pense que vos bières vont bien aller dans cette espèce de petit pain-là. Let's go, on fait ça. Tu cuisines-tu un peu? Tu as-tu un tablier? Ben, tellement. Absolument. On va me rendre professionnel, tu sais. Dans ce temps-là, je... Et voilà. T'es assez pro. All right. Excellent. Puis on veut... Là, je me sens en pleine capacité de mes moyens avec un tablier. Voilà. All right. Vous avez fait, Martin et toi, vous avez travaillé en cuisine combien de temps ensemble? Écoute, Martin, on était en restauration les deux une bonne dizaine d'années. Ouais, vous êtes des chums d'enfants aussi? Même pas. En fait, nous autres, on s'est rencontrés, c'est Martin dans le temps,
au tout début de notre ancien resto. OK. Une brasserie qui m'a un peu engagé, entre guillemets. OK. Puis après ça, ça a comme vraiment cliqué. On se complète. Tu sais, vraiment, là, lui, comme sa portion d'occupation en brasserie, il est plus en production. Moi, je suis plus dans le développement. Mais ouais, ça a comme été un fit. Puis c'est à partir de là, avec toutes ces années-là, qu'on a commencé tranquillement à visualiser ce qu'on avait envie de faire vraiment. Là, tu sais. Puis juste nous autres, on était une grosse équipe avant, donc là, faire un projet qui nous ressemble, des décisions qui vont venir juste de nous autres. C'est ça, qui est cool. De donner la liberté de comme faire ce que tu veux. Je pense que ça n'a pas été pris au début. Bon, c'est sûr que notre niveau d'anxiété pendant la première année, tu sais, c'est sûr, certain que ça demande quelque chose un peu. Mais c'est pas grave, on a du bon boire et des gens qu'on aime alentour de nous. Fait que ça nous motive pour aller plus loin, en fait. Hey, je te mets sur la job poche le râpé du cheese. Yo, yeah. Il m'en faut une tasse et un tiers de tasse. Puis on les mélangera pas ensemble parce que la tasse, on va mettre dans la recette. T'sais. Mais la tiers de tasse, on va mettre dessus. Tu sais, pour qu'il y ait comme un affaire ça cute. Ouais, que ça soit cute. Là. Mathilde, est-ce que je manque quelque chose? Tout est beau. Hit, pendant ce temps-là, étiqueté à la main, il faut être motivé absolument. Tu savais à quel point. je suis surpris que Giovanni Apollo, il nous dise pas quelque chose sur l'étiquetage de bière. Là. Lui, sûrement qu'il peut faire, il peut en faire 1000 par heure, là, juste à regarder les bouteilles. Ouais, il y a sûrement pas une machine que nous autres. Probablement. Il y a Sophie Renaud-Massy qui est avec nous autres, qu'on veut prendre le temps de saluer. Marc-Claude Bernier m'a dit que j'ai manqué tantôt ses salutations. On la resalue en ce moment. C'est bien le fun, cette rampe-là, nous dit M. Soloki. C'est la rampe IKEA, hein? C'est quand même... Là, c'est pas cher en plus. Non, elle est comme 6$ cette rampe-là. C'est vrai que c'est une maudite... Et le Stay Hydrated Bot qui nous rappelle qu'il est temps de prendre une gorgée de bière. Tout le monde. Oh oui, cheers. Tu disais que je buvais vite. Je pense que la raison que je bois vite, c'est que j'ai hâte. Je veux déguster toutes les comme produits. Comme impatient, c'est ça. Caraméliser le kiss. Ah oui, puis remarquez aussi, j'ai été un peu saf là, avec la fuck all. J'en ai pas à faire, Alexis et Mathilde, mais pas pantoute en ouais, plus. T'es pas tant généreux comme personne. Non, mais c'est... Ton équipe. Non, mais c'est vrai. Merci de rappeler, tu sais, j'en ai pas le dire. Hey, non, c'est rare, je dis ça, mais cette bière est juste est trop bonne. Elle se partage pas, cette bière-là, pour vrai. Vous pouvez vous l'acheter, gars. Hey, pendant Graf, il rampe le cheese. Ouais, moi, je fais ça. Comme un boss en plus. Moi, je suis en train de mesurer 3 tasses de farine qu'on va mélanger dans notre bol ici. J'ai un petit mélange, mais j'avais de la farine non blanchie bio que je préfère, hein, j'en parle souvent. Puis on va mélanger ça avec une tasse de farine blanche, parce que c'est ça qu'il nous reste dans la maison. On ne veut quand même pas gaspiller. On va passer ce qu'on a à notre farine. Fait que c'est 3 tasses de farine. C'est assez simple. On va mélanger ça avec un quart de tasse de sucre. Et voilà. Oh yeah, on a tout notre cheese de râpé. Le cheese, on a le cheese. Je me trouve cheap dans mon cheese. Non, faut pas en mettre trop. On va suivre la recette. Non, parce que c'est parce que j'ai peur d'en mettre trop. Tu sais, si t'en mets trop, le gâteau, il aimera pas. C'est ça. Tu sais, puis... Ça paraît mal, hein, à l'écran. Ouais, oui, absolument. Non, mais mettre plus de cheese en plus, c'est vraiment une grosse erreur d'amateur. Pour vrai, là, quand... Et vu que t'es pas amateur, tu feras pas cette erreur-là. Quand t'as des kids, admettons, je travaillais dans le resto italien pendant longtemps. Ouais. T'as des kids, premier soir, tu sais... qui travaille en cuisine, ouais. Comme, hey, tu sais, je peux-tu me faire une pizza? Oui, faites une pizza. Ouais. Man, c'est comme s'ils n'ont jamais eu accès à du fromage de leur mais vie. Sont comme, qu'est-ce ils que ça se passe? Tellement cheese! Puis c'est pas bon, une pizza avec trop de fromage, ça bouffe la croûte, mais non, ça, puis tu mâches la pizza. Pendant c'est... 10 ans. Exactement. Fait que, on va y aller. Avec j'ai écrit une tasse, on va y aller avec une tasse. On va quand même mesurer. The magic coup, powder. The magic powder. Oh, yeah. Ça, on en veut 2 teaspoons, fait qu'on en veut 10 millilitres. C'est bien ça. Une shot. 2 shots. Et à ça, on va rajouter notre tasse de cheese. Oh! Dans tout ça. Direct, là. Yeah! Tiens, on va le... Hein? Non, c'est beau ça. Hein? Ça va bien carrément. C'est comme de l'or en même temps, tu sais, l'or plastique. Puis ouais. Là, encore une fois, nos cousins français, peut-être qu'ils vont chialer. Moi, j'y vais tout le temps.
Moi, j'étais un fan de cheddar jaune. Surtout, mais c'est parce que le look aussi, oui, j'ai déjà plein de farine, hein, je sais. C'est surtout pour le look du pain à la fin. Puis le goût, un cheddar jaune vieilli, fort. Je trouve que ça a un beau goût qui est prononcé. Fromage américain, moi, je suis un fan. Non, non, mais le fromage du Wisconsin, moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis, fait que t'as le look. Puis aussi, ben, c'est ça. Il y a un petit côté là, que moi j'aime bien ce fromage-là. Côté réconfortant. Caramel Mold Chess, nous dit Carl Thivierge. Ouais! Mais Carl, écoute, hein, on peut se saluer. C'est un de nos bons clients. Et dépendant voisin, c'est à 116 à Saint-Bruno, de Montarville, rive sud de Montréal. Oui, absolument. Bon Jack, écoute, qui connaît à peu près tout le monde dans le milieu de la brasserie au Québec. Mon Dieu. Il est où, Carl Thivierge, à Saint-Bruno? C'est quoi qu'il fait là-bas? Lui, il est comme gérant, il s'occupe des bières, il s'occupe des dégustes. Okay. Puis t'as Marc Poirier qui est là aussi. Mon Dieu, la communauté brassicole est avec nous aujourd'hui. La machine est là. Ah, Marc Poirier, c'est ton partner, carrément. Ok, c'est cool. T'as même pas fait le mien? Ben, je l'ai fait, ça m'a pris une petite seconde. J'ai bu une bière 9,2% pour déjeuner, laissez-moi une chance là. Ah, c'est pas lui, là. À quand le prochain studio avec Tigre et des recettes de. Non, Giovanni Apollo, on se donne un break de Tigre depuis l'émission qui a duré 12 heures, là. Un break de pote, mais. Non, on n'en prend pas. Juste un break de Tigre, c'est assez. Quelles sont les belles recettes aujourd'hui? Une demande Funky Cat, il y a le Nightbot qui te répond. Excellent. Excellent, tout le monde se jase entre eux autres. Faites ça comme du monde. On essaie de faire ça comme du monde. De toute façon, c'est de sa faute s'il y a de quoi. C'est pas de la mienne. C'est tout le temps de ma faute, anyway. C'est certain. Hey, Mike Tremblay, salut à toi. Bien sûr, Mike. Yes. All right. On continue. On a notre cheese. On a notre baking powder. Là, il nous faut 12 onces de bière. C'est bon ça? Ouais, 12 onces, c'est comme une bouteille normale ça? C'est comme un verre. C'est ça? 12 onces. C'est ça, c'est comme un 20 onces genre. Est-ce qu'on peut avoir dans le chat là? 12 onces liquide là, c'est combien de millilitres? On veut savoir combien que 12 onces nous donne en millilitres dans le chat. On devrait avoir la réponse. Pas le droit d'écrire sur internet évidemment. Pas le droit d'écrire. Mais non. Puis pendant. Pendant ça, là, nous autres, on va se couper un quart de tasse de beurre qu'on va faire fondre. Moi, je garde tout le temps le petit papier hein, du beurre, puis on peut peut-être le montrer. Je ne sais pas si vous avez ça en Europe. Mais tu sais, qu'est-ce que c'est quand on est un Américain hein? On voit ici une tasse de beurre, c'est ça, un quart de tasse. Hein? Eux autres, ils l'auraient pesé. Oui, c'est. Mais est-ce qu'on a une réponse? 354 millilitres. 882. C'est précis. On pourrait presque dire 355 millilitres rendu là. Ouais, bon, ben, on va se dire. Qu'est-ce que tu penses? Écoute, c'est toi le chef en ce moment de la bière. C'est moi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme bière dans ce gâteau? Ben, écoute, le petit gâteau. Moi, je pense que. En ce temps-là, je tienne la porte de notre maison préfabriquée. J'arrive pas à la réparer, je comprends pas le mécanisme pour vrai. J'ai sérieusement passé 15 minutes l'autre jour. Non, mais on va rester de même. Je suis ici pour ceux qui se demandent. Parce que la migraine est ici. Ouais, c'est ça. On est là pour laquelle tu peux nous montrer ça? Ouais. Écoute, je te mets ça ici. Yes. Oh, à la podcast, j'arrive. Oh yeah, good. Donc, chérie, en fait, je vous la présente parce que, comme vous voyez, c'est notre bière pour sa brasse contre le cancer pour tout le mois d'octobre. Chérie, qui est notre ambrée maison, qui est dispo encore là, étiquette blanche à l'année. On est sur des notes de cardamone, vanille de Madagascar, du miel de fleur de bleuet. Fait qu'une belle aromatique. Je pense qu'il va être super intéressant pour elle pas à l'année. Wow! Ouais, c'est bien fondu, ça. Ça. De toute beauté. Ah, non, mais moi j'adore là. C'est vrai, l'étiquette est vraiment belle. J'avais pas remarqué tantôt avant que vraiment là, on voit. Ouais, mais là après ça, c'est l'un des trucs qui s'amuse dans la vie. Non, mais c'est ça, ils ont tous de quoi différents. Ouais. Ok, c'est sharp au bout. Eux autres, ben c'est ça. Là, on pop ça. Ouais, let's go. On ouvre ça. Ben Ren, on a un tissu, si tu me permets. Les bouteilles avec, j'adore, man, c'est la quille. Ben oui. Là, la quille, là. Ça, c'est... Non, puis cette bouteille-là, pour vrai, est super intéressante. Ça se présente un peu comme une bouteille de vin.
Fait que c'est ça qui est cool aussi. Mais, fait que tu sais, Monique, ouais, a 55 ans, là, ouais, qui a un peu peur de la bière, qui veut quelque chose de comme plus fancy. Ouais. Ben là, elle a comme une petite bouteille comme ça, puis on l'a conquis, tu sais. Ah, puis il présente ton pain, puis après ça, il est comme ça y est. 500 ml, je trouve, ouais, c'est la parfaite grosseur. Vrai, mais, oui. Oui. Parce que, bon, mais tu sais, des fois, une canne de bière, c'est 340 ml. Ouais. Mais le temps de partir du frigo au salon, moi, j'avais pas un si grand appart que ça. Mais du temps de partir du frigo dans la cuisine au salon, c'est déjà quand c'est le quart de la bière qui est bu, je m'assois, je bois l'autre quart de bière, le Canadien, ce qu'on a bu, c'est fini, il faut c'est que fait, je m'enlève. C'est fait. Puis avec ça, je trouve, t'es assis ouais, plus longtemps. Il y a quelque, chose, solide, de, quelque chose de confort. Tu sais, notre 4 pack, justement, là, c'est 4 bouteilles de 500 ml, là, c'est ça qui est cool. Là. T'en as pour ton argent. Fait que tu te lèves pas pendant un mot. Non, non, t'as ton 4 pack, mais... c'est comme, je suis capable de faire ma vie, genre. C'est écrit de boire avec modération. Toujours. J'applaudis. Ouais, ça, tu vois, c'est le cas qui l'ont mis, hein. Ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, oui, c'est... pas vous autres. Non, c'est non, pas vous autres qui avez mis ça. J'étais comme ça, j'en ai sur l'étiquette. C'est bon. Mathilde, qu'est-ce que j'ai manqué dans le chat? Ben, il y a Nick Sparrow qui a des interventions franchement intéressantes, dont des suggestions de points de vente pour la brasserie. Right. Je me souviens pas du nom, il va peut-être en reparler. Il parle de tamiser la farine. Oui, est-ce qu'il est français, Nick Sparrow, pour pouvoir tamiser la farine? Je penserais pas parce qu'il suggérait un point de vente québécois. Absolument. Ben oui, on aurait pu tamiser la farine, effectivement. Là, c'est un peu de la paresse de pas le faire. Je te dirais que en restauration, en pâtisserie, on le fait beaucoup. Ouais, ouais. Même en cuisine normale, on tamise pas tant que c'est la farine parce que tout va tout le temps en course. Texture, puis à un moment donné, t'oublies de le faire, puis tu te dis, hey, la pâte est plus dure, est sortie pareil sans que je tamise la farine. Je fais plus ça, mon colis. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Hey, on a Giovanni, justement, qui nous demande où trouver les 4 packs à Sainte-Foy, dans le coin de Québec. Toutes les mondes des bières à Québec. On est à la Duchesse d'Aiguillon aussi, sur boulevard Saint-Jean, sur Saint-Joseph, à la place. Mais Monde des bières, les 5 Monde des bières à Québec. Et Funky Cat, c'est à Yamachiche qu'il brasse la bière dépareillée. Et on la trouve dans beaucoup de points de vente. Ouais, en Mauricie, quand même pas mal partout. Je regarde sur cette web, on a, ma foi, là, on a tous les points exactement de vente. Brasseriedépareillée.com, tout simplement. Yes, oui, tous les points donc, de vente. Donc, brasseriedépareillée.com. Hein, pour ceux qui se le demandent, le site web, et vous pouvez trouver tous les points de vente directement là-dessus. D'ailleurs, il y a Ben Toy qui dit « Meilleure bière ever, j'ai présentement 11 de leurs bières dans mon frigo. » Et je pense pas de ceux, il parle même pas de ceux qu'il y a en double. Donc, mon nice, Dieu, quand même, là, des vrais, vrais fans. Right. Oui, tamiser la Funky Cat, oui, tamiser la farine pour le pain. Celui-là, moi, j'avais eu des motons quand j'avais fait le pain à la bière et cheddar la première fois. Mon Dieu, bon, ben écoute, on moi, va... Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, j'ai In Funky Cat We Trust. Oui. Parce qu'elle a fait elle-même, à plus d'une reprise, la recette de pain à la bière au fromage. OK. Fait que j'y ai dit de rectifier le tir en cas de pépin. OK. De nous tenir au courant. On a déjà une recette de bière? Non, elle en a déjà une. Elle en a déjà une, OK. J'atroste. OK, madame. Non, mais ce serait pas la première fois que je fais une recette que je pense qu'il n'est pas sur le site web. Puis qu'il est dessus, finalement. Hein? C'est... OK, nice, j'ai de la famille à Trois-Rivières et Louisville. J'irai voir, c'est sûr, nous dit Funky Cat. La boîte à bière aussi, à cette fois. Oui, on tient vos produits à boîte à bière. Fait que, et voilà, Air Red Fox One. La boîte à bière à Sainte-Foy. Mon Dieu, beaucoup de monde de Québec qui sont encore, avec nous malgré mes jokes douteuses de début d'émission. Non, mais je suis à Québec. Fait que, tu vois, on a peut-être que... On a été partis. Ça, c'est... Mais ouais, c'est ça. Voilà. Tu viens de tout péter ce que j'essayais. Comme... J'avais un build-up pour le monde. Tu viens... Will Smith, tiens Will, ça c'est pour toi pour ta question, qui demande si on a déjà fait des gnocchis à l'émission. Très drôle, Will, t'es hilarant. Je vous ai dit que j'espérais que c'était pas Will, hein, l'invité mystère, hein, pas vrai? Alors, hey, il y a X-Wacken, mon Dieu, Xawaken, Xawakenks. C'est-tu que c'est tough? Mais merci, salut, et toujours un plaisir de regarder. Merci de vos commentaires. Super sympathique. Fabrice Lebelge, hey Bob, et salut le team. Mais c'est qui le petit barbu? Comment ça, petit barbu? Il est belge, inquiète pas. Tous les complexes d'infériorité viennent de la Belgique. Ok, c'est.
était avec Raphaël Richard. Hey, je... La brasserie dépareillée. Hey, t'as carré de tout le monde. Hein? On est hey, gros aussi. On, voilà. On s'en permet. La brasserie dépareillée à Yamachiche. Puis il est ici parce qu'on rappelle que tout le mois d'octobre, à Bob le Chef Live, ça brasse contre le cancer. Ouais. Et d'ailleurs, la brasserie dépareillée, comme une quarantaine de microbrasseries au travail du Québec, ont choisi un de leurs produits. On est allé pour la chérie mm-hmm. ici. Puis chaque chérie que vous vendez tout le mois d'octobre, une pièce va être remise à sa brasse qu'on a cancer. Super. Donc directement à Leucan. Puis ça, c'est le cœur sur la main. Mathilde, que j'ai manqué? Ben non, je viens de voir l'heure, puis je viens de me dire qu'on a battu notre record de tous les temps, c'est-à-dire avec Blackpool et Space Pocket. On avait coupé le premier citron à 55. On a des trucs de hey, il y a du fromage de rampé. Il y a du cheese de rampé. Puis on est à veille de. On est à veille de mesurer après. Ouais, on l'avait ouverte. Puis il nous en faut 358 millilitres et des poussières. Je ferai une intervention moi aussi. On a remarqué qu'on a 500 bits de la part de Mikatel. Donc on salue. Ça... C'est plat. On veut entendre les bits. J'ai réussi. Il y a Ben Toy qui continue. Il faut coûter cher. Il parle à toi, plus précisément Raphaël. J'ai réussi à faire aimer la bière à ma blonde avec la blanche de Magua. Fraise, poivre et basilic. Et Raphaël a été un bon conseiller à ma première visite. Du fait, je dois trouver cette bière pour que ma blonde survive jusqu'à l'ouverture du camping. Écoute, il faudrait savoir, il est dans quel coin? Il est-tu en Mauricie? T'es dans quel coin, Bento? Dis-nous ça, t'es dans quel coin? Parce qu'il y a certains points de vente qui en restent quelques-unes, fait que c'est le temps de faire tes réserves, parce que pour cet hiver, la blanche du Magua s'en va en vacances. Ah oui, ça va chiller au soleil. OK. Puis la fin d'hiver, quand on va être comme plus capable d'en mettre. Je sais que ça, fraise basique, ça c'est une genre de bière. Quelqu'un qui aime moins la bière, c'est quasiment comme un petit. Ben. Parce que je t'arrête de lire, il y a Véro ou Mouikia, hein, qui est Véronique, me dit-on à l'oreillette, en vietnamien, OK? Donc, Mouikia qui dit qu'elle aime moins la bière, tu sais, que c'est pas sa tasse de thé. Mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, ça pourrait peut-être être une bière. Ben, c'est de réviser les choses aussi, parce que souvent, exemple, une blanche, on connaît les blanches, elle est très orange, coréenne. Fait qu'on est vraiment allé ailleurs avec la fraîcheur du basilic au nez. T'as une belle aromatique. T'as le côté fraise, mais très subtil. T'sais, en même temps, c'est ça le but, hein, c'est de faire aller tes papilles pour après 2-3 gorgées comprendre ce qui se passe. Puis pour vrai, la blanche du Magua, c'est clairement une bonne bière d'été pour cette raison-là. Puis justement, c'est d'aller reacher comme le plus de gens possible. Puis notre but, c'est vraiment de faire découvrir la bière à ceux qui n'en prennent pas pour comprendre qu'en 2018, c'est comme le vin. C'est juste que souvent, quand tu dis que tu n'aimes pas la bière, ou si votre blonde et boys n'aiment pas la bière, c'est parce qu'ils ont peut-être pas eu l'occasion d'aller vraiment découvrir le type de bière qui les est propre. Puis les boys, si votre blonde a dit qu'elle aime pas la bière, elle a changé de blonde. La blonde, la bière. Moi, j'ai déjà appris la SAQ avec une fille, puis elle a dit à voix haute, j'aime pas les vins français. Puis je te jure, dans ma tête, je me suis dit, this is our last date. Malheureusement, c'est terminé. On salue Julie, hein, la rive sud. C'est pas de sa faute. Ouais, c'est vrai. Mike Tremblay, en fait, podcast Supermatozoïde, on le salue, qui travaille beaucoup à Paris de la Brasserie. Ben, il est dans Mike, un de mes bons amis aussi, fait du bon travail. Il est rendu trifluvien d'adoption. Il est trifluvien qui est à comme une dizaine de minutes de la brasserie. Fait que t'es pas en train de t'en débarrasser. Puis là, tu vois, il est comme pas content parce que non, c'est ça. Il dit que le gros Yeti de course, qui est une de nos bières du 4-pack, lui ressemble. Mais okay. Ça, écoute, mon mec, on peut rien faire pour on ça. On peut rien faire. T'as une face. T'as une face de Yeti. Alright, on va mettre du beurre dans le milieu de tout ça. Pendant que je mélange le beurre et la farine, c'est sûr qu'il a commencé à verser la bière. Je fais ça d'un trait tendre et affectueux. Et voilà, c'est incroyable. Puis joyeux, oui, on est au Piluso à Montréal, Rachel et Beaubien. Pendant ce temps-là, j'ai Julie qui me texte en ce moment, qui dit que depuis, elle a redécouvert le vin. C'est vrai? Le vin français. Mais il est trop tard, Julie. J'ai trouvé l'âme sœur. Et voilà.
It's what it is. It's funny because it's true. But all right, on continue. Rest in peace, choucroute. Hey, qu'est-ce qui est arrivé avec notre choucroute? Quelle choucroute? Notre choucroute qu'il fallait ouvrir à chaque jour. J'ai ouvert une fois. OK. Donc, on peut-tu manger de la choucroute? Es-tu correct? Elle est où? Je peux la sortir là, pendant que vous êtes pas d'Adam, vous parlez qu'il y a de la choucroute, mais il n'y a pas de choucroute. Hey, on peut. Mais c'était comme une expérience qui est. Ouais, on fait souvent des expériences. Non, mais au départ, c'était. Pas payé! Hey, on va en sentir. Hey, ouais, c'est ça. C'est sûr. Ok. Je continue à voir. Ouais, l'odeur. Écoute, ça a-tu du sens? Ça sent choucroute, les amis. Je sais pas vous autres, là. On peut-tu vraiment rater une choucroute? Ben, c'est sûr qu'on va s'en voir, hein, là. Ben, elle est bien pogné, là. Ouais, quand même. Ouais. All right, on va l'essayer tout de suite. Comme ça, on va savoir, je deviens avec avant la fin de l'émission. Face, là. Oh, wow. Ça fait du sens. Ben, moi, je vous en parle. C'est un petit peu salé, moi, pour mes goûts. Ouais, c'est bon. Ouais, juste assez. Ouais. Tu t'en penses? Elle est bonne, non? Très bonne. Le goût est là. Effectivement, un peu trop salé. Oui, mais au pire, on rajoute une couple de cubes de bacon, un peu de gras là-dedans. Ouais, puis la saucisse, puis. Pas business. We have choucroute, mesdames et messieurs. Très excité de tout ça. Yep. Chief aussi, d'ailleurs, est très excité. Chief, c'est pour ça que tu choucroute. Ouais. Voilà. Pareil que la lactofermentation pour les chiens. Ça fait c'est la meilleure des choses. C'est miracle pour leur système. Bon, alright, j'ai un moule à pain du Dollarama. C'est merveilleux. On va venir le huiler avec un petit peu d'huile. L'huile végétale, là. Même quelle huile vous avez à la maison pour ça, ça fait le boulot. Puis moi j'aime ça fariner aussi mes moules. T'aimes ça? T'es un petit farineux, toi. J'étais un farineux. Ah, c'est mon petit côté tendre, là. Let's go! C'est ça! J'ai mangé ce midi la choucroute. Du coup, j'ai pensé à vous. Mais une chance, Hit, que quelqu'un dans tout ça a pensé à notre choucroute. Parce qu'ils sont pas fiables, mes partners. Ben, il y a personne qui nous l'a rappelé non plus. Hein? Ben. Moi j'avais dit, il n'y a pas une alarme qui se faisait pour cette choucroute-là. Pas ça, là. Quit while you're behind. Et voilà. Un petit peu de farine, juste comme ça. Ouais, la raison là, qu'on met de la farine dans un moule, ben, M. Coco, il nous dirait, lui, il rajouterait peut-être du sucre. Hein? Ah ouais? Et sel, si tu l'oublies pas, je pensais que le pain à la bière, ce serait farine plus levure et eau. Non, c'est vraiment... on est allé avec ce que vous appelez de la levure chimique, Monsieur Coco, pour notre pain aujourd'hui. Puis je préfère la levure chimique, pas personnellement, mais quand j'explique une recette à l'émission, parce que... Tu sais, le but, c'est que les gens refont les recettes. Facilement. Puis le monde, la poudre, tu sais, ce que nous, on appelle le levure chimique, ce que les Français appellent le levure chimique, nous autres, on appelle ça poudre magique. Ouais, c'est ça. L'espèce de magic powder. C'est pour tout le monde sait c'est quoi, Québec. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Tandis que la levure Fleischmann... Le monde sont comme... C'est pas tout le monde qui est à l'aise de cuisiner. Ben, il y a du monde... Moi, je te dis, j'ai déjà entendu du monde dire qu'ils feront pas recette. T'sais, parce que ça complique la recette. Ça fait peur à ce point-là. Exactement. Fait que... Pas avoir peur. Non, effectivement, il faut pas avoir peur. Sauf du parachute des araignées, mais ça, c'est une autre histoire. Ben, mais c'est ça. Je trouve que c'est une façon de m'assurer les gens vont recréer la recette. Puis la raison, M. Coco, qui va nous dire combien la farine, je pense certain, ça va aider le pain à grimper dans le moule, justement. Vraiment une petite pincée de sel aussi. Ouais. Parce que je pense que j'allais oublier le sel. Puis là, je vois des shots de sel qui se font aller, là, justement. Petite shot de sel du bord de Twitch aussi, mesdames et messieurs. Carotte Mendoza, stoner habituel, hein, que je croûte. C'est ça qu'il dit, carotte, dans le film. La bicarbonate, oui, c'est la petite vache, Funky Cat. Puis la poudre magique, c'est de la poudre à pâte.
Et voilà, là, et tout le monde y va là, avec le sel. Finis ton fond que tu goûtes à chérir. Oui, absolument. C'est important, tu sais, comme tu vas pouvoir comme, visualiser la chose. Mmh. All right, ça c'est combien de pourcents d'alcool? Tout léger, un petit 5.4%. Ok, c'est ça quand même. Finalement, on voit ça comme on voit du vin. Voilà! Tiens, ça c'est merveilleux. C'est la chérie chérie. Ouais! Rien, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Ouais, on est sur des notes de cardamome, ouais. Vanille de Madagascar et miel de fleur de bleuet. Mais là, ça goûte pas le bleuet, c'est vraiment du miel, en fait, de la fleur du bleuetier, qui est un miel un peu plus floral, puis il va venir contrôler un petit peu la forte aromatique de la cardamome, tu sais, qui est quand même imposante. Ouais. Fait que c'est hyper chaleureux, ça reste super léger, là, t'as pas d'amertume, t'as pas un taux de sucre élevé. Fait qu'avant le repas, ou genre avec des petits cheese, oh, wow! Un pain au fromage. Oh, shit! C'est vraiment justement, parfait. Justement, Véro Mouikia, qui dit qu'il n'aimait pas la bière. Ben, écoute, elle parle de cocktail ou de boisson sans bière. Mais ça, c'est de tout. C'est sauf, léger. Ouais, c'est hyper léger. J'ai apprivoisé la bière. Ouais, ça. Ouais, mais moi, je dirais à Véro, si ça te tente de triper et d'essayer des trucs, sur notre site internet dans la section bière, on a toutes les fiches descriptives de nos produits avec de un des propositions pour cuisiner, okay. Mais aussi chaque bière a une proposition de cocktail. Arrête donc! On appelle les panachés. Ben oui, vous qui aimez pas tout la bière, est-ce qu'il y a des cocktails boissons sans bière? Ben c'est avec la bière, c'est avec la bière, mais c'est des cocktails. Ça va te réapprendre autrement à découvrir de la bière, puis pour vrai, ça vaut vraiment le détour. Fait que section bière sur le site de la brasserie. Ouais. Elle aime le vin, tu sais. Mais cette. Mais c'est ça qu'elle a dit, j'aime le vin. Non, je pensais que c'était comme une suite à mon commentaire. Alright! Bon! Ok, hey, on a le pain, il est pas mal prêt. Il est beau. Je pense qu'il y a, ouais, hein. C'est très bien mélangé. Ouais, hein, je goûte tout le temps. J'ai fait de mon mieux. Oh, bah, parfait. T'es-tu fier de moi? Je suis très fier de toi. C'est bon. Tu me le dirais si tu serais pas fier de moi. Oui, absolument, je te dis. <C'est bon. rire> Oh, wow! Ah ouais, bon, hey, la bière, elle goûte pour ouvrir le mélange. C'est parfait, hein, je veux. Il y a quelque chose de très plaisant là, dans tout ça. Oh, il est ça au four! Oh, c'est lourd ça. Moi, je dirais au moins. Écoute, on va y aller pour un 40 minutes. Moi, je pense que ça va faire une heure au complet au four. Là. On va le commencer à 40 minutes. On va le piquer dans 40 minutes avec un couteau. Voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais de toute beauté. Puis là, on se rappelle hein, qu'on a gardé un tiers de tasse de cheese pour venir sacrer sur le top de tout ça. Question, quand ça sort du four, c'est cute. Ça va avoir un look, là. Vraiment. Ouais. Non, on va make it rain. Make it rain. Make it rain. Absolument. Quand on make it rain du cheese, ouais. Je vous rappellerai que vous écoutez Bob le Chef Live. Tu me laisses. La meilleure émission interactive culinaire francophone de tout l'univers. Tout le mois d'octobre. On s'associe avec Sabrause contre le cancer. Et en ce moment, c'est quoi Sabrause contre le cancer? C'est rien de moins que une quarantaine de microbrasseurs québécois qui ont chacun sélectionné un produit, comme l'a fait la gang de la brasserie des Palaillés avec, oups, pas celle-là, avec celle-ci, la chérie chérie. Chaque chérie chérie vendue pendant tout le mois d'octobre. On est bien contents. Partout au Québec, à brasserie. Demi. Combien vous mettez à peu près? Tu sais-tu à peu près combien ça va donner? Ben on va savoir ça quand on va sortir nos chiffres. Après, c'est vraiment généreux. Mais pour là, disons, parce que une piastre de profit d'une bière comme ça, c'est un gros pourcentage de votre profit. Ouais, puis en plus, nous, on a commencé, c'est pas pour rien que j'ai un petit coco rasé, on a commencé avec le défi tête rasée pour vraiment lancer le défi sa brasse contre le cancer. Fait qu'on a déjà amassé la brasserie avec nos amis du Mouton Noir, nouveau microbrasserie à la tuque, 1440$. Oh, nous autres, on part à 1440$, en fait. Man, chapeau, pour vrai. Ouais. Non, mais il faut plus de monde quand ça mène fait que, ça. Mais là, l'an prochain, je te dis tout de suite, parce que là, le but, c'était de faire le défi d'être rasé avec le plus de brasseries possible. Mais tu sais, tu commences, tout le monde s'est occupé, et l'an prochain, on veut faire un plus gros événement. Fait que j'imagine que t'en feras partie. Je peux tout faire sauf me raser la tête. Ah, il tient ses cheveux. Non, j'ai un problème. C'est vrai? On m'a sorti avec les outils qui sortent. Ok. Fait que j'ai quand même une drôle de tête.
Pis j'ai des grosses oreilles. Ça me fait vraiment pas. Bah. Ah, mais ça, non, mais c'est parce, que, si tu me rases la tête, après, c'est sûr, je me ferai pas engager dans aucun contrat. Fait que non, mais de quelle façon que peut-être. Je peux. Je fais assez long. Souvent, le monde dit qu'Alexis ressemble à moi. Fait que tu ferais comme mon celebrity Doppelganger là, avec la tête rasée. Sauf que mon but, c'est d'avoir au moins une fille. Là. Ok. Mathilde, est-ce que ce serait là que tu rases tes dreads? Non, mais Mathilde, mettons là, parce que Martin, mon partner, il a une grosse barbe, tu sais. Okay. Puis lui, il faudrait amasser 10 000 pour faire raser sa barbe. Ben, check ça, avec la crinière qu'elle a, ça vaudrait un bon 3-4 000. En plus, on peut faire une perruque avec tes cheveux. Ah oui, j'ai des dreads. Quelqu'un voudrait des cheveux. Mais quelqu'un qui fait le super chillax, là. Ah, ça un beau costume. Et ça s'est jamais fait, je suis sûr, une perruque avec des dreads. Ah, des vrais dreads. Je vais y réfléchir. J'aimerais ça que tu prennes le temps de réfléchir, s'il te plaît. J'ai un an pour me préparer. Exactement. Pendant ce temps-là, il y a quelle générosité, nous dit Sophie Renault, merci de votre part. D'ailleurs, c'est ça, hein, allez visiter le site Sabrasse, c'est sabrasse.ca, hein, exactement, Alexis, excuse-moi, je ne l'ai pas pris en note aujourd'hui. Sabrasse contre le cancer. Oui, tout en un mot, .ca. Et là, on peut aller aussi voter pour mais oui, pour notre microbrasserie préférée, justement. Puis d'ailleurs, en votant, vous gagnez la chance de soit gagner des billets pour aller voir Rick Lapointe, parce que quand tu votes pour de la bière, tu peux tout le temps gagner des billets pour aller voir Rick Lapointe sur n'importe quel site web du Québec, d'ailleurs. Mais aussi, vous courez la chance de gagner des billets pour aller voir le Cirque du Soleil pour ceux qui boivent leur bière avec le petit doigt en l'air. Okay? Ah ouais, hein? Et aussi, qu'est-ce que je le dis aussi, j'avais... en plus, il y a plein de microbrasseries. Il y a plein de monde qui sont derrière cette générosité-là. Là. Je pense justement à William J. Walter aussi qui est embarqué là-dedans. Ouais. D'ailleurs, je suis allé là, à La Prairie au William J. Walter. C'est là qu'on a tout commencé. C'est cool. Ils ont tellement des produits vraiment sympas. Non, absolument. Puis ils font les vendredis au William J. Walter à La Prairie. Tout particulièrement, ils font des pogos. Puis une pièce de chaque pogo, tout le mois d'octobre est remis à sa grosse. Oui, les pogos avec notre noir souffle du coq. Arrêtez la semaine passée, ouais. Oh. Mais vraiment, là, un beau petit pogo maison artisanal. Là, je suis triste. T'es triste. Mais heureux en même temps. Oh. Parce que j'ai fini ma chérie, ouais. Chérie. Fait que là, je bois quoi? Okay. Check-moi bien. Ah, oh! C'est très plaisant aujourd'hui. Sinon, je sais que je vais. J'ai eu tabasse de prendre la recette en note, nous dit Isabelle Bertrand. Inquiétez-vous pas d'ailleurs, la recette sera sur le site web sous peu. Le monde de la bière est une belle communauté, nous dit Isabelle. Effectivement. Ça, c'est quelque chose que moi, je retiens de toute cette expérience-là avec Sabrasse contre le cancer. Et je rencontre, pas juste ce mois-ci, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de microbrasseurs depuis que le projet Bob le Chef est commencé. Surtout depuis qu'on traverse les quatre coins du Québec. Mais c'est vrai que vous connaissez tout. Puis une belle fraternité. Oui, pour vrai, vraiment, on s'encourage. Ouais. Puis, tu sais, les brasseries, les brasseurs, là, c'est une gang d'artistes, une gang de fuckers. Ben, c'est du monde qui boit de la bière, puis c'est des bons gens, habituellement. Non, puis on est dans de la création. Puis, tu sais, je veux dire, tu pourrais te donner une recette, Bob, de bière à faire, puis t'aurais là, au détail près tout ce qu'il faut faire, puis au bout du compte, ça serait pas le même produit. Je te garantis que t'as raison. Mais dans le sens que, tu sais, même brasseur pour brasseur, c'est un peu notre prolongement, le prolongement des veines du brasseur quand tu fais une bière. Fait qu'il y a un ressenti aussi en même temps, ce qui fait que chaque brasserie se complète, chaque brasserie font des styles qui sont différents. C'est ça qui est cool. Puis au Québec, de plus en plus, là, sérieusement, on fait des trucs hyper flyés. Ouais. C'est une dizaine d'années, là, on commençait à peine. On est ce qui est la France au vin, on est à la bière, moi, mais je trouve. À fond, écoute, vraiment, là, au début, justement, les Européens regardaient nos bières et étaient comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'on ne suit pas les styles plus traditionnels, puristes au Québec, c'est ça qui est le fun, on est flyés. Dans tout ce qu'on fait, tu sais, cuisine fusion, ces trucs-là, on aime ça être déconcerté, déconcertant dans ce qu'on fait, puis c'est ça qui est cool. Et là, ben, tranquillement, pas vite, les Français, l'Europe, on fait comme, ben, pour vrai, ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font? Et aujourd'hui, on commence à retrouver de nos bières du Québec en Europe. Puis qu'est-ce qui est encore plus cool, c'est que la bière en Europe est quand même vendue vraiment cher. Oui. Donc c'est comme le retour de la balance, parce qu'on sait que nous autres, notre vin est vraiment cher. Mais hein! Vis à part que si tu en vas là-bas... 14 piastres, ton cadet, c'est épouvantable. Tu sais, puis là-bas, tu le payes genre 2,50. Ils mettent ça dans la tondeuse. C'est ridicule.
Fait que c'est ça qui est intéressant de voir. Puis pour le Québec, pour vrai, tu sais, le côté de acheter local, terroir, c'est vraiment important. Ouais. Pas pour rien aussi. Oui, absolument. C'est notre marché, c'est notre fierté. Puis on est capable d'aller vraiment loin. Parce que pas comme l'industrie du vin, on n'a pas le problème de la température qui va fausser les données. Fait qu'il faut s'encourager. Acheter local, pour vrai, gagne, c'est vraiment important. Est-ce que, là, je sais qu'on parle d'acheter local, ouais. Mais on est très, très proche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en Europe en ce moment. Ouais. On est très proche. Ouais. D'à peu près. L'État qui fait la meilleure bière aux États-Unis, qui est ouais. Le Vermont. Oui. Il y a le Vermont, puis je sais qu'il y a un gros mouvement de bière aussi de l'autre bord, en Oregon, puis à Washington, dans ces coins-là. Mais le Vermont, quand même bien. Est-ce que vous êtes amis avec des micro-brasseurs du Vermont? Est-ce qu'il y a des échanges? Il y a quand même des échanges par rapport à un festival, puis à chaque année, il y a certaines brasseries du Québec qui ont la chance d'être invitées, puis de pouvoir aller sur place. Mais je pense à genre Dieu du Ciel, exemple, des plus grosses brasseries. Oui. Qui ont comme plus d'années derrière la cravate. C'est sûr que pour nous, des petites entreprises, nouvelles brasseries, c'est plus difficile, c'est coûteux les déplacements, c'est beaucoup d'argent. Mais oui, quand même, tranquillement, pas vite, les gens veulent découvrir aussi les bières du Québec. Mais si vous êtes caché, si t'es capable de percer, je veux dire, le marché est énorme. Sauf que, tu sais, on s'entend que rendu là, tu changes de game. Là, oui. Parce que juste pour rendu être capable... Rendu là, tu poses plus tes propres collants sur tes mains. Non, puis c'est ça, c'est une question de valeur. Tu peux pas faire du café. Oui, du café. C'est important, du café. D'ailleurs, écoute, anecdote, ma machine à café est décédée la semaine passée. OK. Ouais, puis là, je suis en train de me faire des cafés avec des petits bonhommes. Oui, petits oui. Bonhommes. Puis écoute, en attendant, ça fait la job, mais café, c'est toujours bien important. Surtout quand t'es sur la route comme toi, j'imagine. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, t'es toi qui es à Montréal souvent. Oui. Un petit conseil, café la rue et fils. Oui, dans le coin je connais. C'est super Guillaume, bon. Guillaume, tellement un shit. Toi, je connais pas Guillaume, mais je pense que ça lui Guillaume. Lui, Guillaume, est celui au coin de Jarry. Pas le plus récent, il en a ouvert un dernier. Ça, je savais pas qu'il y en avait plus. Ouais, il y en a trois. Mais café incroyable. Absolument. Mais café, c'est important aussi. Moi, j'ai pas le droit d'en boire les jours d'émission. Je deviens trop excité. Comme là, je suis comme à mon plus calme. Fait que là, tu peux prendre du café, mais tu peux prendre de la bière. Tu peux prendre de la bière. Ça, il me laisse en boire de la bière. Ça me calme, la bière, en plus. Hey, Isabelle Bertrand, merci, qui dit qu'il a partagé. Donc, gros merci pour le partage Facebook. Pendant ce temps-là, c'était bien sûr qu'on a partagé. Non, OK, le monde a bien de ma communauté, j'ai eu le temps à... OK, bon. All right, j'ai manqué un petit bout de cette conversation. Sinon, Richard Bonny, il y a Foudruni qui réunit beaucoup de brasseurs d'un peu partout dans le monde. C'est organisé par les micro-brasseries de Donham. Merci beaucoup, Richard, pour cette information. Richard Bonny Tremblay, qui est un sale connaisseur. Un sale? Oui, un vrai. Vraiment. C'est mieux d'un sale connaisseur de bière qu'un connaisseur de bière sale. All right, fait que c'est peu qu'on boit, là. Attention. Oui, on peut mettre ton choix à la caméra. Là. Ouais, c'est vrai. Tiens, bang! Ninja. Ninja! IPA. Ninja IPA, là, ça, sincèrement, c'est une de nos bières préf. Ça fait longtemps que Martin travaillait, puis tout ça, puis on est vraiment fiers de ça. Ninja IPA avec des houblons, un assemblage de houblons de la Nouvelle-Zélande, on en parlait tantôt. Oui. Avec du miel de fleur de bleuet. Oui. Je parlais tantôt du miel de fleur de bleuet qui est plus floral, plus fruité. Ça va arrondir un peu ton amertume. Okay. T'es à 65 IBU. IBU, pour les gens qui ne savent pas, oui, c'est, explique-le, c'est l'unité de mesure pour vraiment avoir une idée du degré d'amertume d'une bière. Fait que 65, c'est même beaucoup. Là. Ouais, c'est le International Bitterness Unit. Okay. Donc, l'unité de mesure pour calculer l'amertume d'une bière. On peut confondre avec des BTU. Non, c'est pas la même chose. Okay. Et donc, le miel de fleur de bleuet là, va venir te donner... quand même une belle balance avec ton amertume. Ça, c'est hyper digeste. On frôle le 7%. Il y a un côté sirupeux, mais en même temps, un sucre résiduel qui n'est pas trop présent en bouche. Je veux l'inviter, cette fois. Mathilde, elle sent rien. Je ne suis pas. Elle faisait sa sauvage, mais finalement. Je ne suis pas une fan de IPA à la base, puis j'essaye de me convertir. Mais tu vois, tu as dit quelque chose de vraiment cool. Moi non plus. Tu sais, je ne suis pas un fan de IPA. C'est exactement un autre style d'IPA. Pourquoi? Parce qu'on connaît les trucs hyper charnus ou blumés, genre. C'est fou parce que le chiffre de IBU me découragerait de l'acheter. Je veux montrer. Et elle n'est pas si amère que ça. La couleur est impeccable pour la couleur. Vraiment beau. Puis encore c'est une fois, beau. C'est la deuxième semaine que je remarque les mousses. Oui. On peut quasiment scalper la mousse et s'en servir comme dans une assiette. Écoute, ça, là, la Ninja, pour faire un petit réduit, un petit coulis à la bière, là, pour
pour un dessert ou un mi-cuit de foie gras, un brownies bacon choco avec ça, un petit coulis dessus. Puis genre, il y a des gens. Belle. C'est cool! Ok, ça arrive. Mais c'est parce que... à l'intérieur. Mais c'est parce que présentement, c'est que le style vraiment américain en termes d'IPA est tellement populaire qu'on dirait que les gens qui trippent moins, mais n'ont comme pas la chance de connaître autrement les bières amères. Parce qu'il y a d'autres manières. On m'avait dit aussi que c'était très facile de faire une double, triple IPA. L'amertume, c'est facile à produire. Mais parce que disons que c'est plus in your face. C'est ça. Mais les houblons de la Nouvelle-Zélande, comme je disais tantôt, c'est plus chill, c'est plus juste subtil. En subtilité, exactement. C'est plus fou. Oui, parce que là, malgré son chiffre, il est écrit où le chiffre? 6,9%. Sérieux? Qui est écrit en arrière ici, le 65 IBU. Ah, ok, 65 IBU, parce que c'est beaucoup ça pour moi. Vraiment beaucoup, puis tu me sers ça sans me dire que c'est une IPA. Moi, je pense que je suis complètement ailleurs. J'ai presque l'impression d'une cream ale ou de. Ouais, ben c'est ça. Puis évidemment, puisque c'est quand même une bière avec du coffre, pratiquement 7%, intéressant à prendre en mangeant, tu sais, des bons fromages, un fromage bleu, des fromages un peu plus forts ou cendrés, tu sais, qui ont plus de coffre. Genre là, c'est l'automne. Fait que tu sais, les braisés, là, c'est le temps, ça commence. Avec ça, c'est fantastique. Wow. Où tu fais juste laquer tes viandes, ça va caraméliser le dessus de tes viandes, là. Ça te fait triper, puis tout le monde est comme... Franchement, là, puis je pense que je te vois là, gérer un peu tes températures. Je pense que ta température parfaite vraiment, en ce moment. Totalement. Elle est pas trop fraîche. Non, parce que... j'ai remis un pépé au frigo, il fallait que je laisse sortir. Ouais, non, c'est correct, c'est bon. On peut le ressortir. Bon, écoute, je vais pas tout gérer ça. Ouais, non, mais c'est ça qui est malade, parce qu'à l'époque, il y avait juste Mario Dye qui faisait le maudit livre, là, Harmonie des saveurs de bière. Bon, il est beau. Mais tu sais, moi, je t'écoute parler, je veux dire, toi qui a travaillé en cuisine, en restauration, puis tout, à cette heure-là, on est vraiment là, on commence à avoir vraiment des mariages bouffe-bière. Puis là, vraiment, même plus que le vin, parce que le vin, t'as des catégories qui sont très, très prompt, très strictes. C'est ton blanc, c'est ton rouge. Après ça, t'as les cépages. Mais le cabernet sauvignon qui va être un peu plus costaud, qui va être bon avec des viandes, des sangliers, des trucs comme ça. Ou t'as plus le Beaujolais qui est un peu plus doux, qui va mieux avec quelque chose de moins goûteux, comme un filet mignon. Exactement, là, ou sinon tu tends des trucs plus légers, genre plus noir, nanana, puis tout ça. Mais c'est que le vin, tu dois suivre le style puriste pour vraiment avoir l'appellation avec ton cépage. Absolument. La bière, tu t'en... Puis l'affaire aussi que le vin qui est compliqué. Tu sais, moi ça fait un temps, 5-6 ans que je me suis vraiment mis... Ok, je vais en apprendre sur le vin. Ouais. Je lis là-dessus, j'en déguste beaucoup, je vais à des dégustations. Puis je me suis rendu compte, première affaire d'importance, c'est que le vin, c'est de la géographie. Hein, on commence. Mais je suis encore en France. J'ai à peine sorti de la France. Ça fait 5 ans, là. Tu sais, pour vrai. Non, c'est un vocabulaire. Je bois des vins italiens des fois, mais je me suis dit, j'ai commencé avec les deux pays les plus classiques, la France. Puis. Mais aussi, faut que tu te rappelles qu'un cabernet français. C'est pas du tout la même chose qu'un cabernet américain. Américain, genre de la Californie, qui goûte la cerise, ailleurs. Qui est costaud, plus sur les là. Sucres en même temps. Yeah, exactement. Non, c'est vraiment ailleurs. Puis c'est un langage. Puis quand je fais des ateliers ou des dégustations, ce que je répète toujours aussi aux gens, c'est comment apprendre le vocabulaire du milieu brassicole. Très facile. Les houblons pour la bière, pour moi, c'est un peu comme les cépages pour le vin. Donc, selon les provenances, ont des caractéristiques, selon leur genre, et ça va emmener ton genre de bière aussi, tu sais, aussi simple que ça. Puis c'est des petits trucs comme ça, hyper faciles. Fait que des fois, quand on connaît pas nécessairement l'univers brassicole, ben c'est comme ça qu'on va être capable d'aller chercher ses goûts, puis qu'est-ce qu'on aime le plus possible. On a Franck Kikar qui posait une question intéressante. Vous avez amené dans la région de la Grande-Mauricie. Ouais. Est-ce que vous avez déjà exploré des bières avec du sarrasin? Effectivement, ben en fait, la Souffle du Coq, qui est notre noir, qui est disponible à l'année, c'est notre bière seigle et sarrasin. On travaille avec justement Louisville, Biomal Mauricie. Il y a le Festival de la Galette qui était il y a vraiment pas longtemps. Oui, absolument. C'est ça, c'est comme une espèce de comme gros festival. Non, mais fais ça, la galette de sarrasin de Louisville, c'est quelque chose. La grosse affaire là-bas. On célèbre beaucoup trop la galette de sarrasin, moi, je trouve. Non, mais le monde rêve à la galette pendant deux semaines, parce que c'est deux semaines de festival. Ah ouais? Ah ouais, non, je te jure, là, les gens viennent de partout, New York, la galette, la 14 façons différentes de manger une galette de sarrasin avec ça. Mais effectivement, mais par contre, pour les gens sans gluten, puisqu'il y a du sec dans notre bière, on peut pas dire que c'est une sans gluten. Okay. Mais oui, on utilise le sarrasin qui amène une belle légèreté. On a troqué l'avoine pour le sarrasin. Fait que c'est super cool. Puis je voulais te dire, pour l'amener déjà épilé, parce que là, non, c'est sûr.
c'est peut-être moi qui est trop tannant, là, je vois que tu as un beau bar. Là. Oui! Parce que nous autres, avec la Ninja IPA, on a le Muay Thai. OK. Le Muay Thai de la mort, qui est un petit shooter avec la Ninja IPA. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Mais t'as-tu genre, mettons, un petit Jameson ou un petit genre... On a du Jack Daniel, je veux du Jack Daniel d'ici. On en a... Oh oui, il y en a. OK. On a du gin, on a vraiment de la... On a de la tequila. On a-tu encore du cheminot? Non, on l'a fini, hein, le cheminot. Ben écoute, si on reste dans le Jameson Jack, là... Crown. Ah, du Crown Royal! Amène le Crown Royal ici! Amène le Crown! Amène le Crown! Mais pas convaincu! Mais non, mais j'essaie de te le vendre! Non, mais c'est parfait! C'est un rye! C'est un whisky canadien! Bon, donc, on est sous seigle! On a-tu genre des petits shooters? Ben oui, des petits shooters! Yeah, ok, j'aime ça! Pendant ce temps-là, on va se réchauffer! John Taranto qui dit très belle couleur, elle donne l'eau à la bouche! Et Richard Bonnet qui dit c'est pareil pour moi, je n'aime pas les blanches, le style. Mais quand j'en découvre une que j'aime, ça me surprend toujours. Ok. Fait que là. Il y a Hellwife qui demande où est devenue l'idée de l'âne sur le logo. En fait, c'est un coq et un âne parce que les gars, ils passent tout le temps leurs idées du coq à l'âne. Hey, tu m'as écouté, c'est absurde. Je pensais que tu m'écoutais pas. J'ai l'air de rien, man. Mais j'écoute. Hey, pendant ce temps-là aussi, du bord de Facebook, il y a Marc-Claude Bernier là, qui partage là, une petite vidéo là, de cocktail à la bière qu'elle nous propose. Donc, ceux qui aiment, prenez le lien en note, mais allez-y pas de suite. Parfait. Seigneur. Ça prend tellement de place dans un bar, une bouteille de prendre. Et notez que Raph est beaucoup plus généreux que moi. Hein, il a préparé des shooters pour l'équipe technique. Ouais, quand même. C'est ça, avec l'alcool des autres. Fait que dans c'est le fond, tu mets juste, c'est ça, tu disais, soit un Jameson, un Bourbon. C'est ça, exactement. Puis on fait une espèce d'uppercut, donc on met le shooter dans le verre de Ninja. Oh, après ça, shit. On prend ça. Ok, fait bon, mais Alexis, il faut un verre aussi. C'est ça. Puis oh mon dieu, là, c'est le moment que l'émission va s'en aller. Au moins, on a fait ma recette déjà, là, c'est rendu ça à son tour. Genre, je vais en donner un peu parce qu'on s'entend que. On veut aussi pas une catastrophe. Il en restait-tu pas? Ça, c'est... Moi, Oui, c'est la Ninja, ça. C'est la Ninja? Ouais. Oh, OK. Fait qu'amène-toi ici, le gros. Ça sort pas. Oh, mon Dieu! Je me rappelle, j'étais avec Uncle Souls, moi, j'ai 14 hier soir. Qu'est-ce que j'ai eu? On s'en va. Oh, my God! Fait que là, uppercut, bière et crown. Il m'en reste un peu dans celle-là aussi. La crown Ninja. Ouais, ben c'est nous autres on appelle ça le Muay Thai, puis on aurait pu parler du Muay Thai de la mort si on avait pris des shooters longs. Le Muay Thai de la mort. Je sais pas, la magie s'opère. Okay. Ah, ben, j'ai peur parce que la dernière fois j'ai vu un shooter, c'était les Irish Car Bomb. Et le Irish Car Bomb, j'ai été tellement malade là-dessus. Il y a un chapitre là-dessus dans le plongeur. Sur ma brosse. Il y a un qui nous dit au revoir avant qu'on boive. Je ne m'y attendais pas. J'ai jamais aimé le Crown. Je ne m'y attendais pas. Il y a comme quelque chose de vraiment caramel. Ben, c'est le petit côté... Foggy Billy. Mais vraiment, tu sais que tu ne prendras pas ton char et qu'à 8 heures, tu vas dormir. Effectivement. Tantôt, je suis venu en taxi. Oui, c'est ça. Tu avais tout prévu. Mais c'est délicieux. C'est le dernier. OK, bon show, bravo, j'ai découvert. C'est cool, ouais, c'est cool. Vraiment, je suis là, Agréablement. Vraiment. C'est bien de me replacer. Alright. Alexis qui boit comme si c'était du petit lait, nous dit « Hit, le pain va être brûlé si vous buvez trop, du nous dit Funky Cat. » Qui siffle le générique en ce moment, le dit Will Smith. Jérémy qui dit, au lieu de coq à l'âne, elle dit coq au vin, nous dit Marc-Claude Bernier. Passer du coq au vin. Arrête de passer du coq au vin. J'aime ça, Chris. C'est vraiment bien. Je pense que je vais le faire. Ça. Non, de Bretagne, oh mon dieu, un hop-a-line, nous dit Richard Bonnet. Chips à toi. Bon, alright, Mick Bois, salut gang, je suis en retard, j'avais des tires d'hiver à poser. D'ailleurs, oui, hein,
cette semaine, c'est une bonne semaine pour poser tire de parce que ça s'en vient. C'est il neigeait matin. Ah non. Ouais, moi, j'ai eu des flocons, pour vrai. Ouais, j'étais là à Laval. Mais il se passe ça à Laval, non, c'est ça qu'ils disent. Ah, écoute, ça arrive tard. C'est le même. Il y a tout le temps un degré de plus froid à Laval ici. J'ai envie de goûter à ça comme bière et shooter. Écoute, chrono chic qui s'en vient à Montréal. Hey, ça l'a fessé cette affaire-là, par exemple. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Ouais, ça fesse. Ouais. Non, non, c'est pour ça que la matinée. C'est un délai. Mais. C'est une bombe à retardement. Mais mes genoux viennent de dire mais à mon oreillette. Fuck. Je suis fucké, moi, là. Alright. On va éteindre le cellulaire. On veut plus parler à personne aujourd'hui. mon Dieu. On est ravis de vous avoir connu, nous dit Miss Val. Miss Val, j'étais une bière près de t'appeler Miss Vale. Miss Vale. T'as même Funky Cat qui pense que le pain est brûlé. Le pain est brûlé. Non, on est correct. Chronochic est là. Ah oui, c'est vrai. Chronochic, d'ailleurs, qui s'en vient à Montréal. On vous rappelle, Mathilde revient ici juste nous dire, c'est quand le 23 novembre? 23 novembre, c'est bientôt. Dans les chats YouTube et Twitch, vous avez l'information, le lien de l'événement Facebook. Donc, on vient de mettre là, le lien, me dit-on, à l'oreillette du bord de YouTube et de Facebook. Je vais juste YouTube et Twitch. Je vais aller le poster dans Facebook aussi. Je veux juste rappeler aux gens que, parce que j'ai vu que Cécile se posait la question, il y a un prix d'entrée. Vous pouvez acheter les billets d'avance. Je pense que c'est 12 et quelques en avance ou 15$ à la porte le soir même. On aurait aimé ça faire ça gratis, mais il faut louer la salle et payer les musiciens qui vont jouer. Fait que voilà. Pour 12,50, je te signe le chess, tu bois un shooter avec Mathilde, puis Alexis te fait un shotgun avec un joint, parce que c'est maintenant légal. Hein? Il est à la porte avec un joint à l'envers dans la bouche de la soirée, puis il souffle de la boucane à qui le voudra bien. Non, c'est pas ça que tu m'avais dit. Caramel-moi le chess et fuck all, ça goûte le ciel. Hello! Nous dit Eric Gobato. Bonjour Eric Gobato. Yes. D'ailleurs, c'est Eric Gobato qui a inspiré la tune de Styx. Hein? Doro Poricato, Eric Gobato, Doro Doro. Moi, je la trouvais très drôle. Weeping Jay qui nous host en ce moment. Merci Weeping Jay de me sauver de ce malaise de mauvaise face. D'ailleurs, Eric Gobato ne les écoute plus, on me dit à l'oreillette sur Facebook. Big Ben, Valerie Sonner qui est avec nous autres, qui nous dit un beau salut. Try My Mom aussi qui est avec nous autres. Wow, j'adore ton nom, Try My Mom, pour vrai. Conséquence Couche aussi qui va être là. Conséquence Couche qui dit qu'il va être là à notre meet-up. J'espère bien, Conséquence Couche. Amène ton couche, j'amène les conséquences. Make Magic, Funky Cat, on se calme sur la neige. Écoute, c'est pas de ma faute. Funky Cat nous host malgré mes mauvaises prédictions météorologiques. Arrêtez de parler de ce meet-up, ça me brise le cœur. Écoutez, à chaque fois, ça c'est It qui nous dit ça. Je veux le chess signé, j'oublierai pas ça. Magic Toaster, amène ton Sharpie. Tu seras pas déçu, je te le dis tout de suite. D'ailleurs, là, je veux que Mathilde vienne mettre le lien tel que promis de tout bord, de tout côté. Elle est où la neige par chez nous? Tu vois, chrono chic quand tu arrives ici. Il devrait y avoir la neige, là. Ouais. Ouais, ben, c'est excitant quand des Français de France viennent au Québec et ils neigent. Ouais, parce que ça, 2 cm, c'est comme de 30 cm en janvier, à peu près. Ouais. C'est puis on rappelle aux amis français, hein, quand vous venez au Québec, la neige jaune, c'est pas de la neige au citron. Non, c'est ça. Hein, ne la mangez pas. Non, faut pas. C'est pas de la neige en bière. Okay. C'est pas de la tire d'érable non plus. Non, hein. C'est rien de ça. Alright. La deuxième fois que je bois de l'eau pendant un live, en 112 épisodes, donne-moi une chance, monsieur Coco. Chris, je viens de prendre un shot, il y avait deux sortes d'alcool là-dedans. Ok! Là, le pain au four, ouais. Il est 2h35, ouais. Moi je dis qu'on parle de la poutine. C'est bon. Ça, c'est ton domaine d'expertise. Moi, je suis dans, let's go. Dis-moi pas que tu sais pas c'est quoi la recette, parce que sinon, on est dans la merde, ok? moi, j'ai lu la recette, par contre. Tu l'as lu, hein? Je l'ai lu. J'ai même pris la peine, écoute, de faire une belle petite présentation. Sans blague, t'es de loin l'invité qui a envoyé la fiche recette la plus complète jusqu'à là. Quand j'ai vu ça, je suis malade, j'ai rien à faire cette semaine. Écoute, j'ai juste à boire ta bière. On peut aller la voir carrément, hein? Ben ouais. Non, c'est une très belle fiche recette, là. Puis ça met l'eau à la bouche, assurément, là. Regardez ça. Mais là, on fait une poutine, mais une poutine, on a fait beaucoup de variétés de poutines à l'émission. Ouais.
Mais on fait une poutine pas de frites. Ouais. Avec des légumes. Exactement. Des légumes verts. Pour se sentir moins coupable. Mais en même temps, on a quand même du bacon, on a quand même de la bière dedans, fait qu'on a comme plein de plaisir en bouche. Mais on a du bacon qui va avec plein de... Là, j'ai acheté du bacon de même. C'est parfait, ça, on va faire des belles petites des, tranches. Des cubes, hein, je sais pas si tu fais ben, des cubes, des tranches, tu sais. Tranches le fun, ça peut être des cubes. Faut que je dise, je suis déçu du bacon. T'es déçu du bacon? Mais non, mais du bacon, ouais. Comme tranché. Ouais. Ben il est oui, beaucoup plus cher qu'il était. Ouais, Chris, c'est comme 8$ une livre de bacon. C'est pas le bacon. Ouais. Puis avant, il était pas gras. Mais il était ouais. Gras, ça peut être gras ouais. Du bacon, mais là, c'est gras. Il n'y a pas de viande. Ouais. Non, c'est, non. C'est du gras, pas de viande. Puis ça m'écœure un peu, payer 8$ pour ça. Mais les prix ont monté, là. Tu sais, sanglier, bacon, ça, etc. Payer ça 6$, ouais. C'est un slab. Mais c'est pas 6$. Ça, je trouve que c'est un bon deal. Sérieusement, c'est ça, pas c'est du vrai porc, premièrement. Ouais, hein, c'est pas rien, là. Check-moi ça. Je n'ai pas les bons éléments de la recette, c'est bon. Non. Check-moi ça, front cam, Alexis. Wow. Ah, wow! Regarde-moi ça. C'est beau, ça, c'est du bacon. Ouais, ça, c'est. Ça... On dirait des bonbons patates. Ah, non, excusez. C'est vraiment, vraiment drôle, vraiment drôle. Ça, ah, ça, là, direct quand même. Ça, c'est beau, là. T'en veux-tu un bout? Ben, moi. J'attendais. Ah, mon Dieu! Ah, je sais qu'il est bon. C'est un beau morceau, hein? Ah, ouais. Ah, ouais, c'est beau, là. Hey, 6$ pour ça, là. Ouais. Pis ça, même, là. Tu sais, on parle de choucroute. Ouais. Ah, oui, 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 oui. Tu te coupes un cube, tu le fais cuire, tu le saisis, oh tu l'envoies au four pendant comme ouais. Une heure ouais. À 300 degrés, puis il va toutes s'effilacher. Non, non, mais puis le bacon, qu'est-ce qui est cool, comme je fais une salade l'été, une salade de légumes. OK. Fait que fèves vertes, tomates, piment, un an, mais full bacon, mais je me sers du gras de cuisson du bacon dans le poêle pour faire ma vinaigrette. Absolument. Avec les légumes. Yeah. À l'eau. Ouais. C'est quoi qu'on a fait avec notre gras de bacon il n'y a pas longtemps? C'est pas la semaine passée qu'on a pris. Yeah, on a pris le gras de bacon pour faire notre caramel la semaine dernière. C'est parfait. Et on croirait hein, que son nom c'est pas Chief, mais que son nom c'est Bacon. Oh! Parce que là, voilà, yeah! On mentionne Bacon. Eh bien oui, on est arrivé de t'acheter une petite marchette pour manger ton bacon. Chief, ça sent bien. Chief le chien, comment ça se fait vieux un peu? Hein? Il y a 10 ans, Chief? Comme faut. 9 ans. 9 ans? Ouais, quand même, c'est un big boy, là. Ah ouais, on ne sait pas exactement quel âge j'ai en fait. Comme moi! C'est un parvenu. Même chose que moi. C'est un parvenu. C'est vrai, il a l'air jeune, mais c'est poisonnant de taille. Ouais, plutôt même. Hein? Même chose. C'est pour la vie. C'est pour la vie. C'est ton look George Clooney. Laisse personne te dire que t'es vieux. Hey, qu'est-ce qu'on boit? Je t'ai vu ouvrir une bière. Certains, certains. Ben écoute, ah, puisse. Ça se peut que je parle en fin de ça se peut, ça se peut. Alors, la pépé. La pépé, ah yes! Dans le nom, ça me dit qu'on devrait bien. J'allais t'apporter du bacon ici. Là. Hey man, ce bacon, wow. Il est tellement beau. Wow, check la belle shot! Ouais, c'est beau ça. Oh, wow. Alors la pépé qu'on vous présente aujourd'hui pour notre poutine dépareillée, c'est un assemblage de 5 poivres sauvages. Mais là, on s'entend, on parle de beaux poivres qui sont fruités, florales, une belle aromatique. On travaille beaucoup avec Philippe de Vienne. Oui. Hein? Donc, Philippe, c'est comme le chasseur d'épices. Fait qu'il s'en va un petit peu partout à travers le monde. Hein? Mm. Puis, il nous trouve des beaux poivres de Timur. Philippe de Vienne, qui a son magasin, hein? Épices de cru au marché Jean-Talon. Exactement. Il est un magasin. Pour vrai, là, allez chercher vos épices et vos poivres là-bas. Là. Puis, ouais. Je m'en veux un peu. Parce qu'à l'époque, Philippe de Vienne, avec sa femme, il y avait une émission à All TV qui découvrait les épices. Puis j'ai déjà ri d'eux autres sur les réseaux sociaux parce que je trouvais que c'était l'émission la plus plate à écouter à vie, man. Mais après tes rencontres en vraie vie, ils sont malades, je me sentais tellement mal, je me suis même excusé d'avoir ri de leur émission. Écoute, on fait une bière spéciale pour un client pour le temps des fêtes. Puis notre client nous a parlé d'un poivre qui goûte le fruit de la passion, qu'on appellerait la baie du fruit de la passion. Tu sais, de quoi de vraiment funky. Puis on s'est dit, ça va être cool pour faire une nouvelle bière, mais en même temps, ça reste un poivre. Fait que je les ai appelés, je parlais à sa femme. Sa femme, elle dit, attends un peu, je sais pas trop c'est quoi. Ouais, c'est ça, exactement, Ethné. Puis après ça, elle dit, attends, elle est malade, elle met sa conversation, Philippe. On se met à parler de ça. Ils s'en allaient en Éthiopie, ils ont dit, je pense qu'on fait des recherches, ça vient de là-bas. On va aller chercher ça, ils sont hyper motivés. Là. C'est vraiment là, des gros chasseurs d'épices. Là. Pour vrai, ils sont funky, adore ça. Oui. Sincèrement. Épices de cru, ça vaut vraiment la peine. Ça fait la grosse différence. Allez faire un tour, absolument. Donc, la pépée. Hein? Oui.
Alors, c'est ce qu'on va utiliser pour notre poutine. Donc, un assemblage de poivre sauvage, c'est très velouté, une belle blonde de soif. On a un beau 6% d'alcool pour nous donner une belle texture en bouche. Mais encore là, on sent pas le 6%, là. Ça reste très léger. Non, on sent pas! Non! Je sens en bas de la taille, je le sens! Je suis lousse! Et pour vrai, la pépée dans check la bière... Check ma comment je danse bien quand je bois de la bière. C'est le même je danse. J'ai aussi une fille, pas la même fille des 20, mais il y a une fille qui m'a déjà dit « On pourrait-tu aller danser? » Elle aussi, j'ai jamais rappelé. Puis une des raisons, c'est à cause du mouvement que je fais en ce moment. Le mouvement de hanche. Ah, avouez que c'est l'effet de Pierre de Poivre de Cayenne sur vos yeux, ça. Tu sais quoi? Je trouve que ça transparaît, mais comme vraiment beaucoup que vous arrivez du domaine de la restauration puis que vous êtes à la recherche de des accords complexes, des mélanges d'arômes plus complexes. On parle presque d'un plat, d'une recette. Ben, totalement. Puis, tu sais, c'est une histoire. C'est juste de s'amuser avec ce qu'on peut avoir sous la main. Puis, tu sais, la sommellerie, c'est ça. C'est pas juste pour le vin. Là, non. Je veux dire, les biérologues, puis j'ai le plaisir de découvrir. Puis, on en parlait la semaine dernière aussi avec nos invités qui nous arrivaient tout droit de Saint-Jean-Port-Joli, Ralbach. Mais ce que j'aime, c'est que je pense au Québec, depuis 5-10 ans, les gens se sont mis à s'intéresser beaucoup à la bière. Puis à vraiment être capable, parce qu'avant c'était considéré bourgeois, d'être capable de goûter, d'associer à un arôme, à un fruit, à une herbe, à quelque chose qu'on connaît, c'était considéré comme bourgeois, hautain, c'était associé toujours avec le vin, évidemment. Tout le temps, tout le temps. Puis je trouve ça vraiment le fun, les gens, quand vous goûtez, ayez pas peur de dire à quoi ça vous fait penser, si ça vous fait penser à du craft dinner. Ben, comme dans le vin, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est un sommelier qui m'a déjà dit ça, ça dérange pas. Non. Si tu goûtes les cerises, c'est parce que toi, tu y goûtes. C'est ça. Non, mais je le dis toujours, c'est de laisser aller votre interprétation poétique, puis c'est comme vous qui allez goûter, puis qui allez comme juste découvrir ce que vous, ça vous tente. Totalement. Puis avant, c'est que la bière, tu sais, c'était la bière du peuple, c'est le boire du peuple, c'était pas cher, c'était considéré pour les gens pauvres. C'était juste pour l'effet, plus que pour parler Mais aujourd'hui, t'es ailleurs. C'est ça qui est fun. Complètement. Puis, je trouve ça le fun de pouvoir partager, au-delà de partager un plat, puis de manger, puis de goûter la même chose, tout le monde en même temps. Là, de pouvoir partager les sensations que t'as. Parce que c'est un de nos cinq sens qui est très important. Le goût, au nez aussi, on peut la regarder, on peut partager. C'est pas bourgeois, lâcher plus. Mais non, mais non, mais non. Tu sais, comme on s'en fout, y a pas de bonne réponse. Là, c'est malade, le chat est littéralement. En feu. En feu, oui, effectivement. Premièrement, je salue ACJC qui danse exactement comme moi et qui dit que c'est à cause qu'il danse comme moi, qui est célibataire. Ben, that makes two of us, ACJC, ok? Sinon, Richard Bunny, les bières au poivre, c'est cool. Et la pépée est une de ceux que j'aime beaucoup. Donc, puis Richard Bunny, c'est un sale connaisseur de bières sur les internets, ok? Monsieur Coco qui dit, pour ceux qui n'ont pas accès aux bières québécoises, on prend quoi pour faire la recette? Quel type de bière? On a pris quoi pour la recette? La pépée? Pas la pépée. Pour le pain? La chérie-chérie. Pour la bière, on a pris la chérie-chérie qui est une ambrée. Oui, bière ambrée. Fait que n'importe quelle bière ambrée par chez vous, Monsieur Coco. Une bière avec du corps. Une bière avec du corps. Ben, disons, avec des belles épices aussi, tu sais, qui vont enrober un peu toutes les saveurs de votre pain. C'est ça qu'on va aller chercher. Donc, une particularité. Dans ce cas-ci, la chérie-chérie, on a la cardamone, on a la vanille, mais ça prête bien autre chose aussi, évidemment. Tu sais. Moi, je vais te dire quelque chose. Ouais. On est à la troisième semaine où on reçoit des brasseurs. J'ai aimé tout le monde. Tout le monde est passionné. Tout le monde partage. Puis c'est comme des bières, ils sont tous différents. Tout le monde a son style. J'aime tellement ça. Puis là, honnêtement, pour un néophyte qui n'est pas sûr qu'il aime la bière, il y a Nilux qui était là tantôt à dire j'aime pas trop le goût de l'alcool. Mais la pépée, c'est pas là, mal ça. Là, on est vraiment dans des bières. Puis j'ai apprécié autant, là, tout autant déguster les bières de nos deux autres brasseurs précédents. Mais là, on est vraiment dans des bières
presque, comment je dirais ça, gastronomique. Absolument. On oui, est vraiment c'est dans, bien dit. C'est ouais. fin, des fin, subtilités fin, d'ailleurs, t'as-tu goûté ça parce qu'on goûte le poivre, là? Oui, mais pas... Mais c'est rien de choquant, là, en même temps, tu sais. Non, on parlait c'est de, doux, on parlait c'est de déguster fin, des bières, il y a Seigneur Tabarnakos qui dit, plus on a une alimentation diversifiée, plus on est capable de bien déguster, plus on est apte de retrouver des saveurs. Vraiment. Et c'est si bien dit. Et la sonde barbu, qui pose quand même une question très intéressante pour aller avec cette semaine. Ouais. Est-ce que c'est dans vos projets ouais. de peut-être faire une bière avec du CBD ou du THC pour suivre l'espèce de... Suivre la le hype. Mais tu sais quoi? Ouais. Cette semaine, moi, j'étais un peu dans, pas dans le déni ouais. ou dans le dégoût. Mais je suis à, OK, on peut-tu en venir? C'est juste ben, du pot. Écoute. Mais j'avoue que si on regarde ouais. ça de la perspective de ailleurs dans le monde, on ouais. est quand même juste le deuxième pays au monde ouais. à avoir légalisé le cannabis. Totalement. Fait il y a quand même quelque chose à explorer. Non, il y a quelque chose de cool dans le sens que, de un, c'est, on va se le dire, c'est quand même historique. Après ça, on peut être pour, on peut être contre, une question d'argent, c'est le gouvernement, whatever, tu sais. Mais nous autres, non, ça nous intéresse pas tant que ça parce que en soi, sincèrement, c'est pas si nice que ça. Oui. Je veux dire, de la bière, tu fais ça avec quoi? Tu fais pas ça avec du pot, tu fais ça avec du houblon, oui. du malt, etc. T'sais. Donc, c'est pas nécessairement la combinaison la plus adéquate. Effectivement. Puis encore là, au niveau des lois, sincèrement, ce qui se fait, parce qu'il y en a là, qui ont comme tâté le terrain et tout ça, mais c'est pas nécessairement du pot, parce que ce qu'on sait pas, c'est qu'au niveau des lois, tout ce qui est alimentaire, oui. au niveau de la production, au niveau des permis, exactement. De un, c'est dans un an, puis de deux, le producteur qui veut vendre un produit avec du THC à l'intérieur de son produit ouais. alimentaire doit être le producteur aussi qui oh, a chef. Exactement la plantation. Oh, ouais. Fait qu'à un moment donné, ça fonctionne pas. Puis si tu vas avoir une boutique qui va vendre, je sais pas moi, un gâteau aux potes, ben il faut que tu sois sur place la personne qui est le produit, puis la personne qui le fait. Mais c'est, encore là, c'est toutes des lois qui sont d'un pas faites et pas claires ouais. encore. Mais clairement, il va y avoir une loi qui va stipuler que la vente d'un produit alimentaire, et là encore là, alcoolique, breuvage, va nous mettre des bâtons dans les roues. Oui, oui, absolument. Mais clairement, là, ça s'est déjà fait aussi, mais c'est pas l'idéal. Mais si je peux me permettre, anyway, je veux la dire... zone barbu, écoute, moi j'aime le sexe, puis j'aime le gâteau au chocolat. Ouais. J'aime-tu les deux en même temps? Pas toujours. C'est ça. C'est... Non, mais, puis je veux dire, ton joint, fume-toi là, puis d'attirer. C'est ça, yeah. Puis prends ta dalle en même temps. Exactement. Et voilà. Au pire, souffle la boucane en bouteille, puis après, prends une gorgée sans peut-être goûter. Ouais. Hey, il y a Marc-Claude Bernier en ce moment qui nous dit qu'on peut aller vérifier. Elle vient de partager ce live sur sa page Facebook. Et elle dit aussi bière et poésie, elle adore. Et ouais. je crois que Marc-Claude Bernier, c'est le rappel, justement, de dire aux gens qui viennent de joindre à nous, hein, que tout le long du mois d'octobre, l'émission Bob le Chef Live, on est associé à sa brasse contre le cancer. Une belle initiative. Il y a plus de 40 microbrasseries au Québec qui ont participé. Ouais. D'ailleurs, nous, on en reçoit 4 à c'est la cool, émission. Il est rendu à l'émission numéro 3 avec la brasserie dépareillée. On a Raphaël Richard qui est avec nous autres. Il faut dire que ces 40, cette quarantaine de microbrasseries-là, il y a plus de 40 microbrasseries en fait. Ils ont chacun sélectionné une bière. Puis tout au long du mois d'octobre, vous remettez une pièce chacune de ces bières-là de vendu, ce qui est beaucoup pour un microbrasserie. Ouais, ouais, ouais. Puis eux autres, en plus, c'est la bière en bouteille, là. Fait que sont dans vos points de vente, tout, ouais, partout au Québec. Over. Puis allez visiter d'ailleurs sa brasse contre le cancer.ca. Vous allez voir les 40 microbrasseries qui participent à sa brasse contre le cancer. D'ailleurs, puis votez pour votre bière préférée. Je veux pas dire que j'ai un favori, mais je suis calé à la chérie. Ah ouais, hein? Dur, elle est tough à battre, pour vrai. Ça t'a fait dans ben, moi, je suis pas supposé. Moi, je suis le Bernard de Rome dans tout ça. Je suis pas supposé. Si la tendance se maintient, hein, la chérie. Mais en tout cas, allez voter pour votre bière préférée, ouais. pour vrai. D'ailleurs, en votant, participez à une bonne cause. Puis aussi, vous courez la chance de soit gagner des billets après avoir Éric Lapointe en show ou aller voir le Cirque du Soleil. D'ailleurs, plein de monde. C'est pas le show du cirque? Sais-tu? Je sais pas c'est lequel, par non. exemple. C'est y a quelqu'un qui sait ça, non? C'est écrit en plus sur le site web. Je suis un peu veg. Allez voir. C'est pas celui avec Dédé, par exemple, à Trois-Rivières. Non, je c'est l'ai ça. Pas vu, j'ai rien à que j'écho. C'est cher les billets pour le ouais, site. C'était intense. Moi, même moi, il faut que je participe c'est à intense. Des concours dans le but d'espérer d'avoir des même billets toi. Pour aller voir. Non, mais je suis pas riche!
Mais je veux dire, c'est cher, man. J'allais une fois au soleil pis j'en revenais pas combien que ça coûtait. Pour vrai, là, c'était... Attends, moi je trouve ça drôle, fin qui caque. Arrête de jaser pis sors ton pain. Oh shit, shit, merci. On va le regarder. Oh, wow, oh, okay. C'est beau ça. C'est beau là. En tabarnak. Si on les touche... Oh, il manque mais ça, il manque un peu encore, hein? Un bon 20 minutes, mais soyez rassurés, ce pain est aussi bon qu'il est beau. Ouais, c'est ça. Ça va être fucking insane, ça. Insane. Bon, on parle de ça. Hey, faudrait essayer de couper ce bacon-là, hein? Oui, moi je veux couper le bacon. Okay. Quand on veut, un cube. Ben, ça te tente de faire des cubes, on fait des cubes. Fais des cubes. Sinon, j'ai amené tous tes légumes, ils sont là. Hey, c'est beau, ça. J'ai amené les échalotes, on a le beurre. On a deux sortes de fromage. On a trois sortes de fromage. C'est parfait. On a du halloumi. Ouais. Ça, moi, j'aime. C'est halloumi, mais ça ressemble au fromage à poutine. Ouais, mais halloumi, là, égale barbecue, là. Oui. Gagne dans la vie. Faites-vous des bonnes brochettes sur le barbecue avec le fromage halloumi. C'est fantastique. C'est un fromage qu'ils font pas. Fait que tu peux dorer ton fromage. C'est ça, coche. Ouais, c'est ça. Même notre. Tu sais que je parte le grill pour halloumi? Certain. Yeah, ok. Non, mais tu fais pas les choses à moitié, là. Il y en a beaucoup qui diraient oui, hein, mais j'aime tout à ça. Mais ça, c'est une question de perception. Exactement. Tu sais, après ça, il n'y a plus de problème. Ok, c'est vrai que ce bacon. Non, mais pour vrai, tu l'as pris où, hein? J'ai pris ça à la maison du Routy. Ouais, on vend du kangourou, puis on vend du bœuf, puis on dit que c'est du kangourou, supposément. Ouais, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Moi, j'ai tout le temps dit, c'est de la faute du propriétaire, pas de la faute des bouchers. Les bouchers sont extrêmement gentils à la maison du rôti. Puis moi, ce qui. J'ai encore pour dire, ce qui fait la qualité d'une boucherie, c'est pas juste la viande, c'est les bouchers qui la coupent. Oui, moi, la coupe une boucherie, est tellement importante. Quand je vais à une boucherie, puis j'ai une recette en tête, puis je vais même acheter un morceau de viande parce que Ricardo m'a dit dans sa recette de prendre ce morceau de viande-là, puis que mon boucher me dit non. Ouais. Prends pas ça, prends ça. C'est la moitié du prix, puis c'est tout aussi bon, même meilleur. Ben oui. Ben là, dans ce temps-là, je fais la recette à Ricardo. Je mets l'autre type de viande, puis je mets ça sur mon site web, puis j'appelle ça ma recette. Oh, that's how we roll. C'est pas vrai, c'est une joke. On change aussi quelques millilitres là, dans les quantités. Alright, bon, pendant ce temps-là, 15-10, le prochain Bip Deep, nous dit Big Ben. Mais, yeah. Fait que on a quand même 7 belles tranches de bacon. Oui, bacon, là, tu peux mettre ça dans tout en courant. Eh hey, mon dieu, ils sont forts tes oignons. Wouh! Quand même, hein! Ah! Yeah, yeah! On se rappelle qu'on a pris des petites échalotes françaises. Voilà. Ça, c'est vraiment une poutine, pas de patate. Non, pas de patate, parce qu'on se rappelle que tu sais, quand tu manges une poutine et que t'es comme plus capable de vivre après, c'est à cause de quoi? C'est la patate. J'ai de la patate souvent, c'est vrai. Fait que là, tu te sens pas coupable, puis t'as du bacon, puis de la bière, puis plein de fromage, c'est parfait. Là. Ça sent la fumée, Alexis, hein, ce 21 octobre. Quelle fumée? J'en avais bien ici. Oui, c'est une grosse échalote. Mon Dieu, plus forte échalote. On commence à cuire le bacon. Ouais, on avance? Ouais? Ouais. Ah, puis on peut sortir, on peut remontrer la recette, comme ça, ça va nous mettre dans les ordres aussi. Pour bacon, je dis tout le temps, j'huile un peu mon bacon. Faut toujours oublier. Ben, il sort plus croustillant. Oui. Il va comme ça colore bien peu. Aussi. Effectivement. Si on va voir la recette. Yes. Donc, à frire, donc c'est les légumes. J'ai mis mon téléphone aussi. Tu l'as sans ton téléphone? Ouais, on voit que du feu. Oh, tu vois? Mais c'est une émission qu'on a le droit ici. On a le droit ici là, de checker ça. C'est clair. Alors, c'est tout là, là. Et voilà. Passons à j'en ai des épluches de nos échalotes dans le compost. All right!
Bienvenue dans Bob le Chef Live. Je suis un petit peu cocktail, c'est la meilleure émission. Interactive, je suppose, éducative, mais non, interactive. Culinaire francophone de tout l'univers. On est avec Raphaël Richard de la brasserie Dépareillé. D'ailleurs, c'est une des 40 brasseries qui participent à sa brasse contre le cancer tout le long du mois d'avril. Mois d'avril, mois d'octobre. C'est le shooter qui parle. Chief m'a le dit. Octobre! De tous les mois en plus. On est même pas proche du mois d'avril. Hein? Eh, bah, boy! Il reste une heure, je vais m'en sortir. Yeah, d'ailleurs, oui, excusez-moi. D'ailleurs, c'est une quarantaine de microbrasseries québécoises qui ont chacun sélectionné un produit de leur cru et qui vont remettre 1$ par bière vendue tout le long du mois d'avril. Du mois d'octobre, sacrement, je vais-tu l'avoir? Du mois d'octobre, à sa brasse contre le cancer et ça sera remis directement à Lucas, une super belle cause. Ouais. Alors, merci pour vrai. Hey, sérieux? La cause, ça m'aide même. Là. C'est vraiment sympathique. Ben, merci pour l'invitation, c'est bien cool. Je déparle, ça va pas bien. Dépareillé, on a organisé Dépareillé. Mais tu sais quoi? Je déparle un peu. On s'est dit, nous autres, on s'appelle Dépareillé, ce qui fait que ça nous donne droit à l'erreur. T'sais, on a toujours une raison, on est Dépareillé, fait. Tu peux t'en servir aujourd'hui, tu sais. J'ai-tu vraiment tout bu mes bières? Ça se peut, ça sent bon. Hey, tu sais quoi? Oui. Je pense que je ferais comme la sauce avant. OK. Comme ça, après ça, quand on fait genre le fromage, bacon, puis machin, tu sais, ça reste comme chaud. OK. Je vais partir le bacon, je vais l'envoyer en arrière. Tu l'enverras en arrière. Excellent. Après ça, on fait déglacer nos trucs. Puis la pépée, on va s'en servir justement. Puis moi, je vais comme préparer... le kill qu'on va faire. J'en ai peut-être manqué un bout, mais où est-ce qu'on peut se procurer un aussi beau morceau de bacon? Dans la plupart des boucheries. Ouais. Pour vrai, là, c'est. Ça se trouve assez facilement, même, Sophie Renault. Achetez-le pas tranché, mais allez-le directement à votre boucher. Ouais. D'ailleurs, gros merci à Gamer Inc. qui nous host en ce moment. D'ailleurs, c'est peut-être un petit moment de le rappeler aussi, hein, que Bob le Chef Live, c'est une production indépendante entre Alexis, Mathilde et moi-même. Vous pouvez toujours donner un coup de main à Bob le Chef Live en allant sur le site boblechef.com. Vous cliquez sur l'icône BLC Live, vous scrollez down, comme on dit dans le langage des internautes. Alexis, scroll up, Mary, scroll down. Voilà. Scroll up, scroll down. La canne de thon, la grosse bière, le petit poulet, la bonne bouteille, le foie gras et la bouteille de bulle sont vos options de dons significatifs. D'ailleurs, tout le long du mois d'octobre, chaque petite bière que vous nous faites offrande, on va remettre 1$ nous aussi à sa brasse contre le cancer. Chaque bouteille de vin, 2$. Chaque bouteille de bulle, 3$. So make it rain, tout le monde. Puis aussi les dons, ben, ça nous aide à poursuivre la programmation à chaque dimanche puis de recevoir justement des invités de marque comme on reçoit aujourd'hui avec Raph. C'est moi ça. Yeah, c'est toi. C'est moi. Oh! Ah, quel beau son du bacon. Hey, là, ça, pour un cuisinier, c'est moi, ça, symphonie. Ce son-là, là, ouais, ça fait vraiment une son de cuisine. Non, je pense que j'ai une petite émotion. Une petite émotion, absolument. Mais c'est... Mais ça comme Ricardo, la cuisine, c'est ça, on cuisine avec tous nos sens. Ouais. On y va au toucher, on y va avec l'odorat, on y va avec le regard, on y va avec le goûter, bien sûr. Mais on y va avec c'est Louis. C'est sensuel, la cuisine. C'est très sensuel. Ouais. Hmm. All right. On salue Rémi Duval là, qui est avec nous autres en ce moment. C'est parfait. Tout le monde parle de la grosseur de cette échalote. C'était une échalote, ou? Oui, non, c'était une échalote française. C'était le plus gros français qu'on ait vu, hein? Je sais. Que de me dire? C'est-tu un beau petit beurre? Oui, oui, absolument. Fait comme il voit qu'il y a kale. Ouais, le kale, c'est ça en arrière. C'est des choux puissants après. Là, le kale, tu l'as... Faut-tu le masser, le kale? Y a-tu quelque chose qu'il faut faire avec? Non, on le masse pas? En tout, on met dans l'huile, on fait frire ça. On va le frire, parfait. Ça va faire partie de la partie remplaçante de notre... Y a-t-il autre chose que je peux faire, moi, pendant ce temps-là? Ben écoute, tu peux peut-être écailler les haricots pendant que... Je suis là-dessus, absolument. Là-dessus, moi, je me charge des bébés choux de Bruxelles. Oui, ils sont vraiment petits. Qui est en spécial. Je sais, quand je les ai achetés, moi aussi, je suis comme, ils sont bien fucking petits, les choux de Bruxelles. Ah ouais, j'ai jamais vu ça petit de même. C'est ce qu'elle disait hier. Ok, là, les bonbons patates, là, dans Twitch, là. Hey, je ferai plus de behind the scenes, c'est pas vrai. Les bonbons patates, si tu... On a fait un test vendredi, des recettes, parce que j'ai comme des contrats à faire. La semaine prochaine, j'ai un atelier jeunesse avec des kids. Ouais. Puis, il faut que je teste les recettes. Tu sais, si ça se fait bien avant de faire une démonstration de cuisine. Puis, on a fait un test vendredi de bonbons patates.
Puis on s'est rendu compte que sur papier, des bonbons patates, ça semble simple. Ouais. Mais le répéter 18 fois avec des enfants délire, ça risque d'être compliqué. À la fin, c'est plus des bonbons patates. Non, c'était plus rien à la fin, littéralement. C'était des patates. Tu fais ben, ça avec... Mon Dieu, chrono chic, tu tâches lousse là, aujourd'hui. Là. Faites ça avec des patates en poudre, des bonbons patates? Non, je sais que des vraies pommes de terre. C'est vrai? Ouais. Si mon grand-père faisait ça avec des patates en poudre. Que je devrais peut-être prendre la recette à ton grand-père la prochaine fois que j'en fais. Non, mais le gars, il se faisait pas chier, tu sais. Tu sais, quand t'en as 18 recettes à faire, absolument. T'as genre une marmaille devant toi. Là. On est-tu correct, Arco? On en veut-tu plus, si tu veux? On ben, ça, tout? Tu fais-tu santé ou genre... Oh. Tu veux-tu nourrir ton thé ou pas? C'est plus ça. Oui, oui, on veut nourrir le thé, absolument. On veut quelque chose de copieux hein? aussi. Hein? C'est ça que ça prend. À ce temps-là, on entend la symphonie du bacon qui rissole derrière nous. Ouais. C'est donner un petit heads-up, là, peut-être aux 3 minutes là, d'aller brasser le bacon. Hey, moi, je trouve qu'on n'a plus d'autres bières hein, depuis un petit temps. Ouais, ça fait un petit bout qu'on a pris une donation de bière. Hein, absolument. Ah, t'as raison, t'as raison. C'est Raph qui le dit, c'est pas moi tout le monde. C'est hein? ça, c'est ça. Mais c'est chill. Merci à Chantal Demers qui nous annonce qu'elle était partie pendant un petit bout, mais elle est revenue. Elle est là. Inquiète-toi pas, Chantal, on a pris une pause pendant que t'étais pas là. Hein? On a attendu que t'en reviennes. Ça, c'est parfait. Et voilà. Bon. On a ce que c'est bon ici. C'est du bon travail, Bob. Quand même, hein? Ouais, ouais, on dirait que j'étais à l'école pour ça. T'as-tu été à l'école? J'étais à l'école pour ça. Le styromousse, là. Vous qui êtes plus écolo que moi, c'est-tu recyclable ou c'est pas recyclable? Fait chez nous, on le recycle. Ça dépend, faut que tu regardes derrière. Il y en a qui sont compostables. Il y en a qui sont compostables et recyclables. Pendant ce temps-là, Bob, on a Fabrice le Belge qui s'inquiète pour les choux qui viennent de chez lui, hein, les choux de Bruxelles. Oui, absolument. Il dit que par chez lui, il coupe jamais ça puis il se demande ce que vous êtes en train de faire. Oh, oh ben 1 000 000 000 sabords, Fabrice. T'en voyais pas venir, hein, celle-là? On coupe les choux simplement pour qu'ils cuisent plus rapidement. Ouais, parce que c'est quand même assez dense, ces choux de sel. Oui, quand même. Fait que moi, souvent, ce que j'aime, si je me fais des salades aussi, j'y coupe comme ça un peu d'huile. Oui. Puis j'y étends sur une plaque, puis on les met au four, ça devient un peu croustillant. Puis d'attitude, ça puis aussi, là, les choux, on les utilise en guise de frites. Et non, ce ne sera pas comme un petit accompagnement là, ça, avec notre protéine. Donc, on va les couper pour que ça aille plus vite. Non, c'est exactement ça. C'est ça qu'il faut. Puis ça, on va tout faire sauter ça à l'huile. Là. Mais vraiment les colorer là, comme... Ouais, ouais. Là, je pense que j'ai le bon... Ça serait pas pire cuisiner là-dedans? C'est pas pire, c'est bon, ça. C'est pas pire. Ça, d'ailleurs, il faut le dire, c'est... le plus vieux poêlon qu'on a, je pense, à Bob le Chef. Mais c'est ça, là. Non, mais lui, il est là, à l'anarchie culinaire, depuis day one, là. Vraiment, là. Il a cuisiné... investi. Ah, il a cuisiné pas mal de plats, ce petit chevron-là. Right. Fait que là, on a les choux de Bruxelles, ça. C'est bon. Là, j'y vais, là, avec un bon... T'sais, ça sera pas une friteuse? Mais tu sais, je te mets de l'huile là, là-dedans. Ouais, là. Mais ça prend de l'huile. Mais c'est ça, si vous avez une friteuse, en fait, à la maison, ouais. C'est encore mieux, vous sauvez du temps, puis vous avez vraiment là, ce qu'on veut faire. Ça, ça va frire là-dedans. Ça va frire, ça va frire. Il y a un bon, check ça, là. Il y a un bon fond là-dedans. Il y a un bon fond. J'ai goût de mettre mes souliers. J'ai comme peur d'échapper ça sur mes pieds. C'est ça, tes petits bas, c'est drôle. Non, mais c'est le fun, je te dis. C'est ça. Non, tu peux montrer. Alors, ah ça. Non, mais! On voulait te montrer tes bas, là. Ah, bas. Je me pose la question! Ici, là. Ah, recule un peu. Ouais, c'est ça, voilà. C'est mes petits bas camouflage. Nice. Mais j'avais des souliers. Parce que je me pose souvent la question. Ah, ouais, hein? Si c'était Claude Legault pour l'inviter au lieu de Raph, qu'est-ce que je ferais en ce moment? Claude me dirait, mets tes souliers. Santé, sécurité, travail. Ouais, c'est SST. Non, c'est vrai, c'est CNESST maintenant. C'est encore plus difficile à dire. Oui, CNESST. Ouais, c'est pas nice.
pas facile. D'ailleurs, Alexis, c'est quand même bon de reconnaître l'organisme qui nous engage une fois par année. C'est une conférence pour la CNSST. Oui, je suis. On me dit à l'oreillette que je coûte moins cher que Claude Legault pour faire des conférences. Hein? C'est merveilleux. Donc, c'est moi qui fais ça. On est émis. Un beau grand bain d'huile, oui, effectivement. Ouais. Ici, là. Hey, le bacon, ça sent bien. Il est beau, Ce qui est nice, c'est que le bacon, c'est que ça sent vraiment bon après ça. T'sais. Parlez pas de pied. BP va apparaître. Il reste 7 minutes pour le pain. Oh! Faites-les revenir dans du gras de bacon ou du toxic gimpy. On pourrait acheter un gras de bacon, un gras. C'est absolument. Sûr. Tout est possible. On est en Amérique. Allô les beaux, nous dit Not Heza. Bonjour à toi. Merci d'être avec nous. Pas trop matin. Non, pas plus d'huile. Faut pas foutre le feu à la maison. Non, c'est ça. Quand même, ça paraît très bien. On voudrait pas être. On va juste mettre une petite pichinotte de liquide. Oui, oui, oui. Ouais. On va essayer de péter. Là, on a notre chou. On a notre chou. On a notre kale. On a notre kale. Là, on va effrayer un à la fois. Un à la fois. Oui. Faut pas mélanger les choses. Ben, c'est parce qu'on va refroidir l'huile beaucoup trop si on met tout dedans. Exactement. Ça va. Son résultat va être meilleur. Ça va juste absorber l'huile au lieu. Ouais, parce que ça, là, c'est ça. Ça va faire mon poulet frit d'hier soir. Il était pas vraiment frit. Ouais. Il y avait plus comme baigné dans du gras frais. Mais tu vois, pour le kale, là, mettons, là, ceux qui sont peut-être qui ont pas de friteuse, oui, qui ont peut-être un peu peur d'utiliser l'huile, oui, tu peux étendre aussi là, comme ton kale sur une plaque. Ouais. Tu l'as l'huile, c'est le poivre. T'as bien la chaleur. Exactement, puis t'es en business. Tu peux avoir un beau kale hyper croustillant. Ça remplace les chips. Là. Il y a Nishoui Saint-Pierre qui nous demande quel type d'huile qu'on a utilisé. Sur votre recette, vous utilisez l'huile d'avocat. L'huile d'avocat. Ah, rien de moins. Ouais. Yeah. On est allé avec l'huile de tournesol aujourd'hui. Mais c'est... l'huile d'avocat, c'est la championne. C'est de vraiment la championne. Ouais, vraiment. Vraiment, là. C'est un petit peu plus dispendieux, par contre. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut manger à la microbrasserie, cette recette, ou c'est vraiment. Non! Pourquoi? Non, parce que c'est apporter votre bouffe, c'est encore là, oui. Oui, écoutez, c'est bon, je vais demander, je me suis finalement non. Mais pendant un moment, là. Hein? Genre, pendant un moment, j'étais comme ça y est. Non, genre, mais là, je vais te perdre la face, le gars. La recette est venue tellement dans un beau format avec une photo de bière à côté. Mais on est des gars qui aiment bien manger, tu sais, fait que puis c'est nos racines un petit peu en guillemets. Mais ça sent rien, ça sent rien. Bon, on a quasiment de la pétillance. Ouais. Puis si vous faites la recette, là, by the way. Si vous faites d'autres recettes avec nos bières, on aime toujours ça que les gens nous envoient les photos de ce qu'ils mangent. Ah! Parce que nous autres, on partage ça, on vous présente, c'est ça qui est cool. Si mon pain il est bon, ouais. T'es-tu en train de dire que tu vas partager notre pain? C'est clair. Voilà, yeah. Partager ça. Ouais. Ça sent bien, lui. Ok, mais je pense que ça sent bien. On peut tester quand même. On peut tester. C'est pas prêt. C'est pas prêt. On le voit avec la pâte. En vrai, il se passe absolument rien. Il y a absolument rien qui se passe là-dedans. Ça. Mais on va le laisser là, parce que ça va être un bon gauge pour nous dire... Ouais, ça commence tranquillement. Ça commence à... Ça sent bien. Bluefox313 qui est avec nous autres. La bête noire de Mathilde, la friteuse. Effectivement, bien dit Chronochic. Du gras avec du gras. Oui, on va mettre du gras de bacon dans notre du gras. Mark dit plus d'huile. Oui, effectivement. On a quand même une bonne quantité. Oh shit. Oh shit, ta paire, c'est... Mais elle a comme légèrement éclaté. Ouais. Éclaté, ça. T'as-tu des pinces? Ben, c'est ça que je cherche. Il y a genre, mettons un club pour les mettre après. Ah, sont-tu des pinces? Parfait, tiens, sans ça, moi j'ai un petit cup towel ici. Ouais, ça j'allais te dire. Fait que, on commence avec les haricots. Haricots. J'en ai bien parti. Et voilà. On peut peut-être montrer pour Fabrice le Belge, notre belle. Ah non, Astérix, il est pas belge, par exemple. Astérix, il est gaulois. Qu'est-ce que je dis là? Mais c'est cool, ça. Mon Dieu. Ça se passe. Absolument. On ne rush pas les choses. Les choses s'en viennent bien.
Dans ce temps-là, on vient en arrière, on mélange le bacon. Ouais. On donne des bits également sur le pain. Cool. Oui, absolument. Ben, pendant que je suis ici. On commence à stresser là, pour le pain. Oh, Chris. On est pas loin. Ça sent bien, hein. On va y aller, Alexis. On est rendu à une heure de cuisson. On va aller qu'un dernier 15 minutes. Je le sens mou dans le milieu. Puis, en plus que je le sens mou. Quand il y a du fromage dans un pain ou dans un gâteau, quand on ajoute des pépites, des trucs comme ça, ou des noix, ou un fruit, ouais. Tu sais, comme en chunk dans un gâteau, faut tout augmenter le temps de cuisson. Ouais. Parce qu'autour du fruit, autour du fromage, la cuisson sera pas complète. Donc, on veut pas là, se ramasser là, avec comme un pain à moitié cuit. Tu veux rien perdre. Fait qu'un dernier 15 minutes, moi j'ai 75 minutes de cuisson pour ce pain, ce sera délicieux. Ah, ça a du bacon qui est... C'est qui est quand tu fais sa vie, là. Ah, mon Dieu, il est de toute beauté. Ah, ouais. Ah, wow. C'est beau, ça, là. OK. Ça, quand c'est prêt, on y a ça sur réchaud. Je pense qu'on va être deux en deux aujourd'hui, dans nos restaurants. Je pense que ouais, ouais. Je pense qu'on est très, très bien parti. En tout cas... Je suis carré, tu m'as pas servi de mauvaise bière. Écoute, une chance, ça s'en ferait pas, là. J'ai les yeux légèrement plus fermés qu'au début de l'émission. Mais je vous dis, la bière est débile. 15 minutes en plus. Oui, Chronochic. Ouais. Chronochic, es-tu en train de chialer? Je sens dans ton ton de voix là, que le 15 minutes te vexe un peu. Là, hein? Je viens de comprendre. Je le sens le mou dans le milieu, nous dit Blackpool, qui est le story de sa vie sexuelle. Oh! Hein? Triste vie. Attention. Blackpool, malgré ce pain au fromage, ne fera qu'augmenter ta vie. Mon Dieu, c'est senti? Oui. Non, mais ce pain est malade, là. Non, mais il est beau, là. Il est bon. De toute beauté, là. C'est encore meilleur qu'un seul. Avec la poutine, une porter, moi, je suis au paradis. T'es comblé, hein? Le cheap, ça fait deux fois cheap, tu viens dans le coin. Mais... Il y a du bacon à terre. Et tu le vois pas. J'ai un petit peu déçu, cheap. Tu te laisses aller, là, pour vrai, là. Hey, c'est les cataractes qui parlent, là. Les cataractes! Fait que ça, on fait vraiment nos haricots. Ben oui, ça se passe des frites. Bien. C'est comme des frites, en fait. C'est vraiment d'avoir un substitut pour les frites. Est-ce qu'on va avoir une petite coloration? Ben oui, ça va devenir un petit peu plus pâle. Ben en fait, quand tu cuis un légume qui est vert, tu vas chercher un vert qui est un peu plus dynamique aussi. Ben tu fais sortir la chlorophylle. Ben, exactement. Vert, c'est ça. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, travailler quand tu veux faire ce cook, quand tu reçois à la maison, là, travailler les couleurs. C'est aussi pour cette raison-là, ça te permet de mettre un peu de joie dans ton assiette. Richard Bonnet, c'est de quoi qu'on parle. Je suis de Bruxelles, dans le gras de bacon, c'est malade. Effectivement, c'est assez malade. C'est clair. C'est sûr. Non, on pourrait même. Attends, on pourrait rajouter, là. Ouais. Mais ce qu'on va faire, on va enlever notre bacon. Tu pourrais le. Cette remise-là dans un petit baba. Wow, remisé. J'aime ça. Moi, je pense qu'on dirait plus jamais réservé, Alexis. On va dire remisé à ce temps. On part un nouveau trend. J'aime la sensi de l'année, hein. Évidemment, c'est l'heure. Exactement. On remise, évidemment, le set de patio. Non, mais on est concept, on l'est pas, le gang. Et toi, Alexis, hein, t'es sur le boulevard Tachereau à Laval, alors c'est sûr que tu remises hein, tout ton kit de patio. Un cabanon, écoute. C'est grand que sa chambre, tu sais, un sale vrai cabanon. Oh wow! Ok! C'est bon ce bacon là. Hein? Ah, celui-là, ça commence à être beau, hein? Non, ça frémit, ça, ouais. Là. Ça commence à être très beau, là. Celle-là, c'est un bon exemple. Là, tu il y en a quelques-unes qui ont vraiment ouvert en deux, ouais. Hein? Mais tu vois, celle-là, là, c'est ouais, ce que ouais. Tu veux arriver comme résultat final. C'est ici, là, ok. Fait qu'on on poursuit là, la on friture. Poursuit, là, ça sent bien. Oh, wow. J'ai jamais vu de quoi avec autant de légumes qui est si mauvais pour la santé. C'est malade. Mais en fait, cette recette-là vient, bien évidemment, de Martin. Oh. Maître brasseur à la brasserie, parce qu'il a comme commencé un nouveau genre de régime
Est-ce qu'il peut comme manger plein de fromage, plein de bacon? Oui, c'est le régime paléo. Ouais, genre, ouais, c'est ça. Ouais, pas, c'est de, ça. Pas de pain, pas de gluten, c'est pas de pain. Pas de pain, pas de pardon. Mais la bière, qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, il gère. Ok, parce que la bière, c'est comme mais le numéro comme... un à éviter, là. Mais comme c'est le bar, sa blonde est enceinte. Okay. Fait que, tu sais, il essaie d'être respectueux et de pas toujours boire. C'est vrai, Steph, je sais pas si tu nous écoutes, là. Et Michou mais, Saint-Pierre, non, Michoui Saint-Pierre, on me dit à l'oreillette, là, en ce moment. Bonjour à Louis Groux, merci. Bonjour à Marthe Poirier qui est avec nous aussi. Keto diet. Paléo, c'est quoi? Paléo, me semble, c'est la même chose, par exemple. C'est comme ça, juste des. Mais moi, des je suis tellement gros. Pas régime ouais. Dans la vie. Moi non plus. Moi, je suis pour l'équilibre. Ouais, l'équilibre. C'est... Mais Martin, mais je fais beaucoup d'exercices. Je fais beaucoup d'exercices. Je fais beaucoup comment je mange parce que je c'est bois ça. Beaucoup de bière. Voilà. Fait que tout tourne autour de ça. Ah non, c'est clair. Mais là, Martin va nous mettre le lien de quelque chose de son régime keto machin. Là. Avez-vous bu 240 ml d'eau, guys? Non, pas encore, Big Ben. On est là-dessus. Tu? On a notre eau. Principalement, viande et légumes cultivés, je crois, nous dit John Parenteau sur le régime keto. Slacker la bière pour une femme, c'est de la vraie amour sale. Merci de ce conseil, Funky Billy. Ah. Ça lève. Chapitre Big Fly qui dit là, qu'on trouve de plus en plus de bière de qualité, hein, de bière de microbrasserie, bière artisanale en France depuis quelques temps. Bon, effectivement, hein, c'est Cécile et Monsieur Coco qui ont envoyé des bières qui étaient faites sur l'avenue du 8 mai 1945, non? Oui. Oui. Absolument. Oh shit, moi j'ai retiré les haricots, je crois. Ben c'est ça là. Parce qu'on on a vraiment là, des ouais, signes de friture ici là. Et on salue BlueFox313 qui vient nous envoyer 13 bits. Oh shit, merci pour les 13 bits. On a-tu d'autres bits que j'ai manqué aujourd'hui, Alexis là? Ben on a. Parce que vendredi, il faut le dire là, vendredi on avait Mikatel, John Trudel et même Giovanni Apollo. Oh. Et ce n'est pas un mensonge! Giovanni Apollo là. Qui se faisait aller, il y avait la bête lousse vendredi, il faut dire, là. Oui, hein? Oui! N'est-ce pas, Alexis? Non, il te laisse tout seul là-dedans. Ah oui, I'm on my own. Bon. Donc, tu posais la question, en fait, on a mis Catel, effectivement, qui a donné 500 bits de plus tantôt. OK! Et donc, c'est bien ça, on aime ça. C'est beau, ça! C'est un même motif. C'est vraiment j'aime ça. Ça, on va y aller. Tu veux-tu, écoute? On va en faire à moitié. Ouais, on va en faire à moitié, c'est ça que. On va garder une petite gêne. Ben, c'est parce que, encore une fois, tout est dans tout. On veut pas refroidir l'huile trop. Wow! Oh! On ne pourrait pas refaire ça! L'essayer! On ne pourrait pas refaire ça. Bon, j'espère que quelqu'un fait un capture d'écran sur un clip avec ça là, sur Twitch. Je sais pas si on l'a vu. Pour vrai, ouais. Là, comme wow! OK, le chute de Bruxelles est pop de l'huile. Ouais. Atterri directement dans le verre. Ça, c'est quand même impressionnant. C'était beau, ça. Mais la diète keto, là, vous savez, regardez, en fait, un des taglines, c'est combattre le gras par le gras. Hein? Ouais, c'est quand donc, même drôle, ça. Pardon, Alexis? Ben, un peu le tagline, le slogan, si on veut, de la diète keto, donc cétogène, oui. C'est de combattre le gras par le gras. Oui! Donc, hein, quand on dit fight fire with fire. C'est la raison. Fait que c'est quoi, tu manges du gras puis c'est moins gras? Ben en fait, l'industrie alimentaire vient sortir de sa collection de printemps-été 2018 et cette année. En fait, ça dit... alors, combattre le gras par le gras, la personne peut trouver ça. Ça permet donc évidemment de perdre du poids rapidement, ralentir l'apparition de la sensation de faim. Mais pourtant, Martin, il a tout le temps faim.
En fait, elle se caractérise par une diminution marquée, de la consommation de glucides, donc de la famille des sucres, et de protéines. Et d'augmenter donc la proportion de l'énergie qui provient, lui, des gras, en fait. Il y a Charlie McFly, Alexis, qui nous demande si on connaît une bonne bière artisanale française. J'aimerais avoir des noms. Est-ce qu'on a gardé les bouteilles? Ouais, je crois pas non, par contre. Non, hein? Non. Peut-être que Monsieur Coco ou Madame Cécile, je sais pas si vous vous rappelez du nom des bières françaises. Vous nous avez envoyé deux bières françaises qui étaient... Quand je les ai reçus, j'ai un peu ri. Franchement, comme les Français feraient. Non, mais comme si les Français, on leur offrait un vin québécois. Okay. Qu'est-ce qu'ils en feraient? Ben, ils en riraient sûrement. Ouais. Fait que j'ai dit, bon, les Français qui nous offrent de la bière, elle était délicieuse. C'est bière. Vrai? Effectivement. Puis elle était brassée sur un nom de rue qui était une date. C'était le 8 mai 1945. C'est la seule affaire que j'ai pas retenu le nom de la microbrasserie. Mais je peux te dire, elle est où la microbrasserie par contre, ok? Peut-être nous rappeler, là, Cécile ou monsieur. Oui, la Farlodoise de Chazelle sur Lyon dans le 42. Est-ce que Farlodoise ou Chazelle sur Lyon, c'est le nom de la bière? Ça, je ne sais pas. C'est un petit peu de découvrir. Mais non, pour vrai, c'est la Farlodoise qui était une excellente bière. Et ça, je réponds à Charlie McFly 293 là, qui parlait de bière artisanale française. On salue Louis Groux. Aussi, Louis Groux qui est en train de faire un grave lax au saumon fumé à l'érable. Funky Billy qui donne un tip très, très intelligent. Il dit, la meilleure diète, c'est l'équilibre et aimer chaque repas. Puis John Paranto qui dit, dans la diète keto, tu utilises des gras comme énergie au lieu des sucres. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans une espèce de débat. Qu'est-ce qui est moins pire pour ce qu'on consomme pour notre corps? Le moins pire, le plus moins pire. Comme ça, on va consommer le moins pire des deux. Ouais. Mais tu sais, les conventions. Alors, salut Maxine qui nous raid avec 4 de ses chums. Gros merci pour le raid. Alors, les gens, ils peuvent-tu comme nous partager sur la page de la brasserie aussi, comme en ce moment, si c'est possible? Comment que... Peux-tu partager genre l'émission? Qu'est-ce qui se passe? Oui, absolument. Il est possible d'aller sur la page de la marche lunaire et simplement de partager. Oui, absolument, mais oui. Ben oui, c'est ça. Faites savoir à Yamaché chez la Mauricie que. On est du love, absolument, là. Ah ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu? En Lorraine, vu que c'est une région brassicole comme l'Alsace, on a beaucoup. Donc, on dit à Charlie McFly qu'en Lorraine, c'est une grosse région brassicole en France, comme l'Alsace, d'ailleurs. Chazelle-sur-Lyon est le lieu, hein, me précise Top Chrono. Et merci à Nick Sparrow d'avoir clippé le chou-fleur qui a volé dans ta bière. C'est parfait. Quand même. C'est parfait. Tout dans ce temps-là, on vient checker. C'est... Ouais. Regardez ça. OK. Bon, là, c'est beau ça. On a une belle colorification sur... T'améliores, hein? J'invente des mots à mesure que tu... D'honneur en demi-heure. Plus que tu me fais boire de la bière, man, on va réécrire le Larousse au complet si tu me fais assez boire. Je t'admettrai que... C'est calorifique. Je te rappellerai que je suis rendu vraiment un bras bien à côté là, et ben, mon bras gauche est bien ancré sur le comptoir en ce moment là. Yes! Avec un petit bacon, voilà. Wow! Hey, cette bière, elle est vraiment bonne, mais elle donne vraiment de l'effet. Lorraine, Alsace et Nord, le trio gagnant de la bière, Monsieur Coco. Gros merci! En passant, M. Coco qui dit que par contre, si vous voulez, il y a énormément de vendeurs de bière en France qui rêvent de vendre la bière du Québec. C'est vrai, hein? Ouais. Mais tu sais, quand on arrive, disons, dans l'exportation, là... Si t'en exportes pas 1 million... On change de game. En exporter 1 million, en exporter 1000, c'est le même prix. Puis, tu sais, pour une brasserie, ça veut dire que là, tu changes de tout pour le tout. Absolument. C'est comme vraiment intense, là. Mais c'est sûr et certain qu'avec la popularité, puis veut pas aussi l'augmentation du créneau brassicole au Québec. Ouais. Clairement, on va voir de plus en plus arriver, comme le vin pour les importations privées, des agences pour l'importation privée de bière du Québec outre-mer.
ça commence à peine. Il y a certaines agences qui commencent à naître, mais je pense que c'est ce qui va vraiment permettre aux gens d'outre-mer de pouvoir avoir nos produits. C'est de travailler avec des agences. On commence à avoir des agences en France qui importent là, des bières d'ici. Ouais, mais surtout des agences même du Québec, là, tu sais. OK. Qui font affaire directement avec les restaurateurs là-bas. C'est en branle, mais tu sais, on est dans les balbutiements. Et vous, est-ce que c'est dans vos projets? Écoute, pas à court terme, pas clairement court terme. Pas, parce qu'on a tellement à faire, je veux dire, ici au Québec, avant de penser à ça. Mais je veux dire, on s'en fout de pas rêver une expansion comme ça. Mais il faut bien faire les choses, puis une affaire qui est bien importante pour nous autres, c'est de prendre notre temps. T'sais. On veut pas sauter d'étapes, on veut bien faire les choses, on prend notre produit, parce qu'on veut bien faire le produit. Fait c'est pas notre but non plus là, de venir. Écoute, l'affaire que vous avez le plus qui est gratuit, c'est du temps. C'est ça. Hein? Fait que profitez-en. Puis ça, je peux te dire que ça fait longtemps qu'on le sait. C'est un conseil qu'on nous a donné d'ailleurs à l'anarchie culinaire là, il y a à peu près 14 ans. Parlant de temps, justement, le temps est écoulé pour le pain. Oh! Quel beau retournement, là, Alexis. Là, c'est... Hein? Avez-vous coupé le gras de bacon avec de l'huile pour éviter que le gras brûle? En fait, on avait de l'huile végétale. Dans ce poêlon-là, on avait du bacon qui cuisait dans un autre poêlon. Et on a juste rajouté notre excédent de gras de bacon à notre huile végétale. Et pendant ce temps-là, il y a un pain qui est bel et bien prêt ici. Mais et qui est absolument de toute beauté. Mais on ne montrera pas tout de suite. Non, tu gardes genre le surprise. Oh, regardez le suspense un peu. Tu sais quoi? Sérieux, hein? Au toucher, là, on envoie un dernier 10 minutes, Alexis, au fond. Ça, le pain. Ça, c'est Cécile, pour dire ça. Oui! Je pense que ça, c'est beau, là. Ça, c'est tout beau. Tiens, on va le retirer. Ouais, on retire ça ici, les choux de sel, c'est fait. Fait que là, ce qui remplace nos frites, c'est les choux de Bruxelles, haricots. Ouais. Habituellement, vous utiliseriez oui, vas-y. Des haricots jaunes. Oui, pour la couleur, premièrement. Ouais. Et secondo, on prendrait l'huile d'avocat. Oui! Puis à la maison, c'est sûr et certain que si t'as une petite friteuse, ce qu'on fait ici en une heure, tu peux le faire en 10 minutes. Absolument! Ça, c'est vrai. C'est ça qui est merveilleux. En fait, tu peux faire les deux recettes qu'on a fait aujourd'hui en une demi-heure et non trois heures. Mais là, c'est parce que on s'apprivoise en prenant de jaser. Hey, on s'apprivoise, j'aime tellement ça. Absolument. Comme des chats sauvages. C'est ça. Marjo sort de ce corps. Alright! Et voilà, là, on est rendu à notre kale. Ça, ça va prendre. Ça serait vraiment pas long. Ah, c'est vraiment. Le temps d'un Scott Powell. Et là, j'ai une question. Pourquoi tu prends le pire outil? J'ai aucune idée. Tu prends un outil plat en plastique qui pourrait fondre dans l'huile. Mais non, mais j'ai l'impression que je vais égratigner le fond de notre poêlon qui est déjà beaucoup égratigné. C'est surtout pour ça. Mais celle-là est vraiment à toutes épreuves. Oui. Ah, ben ça, c'est en fonte, là. Ça, ça dure une vie, là. Ouais. Attention les doigts. Oh, regarde. Ça crépite. Ça crépite. Pendant la semaine de la prévention des incendies, on vous dirait de rester calme. Éteindre le feu. Mettre un couvercle. Évacuer les lieux. Mettre une mitaine jusqu'au feu. Ça pop! On a Chief, Chief est à l'épreuve de l'huile, il est juste en dessous de la friteuse en ce moment. Mais comme, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'huile qui lui crépite sur la tête en ce moment. Mais au c'est un beau plan, c'est bon. Il n'a pas de rien. Et voilà le petit chien crypteur qui est avec nous. Clair. Il faut d'autres Scott Towel. Ouais. Ça, écoute, ça se passe déjà. Là. Ça se passe très très on bien. On a déjà la couleur prendre de son envol. Là. Oh wow! C'est bon ça là! C'est fou pour une femme! Ouais hein, c'est bien! Ouais, c'est parfait! Ah oh, ouais! Ah oh, ouais! Il pourra avoir ma faute bien ça! Oh mon dieu! Ouais, ça c'est parfait! Ça donne faim hein, tu meurs! Oh ouais! Ouh.
le pot sur le rebord de la fenêtre. Kranoschik, elle a testé des tisanes avec des têtes de houblon. Ça n'a pas donné l'effet désiré. Hey, on a Psylodren qui est avec nous autres, Word Up. Merci pour les 10 minutes, Top Chrono. On a toujours l'œil sur le pain. C'est quoi le pot sur le bord de la revanche? Le pot! On a des pickles, des piments forts et des piments banane. C'est juste au cas que l'émission Bob le Chef ne décolle pas un jour. Alexis et Mathilde ont l'intention de se partir un Subway. Hein? Donc, on commence déjà à empiler les condiments dans l'appartement ici. Là. Un Subway de luxe. Un Subway de luxe, rien de moins. C'est ce que je veux dire. C'est beau, ce petit son de frais. Ouais. Là, hein? On le sent. C'est comme un petit peu de camp qui crépite. Ouais. Peur de l'huile, là, par contre. Non, mais c'est quelque chose. Oui, mais check, tu mets ta main, là, dans ça, là. Ça me pétille, là, en ce moment, sa main. On peut même voir, là, que j'ai des gouttelettes d'huile. C'est vraiment pas si pire, là, pour vrai. En fait, c'est l'alcool qui fait que je ressens rien en ce moment. C'est grâce au moyen. On va avoir des cloques. Ça va être demain, ça va être enflé partout, ça. Mais, on blague à part, man, votre bière. Elle est délicieuse. Ah, ça se prend vraiment bien. Là. C'est beau, là, ça se passe. C'est de toute beauté. Ouais. Ouais. On prend le temps, on laisse ça donner croustillant un peu. Ça sent bien, là. 10 minutes, là, ça se fait. Là. Vous allez le voir, il y a comme une coloration un peu plus foncée sur le bout du kale. Là. On le voit, là, ça commence à s'en mettre. Ça veut dire que c'est crispy, là, ça commence. Avez-vous des recettes sur le site web? J'ai même pas eu la chance de... Hey, écoute, attends, là, t'es pas passé en brasserie, t'as pas eu la chance d'avoir notre site web. Je me fais chicaner en ce moment. Sérieux? Mais oui, si jamais t'as le temps, là, tu sais, un dimanche après... Oui! Après que t'es tourné, là, tu sais. Section bière, t'as toutes les fiches descriptives des produits. Okay. T'as des propositions de recettes, t'as des recettes de cocktails aussi. Là, on a tourné avec Mademoiselle Fontaine qui fait des capsules pour le temps des fêtes. En fait, ben, gars, on les a ici, là, justement, sur la page web. Si vous cliquez sur fiches descriptives, vous allez vraiment avoir le détail de toutes nos bières. C'est ça qui est vraiment cool. Fait que t'as les types de houblons qu'on utilise, les grains, etc. T'as les accords. On parle un peu de la chérie dans ce cas-ci, description de la bière. Puis on a ma chérie, exactement le cocktail dépareillé qui est proposé pour la chérie chérie. Fait que ça, c'est vraiment avec tous les produits qu'on a à la brasserie. Oh shit! Oh wow! Hey, ça, c'est beau, on l'entend. Son, ouais. Le petit son qu'on veut. Parce là. Que ça, quand tu vas manger genre de l'Asiat, t'en as souvent. Ouais. Ils rajoutent du sésame dessus. Là. Absolument. Hein? Puis du miel. Je suis un fan des chips de kale. Ouais. Pour vrai, là. Puis check ça. C'est beau! C'est très réussi, tout ça. Ouais. On a été assez, on en veut plus. C'est ça, on fait une grosse poutine. On fait une grosse poutine. Ouais. Ben écoute, on lui a besoin de la cause, à la limite. Là. C'est toi qui décides. On va être chill avec ça. On va être chill avec ça, ok. Parfait. Ouais, cool. On commence à être du... Tu sais, ça remplace la patate tout ça, là. On commence à être pas pire, là. Alright. Fait que là, on a notre kale. On a notre chou de Bruxelles. Exactement. On a nos haricots. On a notre bacon. Pis t'as coupé les échalotes qui traînent encore sur la planche, je te dirais. Ouais, totalement. Fait que là... Écoute... J'ai toujours le contrôle sur l'émission, au cas que vous vous inquiétez à la maison, là. On va faire la sauce. Attends une minute, Adelphus. Oui. Qui est notre champion des jeux de mots. OK. Christian Drapeau. De Drapeau électronique. Cool. Hein, sur la Côte-Nord. Non, pas du tout, dans le Bas-Saint-Laurent. Dans le bas du fleuve. Absolument. Qui nous dit... Ouais. Mais quelle belle réussite. Ouh. Quand même. J'ai interrompu la mission pendant au moins une minute pour dire ce gag à Delphus. Fait que dis pas que je t'aime pas. Okay? Ma poirier dit c'est en masse de kale. Prissy Leveilleux qui demande qu'est-ce qu'il frit. C'est du kale. Non mais le pire c'est que les gens en général ils ont peur du kale. C'est vrai. C'est bon du kale. Mais avant qu'on prenne toi que c'est ça. Est-ce que pendant que l'huile est chaude, peux-tu mettre un petit pincé de sel sur tout ça? Ok, oui.
Là, je vais sortir un autre pépé parce qu'on va en avoir de besoin pour la sauce. Hey, pas pour boire, là, par exemple, là, ça se peut plus. Là. C'est... Comment? Donne la bière à Alexis de Mathilde, là, pour vrai. Là, moi, je vais finir mon petit verre puis j'ai essayé de finir ma phrase. Fait que là, pour la sauce. Oui. Je vais tout manger. Je pense que je vais rentrer le jingle, une dernière shot, là, avant de vraiment l'échapper. Fait que là, il faut sointer les échalotes dans le beurre. Oui. Ok. Ça nous prend du poivre. Oui. Là, on veut un chadron, là, right? Chadron, t'as-tu du bon poivre? On va vérifier ce qu'on a ensemble. Mathilde? Ah. On te demande dans la cuisine, là. Du bon poivre. Parce que ça fait la différence. Ouais. Je vais regarder ce qu'on a. Ouais. Mais je suis pas certaine qu'on a. Peut-être quelque qu'on chose avec ce qu'on a là. Ah, on a un truc qui est le fun. Mais si c'est actuellement, fun. C'est forêt goûtée. C'est. Oh pas shit! Yeah. C'est bon ça. C'est vraiment. Poivre d'aune. Exactement. Califère. Produit du Québec. Ouais. Fait que tant qu'à être dans la thématique, on peut essayer ça. C'est bon. Une grosse chunk de beurre dans notre chaleur. Ouais, du beurre, ça en prend en masse. Ça en prend en masse? Ouais, malade. Non, est-ce que ça, c'est bon? Ça, c'est bon. C'est bon. On met nos échalotes là-dedans? Ouais, on fait soin qu'il y ait des échalotes. Parfait. On attend que ça colore. Après ça, on va rajouter le poivre. On veut que ça colore un peu. Un petit peu. On veut l'échalote, on veut la rendre un petit peu brûlante. C'était-tu le son des bits, ça, Alexis? Et le son des bits, effectivement, et c'est Jacques Le Saumon qui nous drape 100 bits. Gros merci à Jacques Le Saumon pour ses 100 bits. Ou Jake de Salmon, hein? Dépendant de quel bord de la frontière le bit. Et qui dit, tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Cette nuit, la vie t'a repris la meilleure des amis. Fait qu'il est deep, Jacques Le Saumon. Là, écoute, Alexis, je dois t'admettre que tu m'as complètement perdu avec cette poésie. Moi-même, j'ai commencé à lire la phrase sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais. Là. Jake de Saumon, merci beaucoup, par contre, pour ce passage, pour vrai, là. Hey, on salue Jason de Granby, grand chum d'enfance de Mark, mais aussi un de nos clients à Granby, Jean Gawet, famille Gawet. OK. Jean-Pierre et Claude Gawet. Jason, ouais, yeah. C'est ça. Jason excuse-moi. Gawet. Mais écoute, sans même c'est temps. Un compte pour toute la famille, c'est ça. Fait tout que t'as Jason, t'as Pierre, t'as Claude Gawet. Ils partagent le compte, exactement. Là, on va-tu mettre la bière là-dedans, la pépée? Ouais, t'as comme hâte, hein? Non, mais je regarde ça, non, là, ça sent bien. Ça a passé que le rang, mon. OK. Mais là, c'est ça, j'allais dire. Ah ouais, le pain. Le pain est sorti, le pain. Oh non, il n'est pas sorti, mon Dieu. Je me sens vraiment c'est comme Ricardo, comme ça. Oh là, le pain est parfait. Le pain est-il parfait? Le pain est parfait, mesdames et messieurs. Fait que c'était quoi le temps total, c'est ça? 1h55. Le temps, c'était 40 minutes. Plus 15 minutes, plus 10 minutes. Ah, OK, parfait. Fait que ça fait 70 minutes. Mais ça sent, hein? Moi, je le sens. Et ça sent délicieux, ça. Ça sent la bière, un peu. Je sens vraiment le petit goût de bière là, dans tout ça. C'est là. Parfait. Oh, ça commence à colorer, okay, ça. Là, c'est très coloré. Inquiet, là. On va rajouter notre poivre. On veut-tu mettre plus qu'une variété de poivre? Oui. Peux-tu mettre du poivre noir? Oui. C'est du poivre noir cheap. Hein? Qui vient de Maxi. Le Martin, il est comme what the fuck. C'est clair. Parce que sur sa feuille. Mais c'est pas Maxime. Mais quand il m'a envoyé la recette, là, il y avait une parenthèse. Tu sais, moi, j'ai fait un propre pour la recette. Oui. Mais sa parenthèse, c'était comme, tu sais, du bon poivre aromatique, mais oui. Pas l'hostie de poivre cheap. Mais c'est du poivre du Maxi, c'est peut-être Martin Matt qui l'a cueilli. Hein? Ça se pourrait que ce soit lui. Là. Effectivement, on suggère dans la recette donc du poivre de Timu. Oui! Oui! Allez, Philippe de Vienne. Absolument. Vous allez avoir tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on met de la bière là-dedans? Mais oui, il faut déglacer avec la pépée. Fait qu'on y va, là. Top shot, déglaçage shot, Alexis. Oh! On met combien de la bière? C'est when? Tiens, ça c'est bon ça. Parfait. Juste déglacer, hein. Il va falloir réduire un petit peu ça. Oh mon Dieu, ça sent! C'est pas pire, hein? Parce qu'on fait notre sauce, dans le fond. Là. Ça sent pas pire bon, ça.
Il y a Yann Bonneau là, qui demande, on s'en va où avec ça? On est en train de préparer une poutine aux légumes. On a déjà préparé un pain fromage et bière qui est sorti du four, qu'on va démouler bientôt. Et là, on fait une poutine aux légumes qui est vraiment une recette de cru là, de toi-même fly, et de Martin. Ah oui, c'est le gros fly. Puis on peut peut-être le rappeler, hein, si on va aller vous voir, vous êtes à Yamachis. Vous êtes sur le bord de la 138. 138, c'est la sortie 180 de la Terre de 40. Tu prends la sortie, ploup, t'arrives à brasser les pareillés. Tu prends ça cool, là tu te dis, ouais, mais là c'est que j'ai Puis c'est apporter votre bouffe. C'est apporter votre bouffe. Fait que si on part de Montréal, on prend la 138. On arrête à Petite Caillette, à Masquinongé. On est à peu près à 10 minutes de chez vous, Rasmus. 10 minutes, là. On se prend une poutine, on s'en va chez vous. Même le chien a hâte de venir. Le chien, il essaie de sortir de la maison pour s'en aller à la brasserie. Non, parce qu'on est dog friendly, là. Tu peux amener ton chien, tu peux amener la famille. Mais non! Oh! Oh my god! Ben ouais, ouais. Non, c'est sûr et certain, là. Salut. Et c'est pas partout qu'on admet les chiens. Non, vraiment pas. Même les enfants pour les brasseries, c'est pas une saveur partout. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça. Il y a jamais trop de Reaper. Adelphus, il veut juste qu'on mette du Reaper dans tout. Hein? Pour vrai, là. Ah, Mike, tu veux-tu qu'on mette le bacon là-dedans, là, now? C'est ce qu'il dit, ça prend le bacon là-dedans. Oh, ok. Ouh, là, okay. C'est du sérieux, c'est là. C'est du sérieux. Mais c'est bon, de, on a notre manager, genre, qui est comme... Callis Mart. Ouais. That's it. On s'obtient là pour savoir à quand on met le bacon. C'est ça. Funky Billy, qui nous dit belle découverte aujourd'hui. Je pense que Funky Billy va aller à la brasserie des Parisiens. Ben, j'espère bien, sérieux. On laisse réduire notre bière. Après ça, il faut ajouter la demi-glace. Ok. Là, je ne sais pas exactement ce que tu voulais. Oh! Fait que j'ai acheté... Non, mais on n'avait pas le temps de faire de la glace. Non, okay? C'est bon, ça. Fait que j'ai acheté du fond de veau. Ouais. Puis j'ai acheté de la vraie glace de viande. Parce que toi, tu voulais de la demi-glace. Ouais. Le fond, qui est comme le avant demi-glace, et la glace, le après demi-glace. Tu peux mélanger les deux ensemble. Fait que je me suis dit qu'on mélangerait peut-être les deux ensemble. Hey, ça nous donnerait la demi-glace. Comme du vin rosé, finalement. Oui, c'est du rouge puis du blanc, hein, c'est ça. Fait qu'on va mettre le bacon après. Attends. Je suis en train de comprendre qu'on n'a pas vraiment de demi-glace. Non, mais c'est correct. Non, mais là, j'ai acheté de la. Non, mais tu sais, c'est correct. J'en ai de la top, là. Ouais. J'ai acheté ça d'un boucher. Check ça de toute beauté. On va mettre notre la fond. La maison du rôti, right? Bien, exactement. Fait qu'on va venir mettre ça ici. Puis on va aller avec un beau scoop de glace. On peut peut-être l'expliquer. Oui. Du même coup, là. Explique-le du même coup. Ça, c'est notre fond, OK? Notre fond de veau. On a pris des os de veau. Alors, ils ont fait rôtir au four. Si tu fais pas rôtir au four, ton fond sera pas brun. Ça va être un fond blanc. Il y a des fonds blancs, puis il y a des fonds bruns. Exact. Fonds bruns, on a rôti les os, on a rôti les légumes, on a même rôti la pâte de tomate. Oui, ça va tout venir donner la couleur à ce beau bouillon. Là, on le voit, il a figé. OK, il est un petit peu gélatineux. Pourquoi? Parce qu'on fait ça avec les os. Donc, il y a tout le cartilage, le collagène, ça vient gélifier un petit peu notre fonds brun. D'ailleurs, si vous êtes vegan puis vous mangez de la gomme, je vous l'annonce, vous mâchez des os d'animal mort. Okay? Ouais. Par la suite, on fait réduire notre fond de veau de moitié pour nous donner la demi-glace. Puis si on est dans un grand restaurant, on va prendre la demi-glace, on va la mettre au frigo. Le lendemain, on va la sortir, puis on va la mettre dans une petite casserole. C'est merveilleux. Puis c'est fou, là, parce qu'on parle de 20 litres de fond de veau qui donne... Un litre à peu près, un demi-litre de glace de viande. Là, checkez-moi ça. Là, ça, c'est de la gélification. Tu prends un slap shot là-dessus, OK? Puis ça bougera pas. Fait qu'on va venir s'en mettre deux bonnes cuillères. Parfait. Oh, puis goûter. Puis elle goûte vraiment. Ça goûte. Ça goûte. C'est de toute beauté, c'est ça. Bon, c'est... Yeah. On va attendre que ça fonde un peu. On rajoute le bacon. Après ça, crème 35%. Faut pas lésiner sa crème. J'ai pas acheté de la 15 aujourd'hui. Non. Je suis allé pour la champêtre en plus. C'est plus épaisse. Hein, pour vrai, là. C'est bon. Là, on peut être assez réduire ça. Ouais, une petite chance. Absolument. Non, ça se passe, ça se passe. Oh, wow. Ça sent bon, hein. Ça sent bon, là. Oh, c'est de toute beauté. Pas ça, là. Ouais. On peut peut-être tasser. Le fouet, on va mettre le fouet ici, là, directement.
là où il doit être. On va juste nettoyer la planche ici. Surface de travail, propreté. Ben c'est hein? Sûr, on va prendre des photos hein, aussi. Alexis, il en faut pas plus, qui se lève de son siège là, de façon excitée. C'est incroyable. La caméra ici, que c'est le moment là, où on va prendre une photo de nos magnifiques plus. Ça sent bien, Alexis. Pas ça sent bien. On va laisser la batterie. Il faut qu'il recharge. Ok, je vais te remplir ça, puisque ça se passe plus. Là. Oh mon Dieu, oui. Hey, justement, ce que j'ai besoin, un refill de bière en ce moment. Wouh! Damn! Tiens, on va laisser ça là. Alright! Je pense que Marthe Poirier, là, il est déçu, là, parce qu'il disait de mettre du bacon dans la sauce, mais j'en ai mis dans la bouche. Il n'y a pas dans ta bouche, man, dans la sauce. Il existe la gomme vegan. Je sais qu'il existe la gomme vegan. Ça, je le sais. La saveur, là, juste pas. Vraiment. Je préfère No Frills. Merci, Murasaki Pumpkin. On a mis un shot, hein? Non, mais pas c'est l'autre d'Arras. C'est l'autre d'Arras, c'est vrai. C'est celle-là. Ouais, non, ça, c'est celle au poivre. C'est ben, ça. Merci à Gab Langlois qui dit « Vive faire ses lunchs de semaine, boire une bière forte et écouter Bob le Chef Live, best Sunday ever. » All right! Gros merci. C'est quoi la bière préférée de ta brasserie, nous demande Blue Fox 313? Ça, c'est une question top. Hey, c'est vraiment difficile parce que, en fait, là... À chaque fois que tu fais une bière, t'es excité, j'imagine. Ah, exactement. On est excité à chaque fois qu'on fait une bière. Mais je pense que, dans la vie, j'ai une bière préférée pour chaque moment de ma vie, chaque saison... chaque journée de la semaine, c'est ça qui arrive. Chaque en fait, moment de la vie. Chaque c'est quoi ta bière préférée quand tu te lèves le matin? Quand je me lève. Quand je me lève le matin, là, sincèrement. Parce qu'en ce moment, là, moi, ouais. C'est la terre est où? Dans ta minute, je veux. C'est-tu la. C'est la fuck-all. La fuck-all. C'est ma nouvelle bière préférée ouais. Quand je me lève le matin, c'est la fuck-all. Ouais, c'est ça qui arrive, mais en fait, c'est que t'es même avoir une bière préférée. Mais ça dépend c'est quoi le temps de l'année. Tu vas pas oui. Prendre nécessairement la focale à 35 degrés sur le bord de la piscine. Non. Mais. T'envoyerais pas 6 non plus à l'écran game de hockey parce que tu te rappelleras c'est pas ça. Du sport le lendemain. Sauf que sur le bord de la piscine, tu vas peut-être prendre la blanche du Magouin qu'on avait cet été qui va revenir l'été prochain. Pip Malibo. Ouais. Aussi qui était notre bière limonade. Okay. Tangerine, citron lime, fleur d'aisselle. Super cool, super léger. Mais à la fin de ta soirée, après ton souper, mais là tu s'en vas peut-être dans focale. Ouais. Tu s'en vas peut-être dans une ninja épiée. Des trucs un peu plus intenses en bouche aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça qui est le fun de la bière. Je pense que t'as différents produits pour différents moments. Je vais te poser la question parce que tu m'as dit qu'en fin de souper, la ouais. Fuck-all, est-ce que ça se ferait? Ouais. Un shot d'espresso avec la bière fuck-all. Genre un hot shot? Ouais. Ouais. Je sais pas, mais me semble le goût. Genre à la place du Galliano. Ouais, ouais. Ou à la limite, tu mets ça, un peu de café, un peu de Galliano. Ouais. Quelle fonte sur dessus? Ça pourrait être débile. Pas de Galliano aussi. Hein. Non, je pense pas. On a différentes crèmes, là, mais pas, ouais. pas de la Galliano. C'est sûr. All right. Ah, je sais, maison de BS. C'est pas je suis maintenant dans les cantons, mais pas loin de Yamachis. Il y a grand-mère que j'aime, une pierre deux coups. Absolument, Funky Billy. Prochaine fois que tu t'en vas à grand-mère, tu vas pouvoir arrêter, justement, là, à Yamachis et déguster les bières du dépareillé, justement. Faites le live, ceux qui reviennent toujours, si t'avais une bière, ok, ça c'est beau, hein, faites ça. Oui, c'est BL, c'est Pompette Live, Nick Sparrow. Merci beaucoup de nous rappeler ça. C'est à combien cette histoire-là? Ça sent? Oh non, oh, attends, on va le craquer. Ouais, ok, aussi. Toi tu veux qu'il mijote là, ouais, pour la jus de crème? On est-tu rendu là? La crème bacon, on va attendre qu'il bouillante un peu. Ouais. On fait une petite action. On est bien parti par exemple. Ouais, ouais. Mais ça sent bon. Hein. On peut laisser réduire un petit peu. Ouais, c'est quoi? Ça. On va laisser réduire ça. Ouais. On démolit-tu notre pain? Ouais, oh. Que ça donne. Alexis a hâte de prendre une photo du pain en plus. Ouais, hein. Et je l'ai vu aller hein, avec la caméra tantôt. On va faire le tour. Ah wow, un beau pain dense. Il a l'air assez dense. Hein, ouais, ça sent en tout cas le cheese. Fait que c'est le moment de vérité. Il a pas collé. Il a pas collé. C'est très bon signe. Oh wow. Hey, c'est beau ça là. Hey, mais ça sent vraiment. Là. Oh wow. Yummy. Yeah.
Attends une minute, on va prendre un couteau à pain, hein, tu l'écrases. Ouais, exactement. On est de faire délicatement. Oh Chris, la bière! La bière, elle sent tellement! Mais vraiment, là! Go! Ok, ouais, ça sent un peu pire. Ouais, Alexis. Ok, nice, 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 ok. Il faut le laisser sécher un peu, habituellement, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Ok. Hey, ça sent la bière, ça fait. Attends, avec la chérie. Elle est où la chérie? Oh oui, oui, attends une minute. Elle est où la chérie? Chérie, elle est ici. Là, oh oui! Peut-être même, je mettrais peut-être ça. L'artiste, ouais. Ah, ouais. Écoute, il channel son inner Alex Champagne en ce moment. C'est. Gros fight. Son moment de gloire, justement. Une type de bière que j'aime bien de temps en temps, c'est les vins d'orge. Est-ce que les vins d'orge, c'est un type de bière? Ouais, ben dans le fond, Body Wine, vins d'orge, c'est les vins et des bières, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus fortes en alcool. Ouais. Donc, on arrive pratiquement à un degré d'alcool, pourcentage d'alcool, c'est-à-dire comme le vin. Ouais. Donc, okay. Plus c'est plus colosse pour les fins de soirée. Là. Sweet. Ça a-tu fait des bonnes photos? Ouais, absolument. C'est sûr que le chien, là, il sent tout ça. Là, il... Qu'est-ce que je voudrais croquer ce pain, nous dit, là. En ce moment, là, Cécile, top chrono. Ton chien voudrait bien tester le pain, je crois. C'est clair. Effectivement. C'est... Est-ce qu'on aime notre photo de pain? Absolument. Ouais. On est satisfait de ce pain? Absolument. Nice. Oui, la croûte. Il faut goûter à ça. Vas-y, que la croûte. C'est là qu'on va savoir le gauge de qualité. Oh, il manque le sel. Hein? Oh non, pas mauvais, ça. Ouais, c'est bon quand il. Ça, c'est parce qu'il va sécher ou... Il va sécher, ouais. Ouais, il va sécher. On l'a démoulé un peu vite. On aurait pu le laisser dans le moule encore du chop. Mais, ça l'a bien cuit. On sent bien le cheese vraiment sur le contour, le côté croustillant, là. T'as le fromage bien cuit, là. Ouais, pas mal. Ouais. En tout cas, j'aurais mis plus de cheese. Encore plus, hein? Ouais. Chef. T'en as eu là. Il capote là. Ah, ça a une texture humide comme un gâteau choco-courgette. Faudrait laisser refroidir un peu. Mm-hmm. Puis il va sécher. Ouais. Puis on va plus voir les alvéoles. Oh! C'est le moment du bacon dans la sauce! Du bacon. Martin va être content. Mmh. Je mets très bien ça. Ça, on laisse réduire. Oh, on est pas loin là. On est pas loin parce que en mettant la crème, ça va l'activer là. Absolument. La meilleure façon de faire, c'est bon, c'est de mettre du pain dedans, hein? Ah oh ouais, on veut dire quelque chose d'intéressant. Ouais. Ah oh ouais. Une toute autre dimension. Hum, je pense que c'est le sel, là, hein? Ouh! Oh wow! Dans le moi, hein? Ah ouais. Dans la sauce? Ça le fait! Dans la sauce? Ça le fait vraiment, là. J'ai un petit piece, là. Hum! Ah oh ouais! Va aller. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, et Chief, ouais. Là-bas. Allez, deux morceaux de pain, là. C'est en masse. Oh non, c'était excellent, ça. Mmh. Wow. Oui, Angélique, qui nous demande, on pourrait bien enrober les légumes avec la pâte de tempura. Absolument. Totalement. On peut tout faire en cuisine, hein? Non, mais la vue, là, vous pimpez ça comme vous voulez. Adelphus qui dit que ça va nous prendre un shot de crâne pour la petite shot de crâne. Non! Mais il y a d'autres choses, au fait. J'ai pas tout devant moi, là. Oui. Non, je bois pas d'autres shooters. Eh hey, mon dieu. Hey, Metal Kev! Oui, tu gagnes une petite gêne, là. Absolument. Sale. Hey, je l'ai vraiment senti. Mais je sais. Pour rien, non, j'ai mangé une pomme puis un casseau de framboise pour déjeuner. Ouais, mais là, si tu nourris pas comme faux. Mais j'ai vraiment senti ce shooter, là. Il m'est rentré dans les jambes solidement. C'est ça qu'on veut. La recette, Imsulaki, ça sent bien la recette. On va la mettre en ligne cette semaine.
Fromage cheddar doux et yogourt balkan comme muffin. Ouh, funky cat. Ça m'inspire. Nick Sparrow qui rêve au moment shooter. Oh! Ben, je pense pas que ça va arriver dans l'émission. Peut-être après. We never know. Il restera plus de votre sauce à manger de même. Non, on va être correct. On va être correct, je te dis. On y va, tu sais, avec la réduire. La crème. On y va. Moi, ça me tente. Bon, ben, tu fouettes. Moi, je verse. Moi, j'éteindrai même. Ouais, ouais, ouais. Question que ça se sépare. Ça va être beau, ça. Oh, wow! Oh! Oh, c'est onctueux, ça. Ouais, 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 ouais. Oh, ça y est, j'en perds le fouet! Hé, hey, c'est la fin, là! C'est la deuxième fouet qu'on brise! C'est vrai, j'ai brisé un fouet, écoute. Non, je pense qu'il a déjà brisé, je pense. Pas que toutes les fouets sont un seul brisé. Ben, vous récupérez, hein, si ça y arrive. On va checker notre sauce. Oh, wow! Ça vient beau, ça. Ouais. Mmh. On va laisser réduire ça tranquillement. Ouais. Ouais. Après ça, là, tout ce qui va te rester à faire. Je peux-tu m'inspirer de ta sauce? D'accord. Je veux montrer quelque chose aux gens à la maison. Vas-y. Parce qu'aux gens à la maison, la sauce est encore une petite affaire liquide. Ouais. Elle est bien, mais peut-être une petite shot de rien. Mais je veux pas mettre la fécule dans ta sauce. Non. Parce que ça serait un blasphème. Tricher. Ça serait aussi un blasphème. Ouais. Puis on montre souvent. Comment faire des roux à l'émission. Mais quelque chose qu'on va, ouais. On montre jamais, c'est comment faire un beurre manié. Mm. Un beurre manié, ça c'est une vraie façon d'épaisser une sauce sans tricher. Sans tricher, puis sans avoir un goût un peu désagréable aussi. Là, ouais, parce qu'en plus. La fécule, ça laisse un goût un peu féculeux. Ouais, puis si tu ne fais pas de la bonne manière, ça fait des motons, c'est pas cool. Exactement. Fait que notre beurre manié, là, un peu comme si on faisait un roux. Hein, on peut peut-être checker égale quantité de beurre et de farine. Puis on vient mélanger ça à froid. Ouais. Pas dans un chaudron comme un roux, mais vraiment à froid dans un bol. Là, vous voyez, j'utilise mes mains. Hein, pour faire ça. Bonne franquette. C'est le même qu'on fait. C'est la meilleure façon, pour vrai. Là, à l'école hôtelière, c'est comme ça qu'on nous apprend. Puis on vient se faire une petite pâte comme ça, de beurre et de farine. Puis il va falloir qu'on réassemble notre fouet. On a-tu un autre fouet? Ouais, je l'ai mis ici. Attends, ah, t'as l'autre, ok, hey! Parfait. Si tu veux commencer à fouetter, on voit que notre sauce. Ouais. Peut-être voir une top shot de notre sauce, Alexis, ouais. Qui bouillonne un petit peu. Là, le beurre manié, regardez, c'est une petite pâte, là. Égale partie, beurre, farine. Puis, moi, je drop ça. Et on continue. Pendant que Raph continue de brasser. Puis, on fait ça pendant que la sauce, elle bout. Hein, pour. On dit souvent, pour épaissir une sauce, faut que le liquide qu'on mette à l'intérieur soit de la température contraire au liquide qu'on veut épaissir. Oh yeah. Hein, donc, si on veut épaissir un liquide froid, comme quand on fait une béchamel, ben le roux il est chaud, le lait il est froid. Parce que si la sauce elle est chaude, donc on rajoute un roux qui est froid, ce roux froid, ben la bonne appellation c'est le beurre manié. Et pas plus compliqué que ça, le temps que Raphaël finisse de bien fouetter le tout. Ça sent bien. La sauce va avoir une belle onctuosité. Puis on attend l'approbation du brasseur en plus. Là. J'arrive, absolument. C'est moi le brasseur dans ce cas-ci. Oh shit, check ça comme on a une belle c'est sauce. Beau, ça. Ouais, parfait. Là, on a une belle sauce ouais, là, on a vraiment quelque chose de cool. On a exactement, je pense, ce qu'on cherchait. Ouais. Puis là, après ça, là, ça va être l'étape du cheese. Puis après ça, on monte la patente. T'as on pas de crème sûre, hein, je pense. Non, j'ai pas de crème sûre. On a-tu la crème sûre? On a pas de crème sûre. Je m'en veux, là. Y avait-tu des crèmes sur la recette? Une petite quenelle à la fin, juste pour dire, mais on va le dire. Il y a un frigo, on va goûter à ça. C'est important de goûter, tu sais, juste pour. Je dirais que la sauce est parfaite, pas mal. Je peux te dire, Alexis, que tu as des biscuits granola qui sont pas granola. Mais tu n'as pas de crème sur. Ouais, des petits biscuits avec du chocolat dessus, qui s'appellent des granola, mais qui sont pas granola du tout. Mmh. Ça, je t'ai montré. Ben, ça fait drôle, les biscuits que t'as dans ton propre frigo. Ah, ouais, ok, ouais. Chocolat ou granola. C'est du granola? Ah, ça, c'est bon, ça. Ça a tout l'air, sauf du granola, pour vrai. Quand il n'y a rien de granola là-dedans, là, c'est des lus avec du chocolat, du caramel. Là, c'est... fait que là, je vais remiser sur le rond arrière ici la sauce juste pour la tenir à l'échelle. Absolument.
Là, c'est le moment de vérité. On s'en va dans l'aloumi. Dans l'aloumi? Ah oui, fait que là, on amène le grill, là. C'est la dernière étape, là. OK, all right. On ramène le grill ici. On laisse... Si vous avez consommé quelques bières... Ouais. Je vous rappelle de peut-être garder le manche sur votre grill. Mais en même temps, en tant que porte-parole de la semaine de la prévention des incendies du Québec, mettez le manche comme loin du rond. C'est dur à faire, mais checkez ça. Ça, c'est l'exemple parfait là, qu'on a ici. All right, on a du fromage aloumi. Du fromage, je te coupe ça. Pendant que toi, tu nous coupes ça. Et on peut pas prendre la galette parce que elle nous indique ça. Que le manche est chaud. C'est ça, pendant ce temps-là, moi, je vais ouvrir nos fromages. Là, ma grosse inquiétude, c'était... Ah, c'est un gars inquiet, hein? Je suis un gars inquiet, absolument. Puis ma grosse inquiétude le matin, ouais. C'est que nos fromages n'étaient pas secs. Puis okay. J'étais un petit peu déçu. Parce que je suis allé à la fromagerie Amel. Ben oui, qu'on connaît très bien. Qu'on connaît très, très bien. Et il restait juste un paquet de fromage à poutine. C'est vrai? Ouais, j'étais très déçu. Ils ont essayé de me vendre comme un sous-produit. Mais comme ça marche. J'ai dit, hey man, je vais aller au DEP. C'est correct. Ouais, parce qu'ils en ont tout le temps en caisse, les dépanneurs. C'est ça qui est fantastique. Mais si je me. Fait que j'ai acheté au DEP, qui est celui qui est petit. Ouais, tu veux goûter, t'as celui qui est frais. Ça fait du squick. Il est prêt, ça, il est prêt. Il est pas payé. Il est pas payé. Pour du DEP, il est pas payé. Ça, c'est le. Ça, c'est fromagerie Amel. Ça, c'est le gros. Il est très frais. Qu'est-ce que t'en penses? Il fait le travail. Il fait le travail? Non. Ça, ici, Alexis, je t'amène un petit morceau de bois vin. Pour être certain, ça. Hein? C'est très rare, je dois dire, que c'est Alexis qui fait le test du fromage à poutine. C'est vrai? Non, moi aussi, j'avais bien dit. En plus, il y a plus de 15 secondes de différé, là. Ouais, c'est... Ok. Non, mais il est trop tard. Ben, quand je viens ici, je sais tout le temps, Mathis, j'en ai acheté un sac juste pour toi. Ouais. Fait que le bois vin, c'est le petit. Le gros, c'est le Amel. Est-ce que les deux sont à ton goût? Le bois vin est quand même bien. Pour un DEP, ouais, on l'aime. Ça, c'est Amel? Ouais, ça, c'est le Amel. Qui vient de la fromagerie. La Amel. Mais Nick Sparrow, il y a un bon point. Là, si oui. Jamais on trouve pas du aloumi, il y a le fromage Midoré. Dorémi. Dorémi. On en a parlé souvent. Il y a plusieurs fromages à griller. À peu près chaque fromagerie à Star fait un fromage à griller. Mais c'est pour dire, sérieux, ça fait fromage aloumi, c'est un fromage à pâte ferme non affiné. Ouais. C'est exactement. La même façon, le même procédé de fabrication, finalement. Ouais, puis en même temps, le aloumi, bon, mis à part que c'est un fromage qui se grille, qui se cuit, il va prendre aussi le goût avec quoi tu vas apprêter. Okay. C'est un peu comme... C'est le tofu fromagé. Le tofu. Mais c'est ça qui est bon, tu sais, tu le mets vraiment sur ton grill, c'est ça que tu vas avoir, ouais. Tu sais. Notre grill, soit dit en passant, devrait être chaud. Fait que là, c'est le temps. Yeah, c'est le temps, je crois. Mais ça fait tellement bon. Personnellement, je ne jure que par les brins de gouda de Bergeron pour mes poutines du Maxime Beaulieu. Très, très bon choix. On a fait d'envoyer un gigasac à mon C'est vrai? Avez-vous des cadeaux, disons, un peu? Ça nous arrive, oui. Ça sonne à la porte une couple de fois par semaine, ici. Ça sonne à la porte, genre, là. Ça sonne même. Isabelle Bertrand, elle ne jure que par la caillette, hein, dans ton coin ben de pays, justement. D'ailleurs, maison, c'est ça qui est la beauté. Si tu passes par la petite caillette, tu manges une christie de bonne poutine. Profitez-en aussi, gens de Montréal, de manger une poutine barbecue. Solide. Parce qu'à Montréal, la poutine sauce barbecue, ça n'existe pas. Non. Moi, ça me fait chier. On a juste sauce brune à Montréal. Vrai, on n'a pas l'option. Puis, tu sais, quand t'es affaire à Montréalais, première fois, je suis allé au petit Saint-Dô à Jonquière. Ouais. Elle dit, quelle sauce tu veux? J'ai dit quelle sauce je peux avoir. Quand elle me dit, ben là, barbecue sauce brune. Puis j'ai dit, ah, barbecue, tu sais, ça change tout. Mais ça change tout. Un petit peu plus de piquant dans votre poutine. Non, tu veux ça, là. À Montréal, là, pour une ville de 3 millions, on n'est pas top dans la poutine. Mais tu sais, pour vrai, là, les casse-croûtes, c'est pas à Montréal que t'as ça, c'est dans les villages. C'est ça, 138. Mais puis sans niaise, là, si vous allez à la brasserie, à 3 secondes de la brasserie, 538, à côté du Shell, il y a chez Archie. C'est un petit casse-croûte. C'est là que tu connais chez Archie, tu connais pas ta micro. Là, je m'en veux vraiment. Hey, ça fait trois fois. C'est là, la troisième fois.
Ça va pas. Tu niaises, mais je suis en train de préparer. Ouais. Je fais des chroniques à radio de Radio-Can l'été. Ouais. L'été prochain, j'ai déjà commencé. Oui, absolument. J'ai commencé une de mes chroniques qui va être les meilleurs casse-croûtes de la 138. Parce que cet été, la 138, c'est la rue Notre-Dame à Montréal. Ouais, c'est ça. Moi, j'habite au coin de la rue. Fait que j'ai pris la Notre-Dame. Ouais. Puis tu peux prendre la rue Notre-Dame à Montréal puis chauffer jusqu'à Godbout. C'est assez spectaculaire. C'est vrai, tu peux pas te perdre en plus. Tu t'en vas tout direct vers l'est. C'est ça. Mais puis Archie ont remporté genre aussi Casse-Croûte du Québec dans une tournée d'une émission justement aussi là, en cuisine de trouver genre pas avec Benoît Roberge. C'est ça. Oui. Ils ont leur certificat. On essaie de pas mentionner Benoît Roberge. Ah ben c'est ça. C'est pour ça que je voulais pas nommer les choses. Alexis il a comme grogné à l'arrière de l'écran. Je sais pas ce que ça voulait dire là, mais. Détail. Fait que là je pense que c'est le temps de. Pas encore, peut-être? Ah, ça sent bien, ça sent bien. Ça colle un peu, mais c'est parfait. Hey, j'aime TV, Jim TV qui est avec nous autres. Word up. On va attendre un peu parce que ça. Poutine, sauce au poivre. Là, il y a le Tarnac qui est très excité. Sauce 3 poivres, nous dit Blue Fox 313. Tu sais qu'on a un in là, ici à la gare à Rimouski. Le roi de la poutine. Ouais, on est allé. C'était bon, la gare de Rimouski, quand même. Où est-ce qu'on a mangé à Rimouski qui était vraiment bon aussi? On a mangé un autre endroit à Rimouski qui était tout aussi bon. Je me souviens pas c'était où, par contre. Toi, tu parles de la cantine là, à l'entrée de la Gaspésie. Non, ça, c'était la cantine Sainte-Flavie, ça. Ouais, non, ça, c'est une toute autre. Ça, c'est dans les top cantines québécoises, ça, pour vrai. Non, ça, c'est un top 5. Salut, Méo Pensé, qui se reset pour un quatrième mois d'affilée. On le salue, merci. Merci beaucoup à Méo. Il y a Giovanni Apollo pendant ce temps-là qui nous dit chez Mamie dans le bas du fleuve. Ils ont une piscine au canard avec sauce à la bière. C'est vraiment bon. Gros merci à Méo Pensé encore une fois là, qui subscribe. C'est-tu son premier mois? Non, son quatrième mois. Yes, sir. Gros merci, mon Dieu. Petite info, le fromage Halloumi est originaire de Chypre et il s'agit d'une marque déposée. Donc, seulement le fromage Halloumi venant de Chypre peut être appelé Halloumi. C'est plutôt récent, par contre, si je ne m'abuse. Merci à Sophie Renaud Massy pour cette information. T'as pas la colle pas partout, OK? Juste un peu, c'est correct. À toutes les fois que je fais du fromage à Noumi, ça colle. Mais l'affaire, c'est que, check bien, on va l'enlever puis on va aller gratter par la suite pour aller chercher. C'est ça qu'on veut, la c'est couleur. C'est ça qu'on veut. On le veut. Le gros rough, là. Yeah, non, mais c'est ça le meilleur bout, là. Mais c'est quoi, Bob? Cette poire-là, là. Oui. Elle fonctionne bien quand tu veux griller des tranches de halloumi. OK. J'en ai fait beaucoup de halloumi ici. OK, oui. Mais quand c'est en cube, de même, j'aurais dû te le dire avant, c'est vraiment une poêle anti-adhésive avec juste un petit peu d'huile. Ou un papier parchemin au four. Hein? Moi, je le faisais même. Cynthia, la mère, mon fils, le faisait comme ça. Ah ouais. Moi, je pense qu'on éteint ça. On laisse ça dedans, ça va continuer à colorifier. Après ça, là, on s'en est avec les légumes. Faut déglacer avec la. On déglace le grill. Elle est où la pépée? Elle est là. Il reste un fond justement pour ça. J'avais calculé la chose. Regarde ça, c'est bon. Wow! Oh! Elle est excitée, là. Wow, je suis excité pour rien. Non, mais c'est. C'est là, c'est pas ça qui est arrivé, c'est que Chris, c'est rare, ça m'arrive. La vapeur m'a vraiment brûlé le bout des doigts. Oh, c'est... il s'est fait brûler. Ouais, il m'a se brûlé un petit shot. Hein? C'est ça qui arrive quand tu bois des shooters pendant ton émission. I'm so sorry. Ah, c'est donc correct. Hey, je t'en tiens vraiment pas rigueur, je te jure. Alright, bon, ok. Angélique Payan, excité plus qu'un là, dans le chat. J'ai goût d'une poutine, dit Big Ben, mais ça a le goût de ce poutine-là. En plus que c'est une poutine, c'est presque santé. Presque! C'est presque. OK. Moi, j'y vais une déduction. On commence avec les haricots. Ouais. C'est-tu avec ça qu'on commence? Ouais, let's go. Ouais, c'est les haricots, let's go. Les haricots, là, est-ce qu'on peut, on peut les voir, Alexis, pendant le dressage de cette poutine? Donc, des beaux haricots frits, mais, croustillants. Ils sont frits, ils sont hallucinants. C'est ça que tu veux. Puis ils ont... oh, wow! Ça a un goût. Ouais. Tu sais quoi? Je veux pas... je ne vais pas donner des props à la friture parce que c'est de loin la façon la moins santé mais c'est pas de manger. Mais
Est-ce que tu remarques comment ça fait sortir le goût? À fond, là. On goûte le haricot tellement. À fond. Next up. Next step, je pense qu'on va y aller avec nos fameux Bruxelles. Oui! Alors, Fabrice de Belge. Puis vous comprenez pourquoi... Fabrice de Belge, hein, ouais. Il a abandonné l'émission. C'est vrai. Quand il a vu qu'on coupait nos jeux de Bruxelles. J'ai pas vu dans le chat depuis. Hein? Fabrice, reviens-nous. C'était terminé. Il a fallu un gag de complexe. Et tu es encore là, Fabrice. Et des jeux de Bruxelles coupés et puis, il est disparu. Tantôt, on parlait justement en début d'émission. Est-ce que ça, on aime? On en veut-tu un petit peu? On en veut plus, regarde-toi. Oh, wow. Puis, tu sais, on parlait d'avoir les haricots jaunes tout simplement pour faire un contraste. Exactement. Au bout de la couleur, parce que là, on a ton sur ton, tu sais. Oui, mais écoute, je suis allé au Valmont. C'est un bon Valmont. Mais c'est beau, là. Il y en a pas. Ouais, ça, c'est certain. Là. C'est mon... Puis là... Je vais couper ça un petit peu. Attends, il reste... Lequel va sur le top? Lequel va sur le top, top, top? J'aime ça, j'aime ça. Oh my God, c'est beau! C'est de toute beauté. Oh wow, OK. Puis là, toi, t'es le genre de gars que tu t'es dit du cheese... Tu sais, vu qu'on met pas de patates, du cheese, on va s'en prendre sur le cheese. C'est clair. Hein, c'est... Il faut que la sauce soit bien chaude. Elle sent bien, je l'ai partie, parce justement. Que ça va faire fondre le cheese. Là, OK, le halloumi, il va aller sur le top à la fin, lui? Ouais. OK, c'est dégueulasse, ça. C'est ouais. Tellement cochon, man. OK. Hey, checker ça, sérieux, si on peut le montrer, là, ici, là. On l'entend, là. Il est vraiment bien réussi, là. C'est ça. Ça, là. Ça, c'est avant qu'on ait bu les shooters, hein? Ouais. Ça, c'est beau, là. Quand même. Wow! De toute beauté. C'est beau, là. Et pendant que Raphaël est en train de disposer les ingrédients sur le dessus de cette décadente poutine, et rien de moins, parce que ça, c'est de la grosse décadence en ce moment, je donne un petit morceau de kale. Chief mange du kale, tout le monde, je vous dis. Notre pain s'en vient de mieux en mieux. Et moi, je m'en venais... Pour vous rappeler que c'est le mois d'octobre et tout le long du mois d'octobre. Merci Alex. Man, changement d'angle de caméra. Tellement au bon moment. Absolument. Okay. Et tout le long du mois d'octobre, à Bob le Chef Live, on va l'avoir et ça va super bien en ce moment. Super bien, ça va bien. Ça n'a pas de facile. Ça n'a pas de facile. Mais c'est là que. Un bon réalisateur, c'est ça fait tout le temps bien pareil. L'animateur. Hey, on vous rappelle qu'Abob le Chef Live, c'est la meilleure émission interactive culinaire francophone de tout l'univers. On est en train de faire une poutine accompagnée de Raphaël Richard de la brasserie Dépareillée à Yamachiche. Une poutine aux légumes qui n'est pas piquée des verres. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs à la maison, pourquoi qu'on reçoit des micro-brasseurs depuis 3 semaines à l'émission, puis qu'on reçoit la semaine prochaine aussi la gang de la Barbarie à Québec pour venir foutre le bordel avec cuisine. C'est parce que tout le long du mois d'octobre, ça brasse contre le cancer à Bob le Chef Live. C'est plus d'une quarantaine de micro-brasseries qui généreusement ont chacun sélectionné un produit qu'ils brassent eux-mêmes. Ils vont remettre 1$ de chaque bière vendue au mois d'octobre à Ça brasse contre le cancer. Ça va directement à le camp, fondation qui nous tient très à cœur finalement. Et vous pouvez aussi aller sur Ça brasse contre le cancer.ca. Votez pour votre bière, votre micro-brasserie préférée. Et courez la chance aussi de gagner différents prix. D'ailleurs, il y a des billets pour aller voir Éric Lapointe, des billets pour aller voir aussi le Cirque du Soleil. Et pendant ce temps-là, là, ça va être parfait. Peut-être que tu nous lever le chalon. Ça va être ici. Beau, là. Oh, wow. On a le bacon là-dedans. Puis là, je vous dis la seule affaire. Oh, my God! Ouais, ça va être parfait. C'est la décadence dans l'air. C'est la décadence. Oh, avec les morceaux de bacon, make it rain. C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est une crise de belle piscine. C'est merveilleux, ça. Les amis. Et là, oh, si, shit! Et comme, OK! Et la chose à mettre, c'est une petite quenelle de crème sur 14% sur le dessus qu'on n'a pas aujourd'hui. OK. Mais si vous voulez l'avoir un petit côté encore plus somptueux, on top ça avec une petite quenelle. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. On n'a pas la crème sur. T'as-tu tapé un peu, mon ami? Oh, mais check bien ça. C'est moi qui ai tassé bien. Hey. Le poivre machin est là. Oui, vas-y. Je vois. Ouais.
J'ai presque. On n'a pas la crème sûre. Bon, on va venir se faire quand même une petite quenelle de crème fouettée salée qui va venir là-dessus. Blackpool, il a faim. Si on avait un bol froid, notre crème fouettée elle serait déjà tellement montée en ce moment. Non, ils sont tout petits. Ah, pas ça, des fouchettes. On va mettre nos vins. Ça se passe. Ça s'en vient, ça s'en vient. On va l'avoir, on va l'avoir. Quasiment. Le bonhomme était soufflé. Il est pas là, c'est à l'ITHQ, quand ils te montrent à faire la crème potée, tu sais que l'important, c'est d'avoir le bras droit. Oui, ouais. Hein, tu veux pas avoir le bras plié de même. Fait que les gens qui étaient moins grands, on les mettait debout derrière le comptoir sur des caisses de lait. Puis ils pouvaient avoir vraiment le bras. Parce que ce qui est le fun avec cette poutine-là, c'est que t'as le côté croustillant, t'as le côté moelleux avec le fromage, t'as vraiment plein de textures en bouche. Ça prend moins long à faire que monter une crème fouettée. Ah, t'avais juste acheté une crème ça, 14%. On va mettre un petit shot là, comme ça. Juste sur le top ici. Comme ça, sur le dessus, un petit drizzle là. Pour vraiment rendre ça. Hey, c'est beau là. C'est bon, c'est bon. Oh wow! Tu peux la mettre au fait sur. Ouais, faisons ça. C'est comme ça. La bonne bière, hein? Ben, oui. J'aime bien y mettre les deux, t'as le logo, effectivement. Non, je pense que je l'ai mis là finalement. Comme ça. Yes! Wow! Wow! Hey, hein? Ok, en ce moment, on a quelque chose. On touche à quelque chose. Ouais, pas gênant. C'est pas gênant ça. Wow, parfait ça. Yes. Yeah. C'est beau ça. C'est merveilleux. Là, là c'est une job sale, mais il faut que quelqu'un la fasse. Hé hé! C'est dégoûté. C'est clairement dégoûté. This is it. En fait, t'avais exprès, hein. Tu veux vraiment pas que ton équipe y goûte, t'as laissé deux fourchettes. Absolument. C'est comme ça que je suis. Ils sont habitués, ils savent que. Ça, c'est épouvantable. Fait que là, la vue, c'est de prendre un peu tout. De tout. Oh, crouf. J'avoue, c'est bon, là. C'est parfait. Je m'en fous, je vais prendre une cuillère. C'est parfait, là. Oh, c'est délicieux. Tout le monde capote dans le chat. Il y a des soupes que tu manges à la fourchette, des poutines que tu manges à la cuillère. Non, mais t'as tout là-dedans. C'est là. Tellement beau! Oh, c'est beau. C'est absolument délicieux. Et j'essaie de. On a Karine en rue. Allô, salut. Salut Karine. Karine de Leucan. Moi, je vais essayer avec le cœur. Ça fond partout, ça croustille de c'est partout. Beau, hein? C'est absolument délicieux, c'est cette poutine. Wow. Avec une bonne bière, puis t'es comblé. Hein. Ok Mathilde, c'est toi qui décides, est-ce qu'on donne un morceau de poutine à Chief? La semaine passée, je me suis chicané. Je rappelle, il n'y a aucun oignon dans cette poutine, il y a un petit peu d'échalote française dans la sauce. Hein? C'est vrai. Non. Pas de poutine! Oh! Deux! Moi, je préchappe ta paroisse, le gros. J'en ai un bout de bacon avec de la crème dessus. C'est quand même du bacon avec de la crème dessus. Mais régale-toi, hein? Là, quand même, hein? Ça wow. Après 9 ans, 10 ans d'existence, ouais. Tu peux t'ennuyer avec la sauce. Là. Ouais, je vais essayer. T'as le côté crémeux de la sauce qui va... Les haricots, le cœur, c'est vraiment cool, sérieusement. Ça, c'est Martin qui a développé cette recette. Hein? Yes. Oh wow. Ok, oh, c'est absolument, Dieu. Absolument... Fait que ça, là, c'est ce qui se passe dans nos délicieux. Têtes, mettons. Vraiment. Wow. Vous avez des belles têtes, les gars. Mm-hmm. Ouais, littéralement. Oh wow, une chance que l'heure du souper approche du John Paranto. Effectivement. Bob est rouge, oui, oh et ce n'est plus à cause de l'alcool, non, par contre, c'est à cause de la poutine, littéralement. La crème fouettée, pas fouettée, on l'a monté un petit peu, on l'a monté un peu, ça a donné un petit effet. C'était plus pour le style. Absolument.
Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je pense enfin avoir trouvé une manière de faire manger des légumes à mon chum. Écoute, Sophie Renaud Massy, moi je te le garantis qu'il va manger ses légumes si tu y sers comme ça. Un beau chandail de Fallout, nous dit Metal Kev. Props pour le bon oeil. Yes, sir, oui, absolument. Trip de bouffe, nous dit Blackpool. Je pense qu'il s'adresse à Alexis en ce moment. Sinon, il y a Gab Langlois aussi qui remarque le trip de bouffe qui embarque là, en ce moment. C'est là, là. Blue Fox 313, je pense que c'est lui qui dit mieux. Il dit wow. Va-tu en parler, Blue Fox 313, il dit man, ça a l'air fucking délicieux. L'entier 2 qui est avec nous autres, là, roi absolument oh, rien de plus. Elle fait la sauce en live. Oui, on a fait la sauce aussi avec de la glace de viande. Ça a l'air pas mal mieux que mon château de saucisses. Écoute, Mikatel, effectivement, je suis pas mal certain que c'est mieux que ton château de saucisses. On parle aussi de ton mullet, Alexis, en ce moment sur Twitch. Je pas de temps. Sur ton mullet. Pas de mullet. Mullet. Non, moi, je me rase les cheveux une fois par année. Le restant du temps, j'ai juste les pousser comme le soleil. C'est parfait, ça. Ça tombe bien, man. Ouais. Ça va pouvoir faire des pitettes rasées l'an prochain. Ça va être excellent. Yes, sir. Hey, avant de te remercier d'être passé, je veux remercier tous nos viewers qui étaient là avec nous autres aujourd'hui. Parce que vous savez, sans vous, ce show-là n'existerait pas. Rien de moins que la 112e émission aujourd'hui. Fort, hein? Si ça, c'est pas la douzaine du boulanger, je sais pas c'est quoi. OK. Un gros merci aussi à Sabrasse contre le cancer. Dans l'audace hein, de s'associer avec un show web comme le nôtre, Sabrasse contre le cancer, on vous le rappelle, ça dure tout le mois d'octobre. C'est une quarantaine de microbrasseries québécoises que du fond de leur cœur, vraiment, ont sélectionné un de leurs produits. Chacun de ces produits-là qui va être vendu, on va remettre 1$ qui va être remis directement à Leucan. Fait que bravo à toi, Ralph, merci, Martin, monsieur. Ainsi que tous les autres microbrasseurs. On rappelle aux gens aussi d'aller sur sabrasse.contre-le-cancer.ca. Vous pouvez voter pour votre microbrasserie préférée. Il y a une panoplie de prix à gagner d'ailleurs si vous participez. Et, ben écoute, si vous passez dans le coin de Yamachiche, il n'y a aucune raison que vous n'allez pas à la brasserie. Non, arrêtez, on est super friendly. Oui, on va jaser, on va visiter. Achetez-vous votre pépé pour faire votre foot en fin de semaine, dimanche soir, relax. Absolument. Si sinon, là, on achète même toutes les gars. Mixpack, venez sur notre site internet. Puis vous êtes dans quasiment une centaine de c'est points ça, de vente. Si vous allez au www.brasseriedépareillé.com sur notre Facebook, vous allez avoir toutes les infos, les fascicules recettes, blablabla, les points de vente. On est bien sympathiques, on aime ce qu'on fait qu'on veut triper avec vous autres. Avant qu'on nous dise qu'on nous host, je veux juste saluer Big Ben 2161. Inspire, Chrono Chic, Blue Fox 313, Gab Langlois, Giovanni Apollo. Hein? Même si tu es un menteur assumé, Giovanni Apollo, on prend le temps de te saluer quand même. Make Magic, Hugo 1079, Québec Knight, It qui est avec nous autres aussi. Dommage qui est avec nous autres aussi. Mikatel qui est avec nous autres aussi. Marc-Claude Bernier, Karine Henry, Sophie Renaud Massy, Monsieur Coco, Adelphus, Metal Kev. Angélique Payel, avec toute la bière. Prends ton souffle. Puis le gras que j'ai bu, ça se peut que je m'évanouisse avant de terminer de saluer tout le monde. Mick Bois, Otero TV qui est avec nous autres aussi. Tarnac qui est avec nous autres. Ainsi qu'Angélique Payel, Metal Kev, toutes les autres. Adelphus 515, je suis en train de digérer en même temps que je salue tout le monde. Merci à tous. Puis merci, surtout. Hey, merci, Bob. Salut. Vraiment, brasserie dépareillée. Mad Props. On continue la semaine prochaine hein, dans notre lutte contre le cancer avec sa brasse. Contre le cancer à Bob le Chef Live, où on vous rappelle que nous aussi, hein, à chaque bière qu'on reçoit en donation, on remet 1$ qui s'en va directement à le camp, comme les produits sélectionnés par plus d'une quarantaine de microbrasseries au Québec. Oh, yeah. Et sur ce, Mathilde, qu'on s'en va? Ben là, on hésitait, Alexis et moi, mais on va aller voir quelqu'un qui n'a même pas l'âge, je pense, de consommer de la bière. On va aller cuver notre bière en sa compagnie. Il est modo chez Blackpool, très sympathique. On a déjà joué un peu en GTA. Max Gentleman, on va aller dire un beau bonjour. Est-ce qu'on devrait dire Max Gentle Kid? On pourrait peut-être changer. Gentle Teen, quand même. Ça, ce serait weird. All right. C'est Max Gentleman. Oui. Il faut faire ça comme du monde.
Inspire, word up, on te salue. Québec Dark aussi, on te salue. Psy Ledren, Nick Sparrow, on te salue aussi. Qui d'autre? J'ai-tu manqué quelqu'un? Je pense pas. Je pense John Paranto, je t'ai salué. Angélique, Metal Kev, Hellwife, McBoy. Je veux pas faire le générique comme la semaine passée, Bob. Prends ton temps, je vais saluer Giovanni Apollo. Un gros merci spécial à Giovanni Apollo. Giovanni Apollo, d'ailleurs, qui a inventé la poutine et toutes ses dérivés, ça vient tout de lui. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé la cuisine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Merci, Giovanni. Carl Tivierge, qui arrive avec nous autres dans les dernières 30 secondes de l'émission. On salue Carl Tivierge. Carl Tivierge, écoute, on te suggère de réécouter l'émission au complet parce qu'on a fait un maudit beau pain, bière et fromage et une sacrée bonne poutine. J'en ai mangé avec mes doigts. Légumes, c'est bien correct. Tu manges avec qu'est-ce que tu veux à Bob le Chef Live. Hey, on se voit la semaine prochaine, les potes, comme dirait Will Smith. Ciao, Rigoletor 79. Ciao, tout le monde. Yo, merci. Salut. Encore, man. Hey, merci, mister. Mille merci. Oh, yeah. Yeah. Peace out.